Hello, 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 hello. Ooh, hello. Okay. All right. What is going on? What is going on, IG? What is going on, IG? What's happening? What are you? Okay. Where are you? Come on now. Yes. Where are you, IG? Vous êtes où? Vous êtes Come où? On, vous êtes where are you, IG? Where are you, IG? Yes, where are yes, you? Yes, where yes, are you? Yes, where yes. are you? Where are you? Where are you, IG? Come on, come on. Let me double date first. Should we double date first? Yeah. Should we double date first? Come on. Where you at? Uh-huh. Bienvenue. You know what it is? Yeah. Come on. You know what's going on, man. All right. Let's go. All right. Vous savez déjà, c'est le rendez-vous du jeudi, your favorite talk show. Yes. Double date. Woo! Season 3, episode 1, 2, 3, 4. Come on. Mais la saison est loin d'être terminée. Y'all don't hello, even, hello. Y'all don't even understand. Welcome people, Team CA. Yes. Team Notre équipe CA, de couronnée d'amour est know. Présent. Come on. Bonjour come mes come pasteurs. On. Ah, nos enfants sont là aussi. Come on, what's going on? Les couronnés. D'abord de saison 3, épisode you 4. Know, exactement. You already know how it goes down. Double date. Hey, your testimony matters. Hey, double date. Your testimony matters. Double date. Your testimony matters. Double date. Your testimony matters. Spin. Double date. Your testimony matters. Double date. Your testimony matters. Wow. Your testimony matters. Yes. Your testimony matters. Your testimony matters. Your testimony. Est-ce qu'on peut avoir un band avec your nous? Testimony matter, your testimony matters. Your testimony matters. Your testimony matters. Okay. Your testimony matters. Your matter. Your matter. Oh non, pas ce move. Sauf si tu rates là-dedans. Ah, tu vois, hein? Tu vois, dès que tu le vois une fois, ça reste dans ta tête. Moi, I'm not on that move. What's going on, people? Your testimony matters. Ouvre. Vous êtes où? Ah là là, tu cherches des problèmes. Faut enregistrer un générique. Faut enregistrer le générique. Non, dites à l'invité qui me fasse rentrer dans une de ses chansons. Tell him I'm a beast. I'm from America, baby. We don't play no games. Y'all want me to rap? I can rap right now. Oh, c'est correct. What you mean, c'est correct? C'est correct. What you mean, c'est correct? Ça va aller. Yo, bro, I was destroying people in high school. Don't you play with me? I was destroying people in high school. Play games, boy. Okay, babe. Les choses anciennes sont passées. Bro, it's in my calling. Don't even play me like that, girl. Ok, est-ce que vous êtes là? Woo! Vous êtes où? C'est la question du jour. Vous êtes où? Come on. Vous êtes où? Let's go. Quelqu'un te dit stop that, man. Man, y'all haters. Notorious Joey in the building. Yo, no, they used to call me Joey Demo. You don't even know. I used to, yo, I was a crazy MC, hey. Okay. Le moment non, est je, venu. Je veux juste voir des feux. Les choses ont changé.
Oh, le mot d'aujourd'hui. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Fire. Connais pas mon état. Je vois vos feux là, c'est incroyable. Come on. Venez, venez, mes enfants. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Papa vous appelez. Venez, venez, les enfants. Come back. Come back to the fold. À cause du loup. À cause du loup. Maintenant, si on a chopé le loup là, il y a 2000 ans. Zimbata. Vous êtes tout. Vous êtes tout. On a chifflé le loup là, il y a 2000 ans. Bah. Vous êtes tout. Ah. Vous êtes tout. Ah. Vous êtes tout. Ah. La manière dont vous mettez les feux, ça me donne chaud. Yo, je peux t'emmener en enfer. Pas à faire. Je peux t'emmener en enfer. Ok, let's go. Apparemment, c'est par rapport au paradis que tout le monde peut garder des monies chez le paradis. Et tous nos garantés de karaté tombent dans les balles. Séparer les parasites et son nom, c'est qu'on a des parasites. Certains sont en train de chercher les milliards. Le diable est en train de les humilier. Mon ami, toi, non, tu ne vois pas ce qu'il y a. À boire. La vérité a lu toute la gloire. La gloire. Les orphes, le père des orphes, il ne peut pas t'oublier. La moisson est claire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'ouvriers. D'ouvriers. Y'all don't even know the game is serious. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Papa, vous appelez. Venez, venez, les enfants. Come back home. Nous ne voulons pas. Come back home. À cause du loup. Yeah. À cause du loup. Maintenant, si on a chifflé le loup, là, il y a 2000 ans. Ah si les enfants étaient là, ils allaient vous faire ah. C'est grave à la ah, maison. C'est grave. J'ai fait le loup là il y a 2000 ans. Après ils disent ah. That's for the remix. Aïe aïe aïe. Oh c'est chaud ici. Dans vos têtes, vous êtes où? Vous êtes où? Est-ce que tout le monde peut écrire vous êtes où? Yes. Papa vous a appelé, vous êtes où? Oh. Okay, wow. okay. So this is just a little, something. This is just a little something. This is just a little bit. You don't even want it. Just a little bit. This is just a Les little gens bit. Demandent, mais c'est la chanson de qui? Yo, people. Pourquoi est-ce que ça joue aujourd'hui? Tu vois, so people are confused. People are like, ah, mais est-ce que vraiment il y a la bonne musique dans le Seigneur? Mais pas seulement la musique d'adoration, façon, mais vraiment la musique d'ambiance, musique de fête entre chrétiens. Est-ce qu'il existe des choses? En tout cas, les amis, il existe plein de choses. Plein. Et l'invité d'aujourd'hui, avec son épouse, oh, they next level with it. Next level. Oh, they. Donc ici, ça ne fait que jouer, ça ne fait que jouer. Les enfants connaissent la chanson. Les enfants connaissent, ils ont même remixé les chansons. C'est un autre niveau. Mais non, mais tu as dit la même chanson, pourquoi? Il faut mettre les autres. Something else, hein? Il faut mettre les autres, on n'est pas pressé. Est-ce qu'on peut dire on n'est pas pressé? Tell me what you want. Est-ce qu'on peut dire on n'est pas pressé? You want it? You tell me what you want. Yes. Tell me what you want. Okay. Let's go. Est-ce que quelqu'un peut dire on n'est pas pressé? Ne plus être ivre de bière, ne plus servir le diable avec la cuillère. Et au papa hocher, moi je refuse de frapper le rocher. Attends, moi je veux bien m'accrocher. Mon passé me rappelle, mais je refuse de décrocher. C'était des fouca. Puis je mets les nyaga. Je faisais des kouba. Un semblant de tout va, tout va bien. Puis c'était des fouca. Puis je mets les nyaga. Je faisais des kouba. Nothing up, je vais lever ma voix.
pour moi. Papa, tu comptes pour moi. Rentrez seulement dans le vibe, les amis. Yeah. Ooh, okay, okay, we gotta stop. Avant qu'ils disent que vous avez gâté notre chance. vous avez, c'était nul. Yeah. Donc we gotta stop. Okay, so bienvenue à Couronné d'amour. Peut-être que c'est ta toute première fois de nous suivre. En tout cas, ici, on aime Jésus. Peut-être que tu n'étais pas au courant. Peut-être que tu te dis, j'ai envie de partir. Je te conseille fortement de pas rester ici. De rester ici. Ouais, pas rester, mais de rester plutôt ici. De ne pas partir, mais de rester. There you go. You saw the word. You saw the game. You saw the game, right? Don't play with me. I used to kill people in high school. Literally, like, lyrically. We didn't see that, I don't know. Sister, don't say nothing. You were not there. Ask people that know my past. Ils habitent à Montréal, non. Ask about me à Montréal, non. They know. I was crazy with it. Okay. Est-ce qu'on peut se présenter? So we back. So nous nous présentons. Mon nom est Prince Joey, Princesse Nifa. Yes. Nous sommes les fondateurs de Couronné d'amour. Yes. Cette entreprise chrétienne a pour mission de vraiment préparer les célibataires et équiper les couples afin qu'ils aient un mariage solide, harmonieux et qui a de l'influence. Yeah. Et ça fait déjà 7 ans que nous avons mis sur pied littéralement ce ministère qui bénit des centaines et des milliers de personnes à travers le monde. Nous vous invitons à visiter notre site internet au www.couronnelamour.ca afin de découvrir la panoplie de services que nous avons pour vous. Nous avons principalement deux groupes, le groupe des hommes qui est le groupe des hommes distingués et le groupe des femmes qui est le groupe des femmes exceptionnelles. Que nous vous invitons à intégrer si jamais vous désirez avoir un contact direct avec nous, des réponses à vos questions, participer à des discussions enrichissantes entre hommes et entre femmes. Uh-huh. Si vous avez besoin qu'on puisse prier ensemble, nous prions ensemble au travers de ces deux groupes-là. Nous vous exhortons sur la parole de Dieu et réellement, nous avons ce qu'on appelle des masterclass, des ateliers spéciaux pour pouvoir vous équiper davantage. Donc, je ne sais pas si quelqu'un peut me mettre dans les commentaires le lien que j'ai cité tout à l'heure. Celui du site de Couronné d'amour qui est le www.couronnedamour.ca pour que les gens puissent même le screenshot, le noter et ne pas l'oublier. Donc, ça, c'est vraiment pour le site. Vous devez savoir que nous sommes des auteurs, des conférenciers et également, mentor pour plusieurs personnes. Alors, je vous mets ici notre livre, notre tout premier livre que nous avons écrit en 2020, qui est sorti en 2021. C'est un livre pour réellement parler de notre témoignage. Mm-hmm. Alors, vous nous voyez comme ça, il y a beaucoup de joie, beaucoup de chimie, mais les choses n'ont pas commencé comme ça. Le livre s'appelle « Du scandale au miracle » et c'est pas pour rien. C'est vraiment parce que nous avions été malheureusement auteurs d'un scandale et nous le disons pas simplement pour s'exposer, mais dans le but d'encourager, d'édifier tous ceux et celles qui peuvent passer par des situations très compliquées, très difficiles durant leur cheminement. Et on vous montre en fait comment est-ce que nous nous en sommes sortis par la grâce du Seigneur. Yep. Nous avons littéralement expérimenté un miracle à plusieurs niveaux durant notre parcours. Mais avant, c'était catastrophique. Beaucoup d'incompréhensions, beaucoup de disputes, beaucoup de divisions, des séparations et d'autres drames que nous n'allons pas dévoiler. Parce que si vous n'avez pas lu le livre, vous devez le découvrir dans le livre. Alors, quelqu'un est en train de dire « Where can we find it? » Tu peux simplement aller sur le site www.duscandaleaumiracle.com. Nous croyons réellement à la puissance du témoignage. Absolument. C'est pour ça que nous avons créé ce talk show chrétien qui s'appelle le Double Day pour que vous puissiez également découvrir le témoignage de d'autres couples afin d'être édifiés, afin d'être bénis, afin d'être encouragés, afin d'être enseignés, afin d'être relevés, afin de retrouver espoir. Donc, comprenez réellement
que c'est ce qui pèse dans notre cœur. Merci pour l'équipe couronnée d'amour qui met les liens. Donc, comme on a dit tout à l'heure, pour découvrir nos services, notre site et être vraiment au courant de nos prochains événements, conférences et ainsi de suite, allez sur le lien www.couronnedamour.ca pour pouvoir vous procurer notre livre et découvrir vraiment notre témoignage qui va vraiment, je le dis en toute humilité, qui ne va pas vous laisser indifférent. Mm-hmm. Je vous invite à aller sur le www.duscandaleaumiracle.com. Mm-hmm. Et finalement, si jamais vous voulez avoir un contact direct avec nous, eh bien, rejoignez le groupe Femmes Exceptionnelles au www.femmes-exceptionnelles.ca. Et pour le groupe des hommes, www.hommes-distingués.com. Absolument, absolument, voilà. Absolument. Ce sont vraiment les services que nous offrons ici à Couronnée d'amour. Nous sommes réellement là pour vous. C'est vraiment un livre, je pense, qui va beaucoup vous challenger à vouloir vous surpasser. Et ça, c'est très, très, très important. Et quand j'ouvre là, comme ça, dans le chapitre scandale, nous parlons effectivement... I'm just going to show you a little bit. Nous parlons, qu'est-ce qui est écrit ici? Un cycle destructeur. Ouais. Ah oui, oui, oui. Parce que des fois, nous nous trouvons dans des choses et quand ça vient une fois, c'est bien et ça repart. Mais quand ça ne fait que revenir et revenir et revenir... Nous devons être en mesure, nous devons avoir les notions, la sagesse et le know-how, comme on dit en anglais. On doit savoir le cheminement qu'on doit emprunter, la route qu'on doit emprunter pour sortir de certains cycles destructeurs. On en parle en long et en large dans le troisième chapitre, qui est le chapitre du scandale. Just to give you just a little bit, just a little bit. Alors vraiment, on vous encourage. On parle vraiment de choses très, très profondes. On s'expose beaucoup. On parle de nos backgrounds familiales. On parle réellement de comment est-ce qu'on a évolué. Vous savez, les gens ne se lèvent pas le matin juste pour faire un scandale. Non. Il faut vraiment qu'il y ait eu des choses aussi qui se soient passées et qui nous a poussé finalement à commettre ce genre de situation, ce genre de, d'acte en tout cas, qui peut blesser beaucoup de personnes autour de nous. Donc, on explique vraiment toutes ces choses. On a grandi dans des foyers très particuliers, avec des réalités vraiment compliquées. Je ne sais pas, toi qui m'écoutes, de quel foyer tu viens. Peut-être que tu as grandi et finalement, tu t'es retrouvé à avoir beaucoup de dépendance affective. Tu as grandi et tu t'es retrouvé à avoir beaucoup de lacunes, en tout cas, au niveau de ton développement personnel. Tu as besoin d'être rééduqué. Tu as grandi avec un modèle qui a finalement été abusif pour toi. En tout cas, tu as probablement vécu des choses qui t'ont affecté négativement. Et au travers de ce livre, on en parle en toute transparence pour la gloire de notre Dieu. All right. All right. C'est malheur. La tempête ne fait pas peur. Pas peur. Mon Jésus est toujours à l'heure. À l'heure. Condamné. Après, tu commences à... Tous les moves doivent sortir. Tous les moves doivent sortir parce que... La musique que je suis... En tout cas, we gotta stop. OK, mesdames et messieurs, aujourd'hui... Take it away, Princess Nifa, take it away. Est-ce qu'on peut accueillir le couple du jour? Et j'ai besoin de volume dans la musique, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut accueillir notre cher couple du jour, le couple qui va nous impacter par notre témoignage en ce quatrième épisode de votre émission, de votre talk show du Double Date. Double Date. Ce n'est nul autre que le couple que nous entendons chanter actuellement au travers de cette belle musique sur laquelle nous ne pouvons arrêter de danser. Oui. Et il s'agit bel et bien du couple. Mais quel son! Oh mon Dieu! Ouais. Oh, je t'en affirme que tout va bien. Dans la face du diable. Tout va bien. Couple d'expo.
Oh, we gotta stop. We got. We gotta stop. Oh la 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 la. Regardez-les, mesdames et messieurs. Mais est-ce que vous êtes prêts? Et vous, on arrête la musique. On arrête la musique. We gotta stop. We gotta stop. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Comment ça va? Comment vous allez? Ça va par la grâce de Dieu. Et vous, ça va? On a vu que ça va. On a entendu que ça va. On a entendu que ça va. Waouh! Vous avez comment? On a entendu par l'animation, par le début, on sait que vous allez. Donc, il faut comprendre que les enfants ne sont plus tranquilles. Wow. Ça fait déjà près d'un bon mois là. Dans la vraiment, c'est. On repeat. C'est. On repeat. Si seulement on pouvait montrer aux gens qu'est-ce qu'on vit chaque soir quand on mange. Vous allez même pas nous croire si je vous explique. Tous les soirs, dès que la table est dressée, on commence grave, à manger. C'est quand grave. Ils ont presque envie de manger, c'est fini. Ça commence. It's over. Donc, c'est la playlist Serviteur Pierre avec son épouse. C'est fini. Ça joue. Les enfants ont des mouvements terribles. Si vous cherchez des chorégraphes, en tout cas, il y a tout ici. Il faut seulement demander. You guys are not ready. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Pierre et Daisy Degbo. Beaucoup d'amour, beaucoup de cœur. Show them some love. Show them some love. This is, come on. Yes. This is love. Yes. This is love. Yes. Now, this is real love. That's it. Come on, on veut lire vos commentaires. Yes. Come on. Merci beaucoup. Love, big love. J'aime ça. Wow. Je pense que tous les cœurs témoignent de l'amour que le public a pour vous. Absolument. Vraiment, vous étiez attendus. Absolument. Nous sommes très contents de vous accueillir au sein de cette émission. Et vraiment, je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Du bien au travers de votre histoire. Mais avant de se plonger dedans, est-ce qu'on peut vous demander de vous présenter, de nous dire qui vous êtes, ce que vous faites? Je sais que le Seigneur vous utilise puissamment dans vos ministères, là on l'a compris dans la musique, mais même à l'église, vous avez des écoles particulières que je vais vous laisser vraiment le temps de parler par rapport à ça également pour que le peuple de Dieu puisse en être informé. Alors couple Degbo, à vous la parole. En tout cas, juste avant qu'ils disent qui ils sont, vous devez juste savoir que quand vous allez sur YouTube et vous regardez le chant pour Jésus, qui est mon chant préféré, le serviteur Pierre avec sa merveilleuse épouse, on composait ensemble. Vous voyez réellement qu'à l'intérieur de un an, il y a déjà plus de 705 000 views YouTube. I did my research. I know what it is. It's almost a million. Yeah. It's almost a million. Yeah. It's almost a million. Alors juste avant qu'ils puissent dire humblement qui ils sont, il faut mettre sur leur front que c'est bientôt 1 million. Donc, c'est des gens que c'est bientôt 1 million de views, que 1 million de personnes les ont vues. Et avec raison. Très beau chant. Tous vos chants sont magnifiques. Ça, c'est pour les rendre la tâche difficile. Quand on t'introduit comme ça, que ça fait bientôt 1 million de personnes qui t'ont vu, maintenant, qu'est-ce que tu vas dire pour t'introduire? Vas-y, allez. En toute humilité, bon, maintenant, on va les écouter. Allez. Oh, wow, c'est merveilleux. Et déjà, bonsoir à tous et merci de nous recevoir. Merci déjà de nous recevoir. On regardait l'émission déjà depuis un moment et vraiment c'est une plateforme qui bénit. Donc on est très honorés d'être là ce soir. Et donc moi du coup je m'appelle Daisy, j'ai 26 ans et en ce moment je suis mère au foyer. Moi j'ai fait des études de langue et j'ai travaillé aussi longtemps dans le commerce. Mais après, bon, j'ai eu les enfants, etc. Et je me suis pleinement consacrée pour le moment à la carrière de monsieur. Donc, du coup, voilà, je le soutiens, en fait, dans sa carrière et tout. Et puis, en parallèle, je suis chantre à l'église et également dans le bureau des responsables de l'église. Et c'est vrai que je ne le dis pas souvent, mais je suis ancienne à l'église, donc j'ai été ordonnée aussi. Et voilà, j'exerce un peu dans ce domaine. Ouais. Tu chantes, Rose? Ah, tu n'as pas dit que tu chantes? Je dis déjà. Ouais. Voilà. merveilleux. Très, très intéressant. On aime le profil. C'est à mon tour, du coup. Ah, Mais déjà,
Je remercie le Seigneur pour cette grâce. Et comme elle a dit, merci à vous d'avoir pensé à nous et de nous avoir invités sur cette plateforme. On aime énormément ce que vous faites. Vous nous inspirez beaucoup. Donc, c'est vraiment pour nous une grâce d'être là. Et on bénit Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne. Donc, moi, je suis Pierre-Emmanuel Dégo. Donc, je suis le dernier d'une famille de 6. Hein, le tout dernier, hein, le chou. Et en dehors de ça, je suis pasteur au sein de mon église locale. Je m'occupe aussi de la jeunesse, donc pasteur aussi de la jeunesse. Je suis, bon, depuis pas très très longtemps, artiste, bon, je ne sais pas comment on dit ça, mais artiste gospel urbain. Ouais. On peut dire ça comme ça. Oui. On se comprend. Oui, oui. Voilà, c'est ça. Et quoi d'autre? Je fais quoi? Tu es responsable de l'école des disciples? Ah ouais, ben, je suis visionnaire. J'ai une plateforme qu'on appelle l'école des disciples. Talk to us about that. Parle-nous de ça vraiment correctement. Oh. Oui, prends le temps vraiment de nous expliquer qu'est-ce que tu fais dans cette vision que le Seigneur t'a donnée. Amen. C'est très simple. Ça m'est venu, je pense, dans mes, il y a peut-être 2 ou 3 ans, pendant que j'étais dans la présence de Dieu en train de prier. Et j'avais vraiment ce fardeau-là pour ma génération. Pour ceux qui me suivent et ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai vraiment un fardeau en ce qui concerne la jeunesse. Bon, pour tout le monde, mais c'est vraiment ciblé en ce qui concerne la jeunesse. Et je priais par rapport à ça. Et le Seigneur me mettait à cœur de mettre en place, dans un premier temps, c'était avec au sein de mon église locale, de mettre en place une plateforme qui allait nous permettre de pouvoir approfondir nos connaissances dans la parole de Dieu, dans un premier temps. Marcher selon la parole de Dieu. La Bible déclare que ceux qui m'aiment sont eux qui gardent mes commandements. Et moi, pour moi, dans ma tête, je me disais, j'aimais Jésus, mais je n'étais pas conscient que aimer Jésus, c'était garder les commandements. Pour moi, c'était peut-être aller à l'église. Aimer Jésus, c'était peut-être servir le Seigneur. Aimer Jésus, c'était même peut-être la vie de sanctification, etc., de façon terre à terre, de façon très simple. Mais il y avait encore une profondeur, une dimension que je devais aller chercher, qui allait être une preuve de mon amour pour Christ. Et c'est comme ça que j'ai commencé au fur et à mesure à vraiment approfondir mes connaissances sur le discipula, etc. Matthieu 28, hein, verset 19, la Bible déclare que allez, il parle aux disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Yes, et moi, dans mon esprit, c'est est-ce que moi-même, je suis véritablement un disciple pour aller faire des disciples? Donc, c'était ça la véritable question. C'est un peu ça la problématique même de la vision. Comment faire des disciples si nous ne sommes pas disciples? Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, le Seigneur a élargi la vision. C'est parti de la jeunesse de mon église à quelque chose de, on va dire, qui se fait maintenant en ligne. Et c'est tout simplement on est tout simplement dans cette vision en train de travailler sur le caractère des disciples, sur la vie de prière des disciples, sur la nature des disciples, etc., sur plein d'aspects, mais qui concernent le disciple là. Et je pense que peut-être il y a des personnes qui sont là, qui sont inscrites à cette école. Et c'est certainement, vraiment... certainement. Oui. Certainement. C'est le feu. Une bénédiction. C'est ça. Et je bénis Dieu pour ce qu'il a commencé à faire. Et je sais que ce qui arrive demain est encore plus fort. Amen. Waouh. Bravo vraiment pour tout ce que vous faites. C'est merveilleux. Quand on voit des jeunes se donner au Seigneur, servir Dieu, vraiment sans relâche, quotidiennement, c'est extraordinaire. Yes. On ne peut que glorifier le nom du Seigneur pour ça. Parce qu'on vit dans des temps, je crois, où la jeunesse peut être occupée avec bien des choses. Mais quand nous, on décide de se mettre à part pour le Seigneur, comme vous le faites, c'est définitivement honorable. Et vraiment, que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous faites pour sa gloire. Vraiment, c'est super. Non, vraiment, je salue vraiment cette initiative. Il est temps que la jeunesse du corps de Christ soit révolutionnée. Il est grand temps. On a tellement d'énergie, des fois, dans des choses qui ne vaut pas la peine. Et je pense que souvent aussi, ce qui n'a pas aidé, c'est qu'il n'y a jamais eu assez d'exemples pour vraiment diriger la jeunesse, à ce que la jeunesse puisse réellement dépenser leur énergie de la bonne manière. Alors vraiment, on vous salue pour le travail que vous êtes en train de faire. J'imagine, je réalise que moi-même, j'ai grandi à l'église, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 16 ans. Et depuis, je le sers aujourd'hui, j'en ai 34. Wow. Toujours jeune, j'espère. J'espère que je serai toujours mon jeune homme. Ah oui, hein? Le mari de ma jeunesse. Waouh! Celui qui t'a dit je t'aime. J'avais quel âge quand je te dis je t'aime pour la première fois? 21 ans. Je sais pas, mais comme je l'ai dit dans le livre, dès qu'il l'a dit, j'ai raccroché le téléphone. Ah oui, donc dès que je lui ai dit je t'aime, vraiment.
Non, est-ce que je t'ai dit je t'aime ou bien j'ai dit j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit exactement? Non, tu m'as dit je t'aime. Ah, je t'ai dit je t'aime. Hein? You said that. I was 21 years old et elle m'a raccroché au lit. Ça s'est pas bien passé. Ça s'est pas bien passé, mais le reste est vraiment dans le livre. En tout cas, whatever. Alors aujourd'hui, Double Date, Season 3. Yes. Episode 4. Yes. On veut entendre votre histoire d'amour. Uh-huh. Because your testimony matters. It does. We want to know. Yes. Comment est-ce que ça a commencé? Pendant que les gens sont en train de rire ici, de rire du fait qu'on m'a raccroché au nez. En toute humilité, je le dis, il n'y a pas de souci. Est-ce que je te raccroche encore au nez? Mais non, quand tu me dis je t'aime, je I blush. Now I blush. En tout cas, elle devient plus rouge I que son rouge à lèvres. The foam. Yeah. From hanging the foam. Yeah. To blushing. To blushing, exactly. Exactly. Voilà. Alors, nous vous écoutons. Sentez-vous totalement à l'aise. This is your time. Yeah. This is your testimony. Let's Et go. On vous écoute. Let's go. Comment ça a commencé? Comment ça a commencé? C'est moi qui démarre ou c'est toi? Moi. Vas-y, vas-y, je commence. Allez. Ok. Vas-y. Alors, comment ça a commencé? Ça a commencé. Alors, les années au début, c'est un peu flou. Mais on va dire que je le croisais, parce qu'en fait, on était dans des églises qui étaient dans une même congrégation pastorale dans notre ville à Toulouse. Et en fait, je le croisais des fois, mais lui, il était au service. Mais moi, en fait, on va dire, j'étais une jeune... des fois, je rétrogradais souvent, en fait. Genre, je pouvais être très zélée, des fois, je rétrogradais. Donc, en fait, j'étais pas tout le temps à l'église, j'étais pas tout le temps dans leur programme et tout ça. Mais les peu de fois où j'y étais, souvent, je le voyais. Et comment ça s'est passé, on va dire, la fois où vraiment on s'est parlé, c'était à l'inauguration de son église. Donc, moi, j'étais invitée, comme je vous ai dit, c'était la même congrégation et tout. Mon papa, il est très ami avec notre pasteur aujourd'hui. Et donc, on y était allé naturellement. Donc, j'y vais et... bon, après, je sais qu'il y en a certains qui nous suivent, donc ils connaissent... un petit peu. Ils connaissent déjà. Mais il y a certains détails qui... vous allez ils vont découvrir ils vont ça découvrir au aujourd'hui. Ladies and gentlemen, welcome to the wonderful Double Date Talk Show. Best in the world, in all humility. Les Pumbessa, les Degbo, let's go! Voilà, c'est ça. Yeah. Et du coup, donc j'y vais. Et donc, comme je l'ai dit, moi, j'avais tendance des fois à rétrograder et tout. Donc, quand j'arrive et que moi, je suis dans ma période où je veux me rapprocher du Seigneur et que je vois au piano un jeune homme très bien, vous voyez, me soigner. Oui, oui, au visage scintillant. Oui, au visage scintillant. En passant, le outfit, en tout cas, c'est très, très joli. Les couleurs, I love the matching outfit. On le savait. On s'attendait à ça. You guys are fashion's icon in the world. Yeah. Et un style très unique. Hein? Absolument. Vous allez suivre le serviteur Pierre là, dans ses stories. Vous allez voir un style unique à son image. Yeah. I love it. C'est grâce à Monsieur Degbo. Oh, oui. Petite dédicace. Ouais. Petit shout-out à mon frère. C'est lui, on va dire, c'est le styliste de la maison. Waouh. Là, tu parles de ton jumeau. Ouais, mon frère jumeau. Lui, c'est autre chose. Son prénom, c'est? C'est Paul-Émile. Mais sur Paul-Émile. Shout-out to Paul-Émile, a fashion icon in the Lord. Big shout-out to the twins. Yeah. Et du coup, donc, quand je le vois, directement, en fait, je me dis, bon, toi, tu ne regardes pas dans cette direction. Genre, je me suis interdit de regarder dans cette direction. Je me suis dit, toi, tu es venu pour le Seigneur, c'est mort. Et à un moment donné, Amen. En fait, passe, vas-y, dis-moi. Ben, écoutez, bon, je pense que c'est un peu ça. Hein. Oui, vas-y. Donc, moi, de mon côté, je connais les jeunes filles de mon église, tu vois. Je connais tout le monde. Mais là, il s'avère que c'est une veillée. Moi, je m'attendais à voir la plupart, c'est pas la veillée, c'était un culte, l'inauguration. Je m'attendais à voir les personnes que j'ai l'habitude de voir. Et puis, bon, je vois comme une lumière qui arrive dans la salle. Il y a des personnes
transporte une signe. Je pense que mon frère, mon grand frère, il doit savoir de quoi je parle. Si, oui, oui. Une lumière, une grâce particulière, elles arrivent dans un endroit, tu sens comme s'il y a, même les démons s'enfuient, tu vois. Il y a des présences qui disparaissent. Donc, c'était un peu ça, la sensation que j'avais. Je me suis dit, et de suite, moi, je fais signe à mon frère jumeau, parce que moi, j'étais au piano, lui, était à la batterie. Donc, de suite, sur la chair, hein, écoutez, des fois sur la chair, des fois sur la chair, on est en esprit, mais il faut quand même qu'on garde un peu la vérité. Parce que, à tout moment, tu peux avoir, hein, si tu n'es pas connecté, tu peux passer à côté de beaucoup de choses. Donc, je referme la parenthèse. Donc, je fais signe à mon frère et je lui dis, je lui dis, ah petit, c'est quelle lumière qui est rentrée dans la salle comme ça, tu vois. Lui, du coup, il ne voit pas, donc il s'avance un peu, il regarde. Donc, quand il s'avance, il regarde, il dit... En plein service. Hein, encore ? En plein service. Pendant qu'il joue, babe, il y a eu toute cette conversation. L'adoration. Donc, je dis, l'adoration. Donc, il rigole et puis après, bon, on passe à autre chose. Et du coup, nous, pendant le culte, bon, on continue à faire notre culte, tout ça. Et à la fin du culte... Dans les équipes de louange, il y a des histoires, hein, dans les équipes de louange. Les gars... Et du coup, moi, en fait, je me rends compte qu'ils sont deux, en fait. Donc déjà, parce que moi, je le vois lui. Quand je retourne ma tête, je vois un deuxième qui s'est penché comme ça. Mon Dieu. Donc du coup, et c'est ça comme ça. Et à la fin du culte, en fait, mon papa, à ce moment-là, il n'était pas véhiculé. Du coup, il fallait qu'un frère de l'église le ramène. Et donc, nous ramène, parce que nous, on avait culte l'après-midi. Et en fait, l'après-midi, donc, on attend dans la voiture. Et il y a le chauffeur qui est déjà là, donc le frère en question, et on attend, on se dit, mais qu'est-ce qu'on attend en fait? Et le frère, il dit, non, j'ai demandé à un ami à moi de m'accompagner pour faire l'aller-retour, parce que comme moi je reviens, parce qu'il y avait un agapé pour l'inauguration, moi j'ai pas envie de faire le chemin seul. On attend le fameux camarade compatriote, et il s'avère que c'est monsieur. C'était pas une mise en scène, je tiens quand même à le dire. Il n'y avait pas de, hein, c'était pas préparé ou quoi que ce soit. Donc moi, il me dit, oui, viens m'accompagner parce que je dois déposer les serviteurs de Dieu, tout ça. Moi, je ne pense pas à elle directement. Tu vois. Donc, je me dis, OK, il n'y a pas de problème, comme c'est un grand frère, tout ça, j'ai l'habitude de l'accompagner et puis on est souvent ensemble. Donc, je me dis, OK, il n'y a pas de souci. Donc, je viens et quand j'arrive, mais son père est devant avec mon frère et elle est derrière. Donc, logiquement, je monte derrière. Donc, quand je monte derrière, on parle. Mais est-ce que tu étais surpris? Est-ce que tu étais surpris de la voir? La lumière dans l'église maintenant. Non, mais attends, cette voiture devait être éclairée à un niveau, je ne sais pas. Parce qu'avec la lumière qui a éclairé l'église et le visage scintillant, les deux assis en arrière, mais je pense que les conducteurs devaient être aveuglés ou quoi? Il faut bien parler. Honnêtement, quand tu es rentré. Honnêtement, je me suis dit quoi? Honnêtement, non, franchement, j'étais content. Mais vraiment sans plus, hein. Je me suis dit, ça va être une. Je vais apprendre à la connaître, on va parler, puisque moi, je suis quelqu'un de... Moi, j'aime bien les gens, j'aime bien connaître les gens, parler avec les gens, et elle aussi, pareil. Elle-même, un peu plus que moi. Donc, ce qui fait que... Mais là, de suite, en fait, on a commencé à échanger, on a parlé de tout, de nos études. Moi, je crois que c'était en licence à ce moment-là, et elle aussi. Donc, on parlait un peu de ce qu'on faisait, et on parlait aussi un peu de notre relation avec le Seigneur. Donc, c'était un peu un bon feeling. Mais le temps est passé, j'étais un peu dégoûté, parce qu'on n'a pas eu le temps qu'il fallait. Mais bon, on a... parler, etc. Et puis après, elle est descendue. On n'a pas pris de numéro, rien du tout. Donc, après, on passe, je la revois peut-être plusieurs mois après. Plusieurs mois après. Et là, je te laisse, je la laisse parce que je me perds dans les dates. La chronologie, ouais. Vas-y. Ok. Donc, après ça, moi, bien sûr, je l'ai cherché sur Facebook. Donc, je le stocke un peu, mais je ne l'ai pas ajouté à ce moment-là ou quoi, mais je le stalkais, j'avoue. Et le jour de mon anniversaire... Tu l'avoues, hein, tu l'avoues quand même, tu l'avoues. Oui, Il n'y a pas de souci, Mais il n'y avait pas assez de photos. Et puis, il était là et il masquait un peu, donc bon, je faisais avec ce qu'il me donnait. Voilà. I love it. J'aime trop. Ouais, donc le 11 novembre 2016. Ouais. Le 11 novembre 2016, c'était mon anniversaire. Et c'est tombé un vendredi
où il y avait une veillée en fait dans son église. Et comme je l'ai dit, moi, mes parents, ils sont très amis du pasteur, donc il avait informé qu'il allait avoir un invité qui venait, etc. Donc si on voulait participer à la veillée, moi, ça me faisait plaisir parce que encore une fois, bon, parce que comme il dit, Tanguer un peu. ouais, je tanguais un peu et tout, donc je me suis dit, ah, super, faire mon anniversaire À l'église. à l'église, C'est top. c'est top. Et franchement, sans même penser à lui, hein, plus à ce moment-là. Non. Mais et du coup, ouais, après, donc je suis retournée là-bas et effectivement, je le vois. C'est là que je me rappelle que oui, c'est bien son église. Et on fait la veillée, ça s'est super bien passé et tout. Et Et à à la la fin. fin de la veillée, à la fin de la veillée, donc la veillée, moi je suis sur mon piano, encore toujours, fidèle au poste, comme Ababou. Amen. Je reste là à mon poste, je fais ce que je dois faire. Voilà, et j'étais en train de faire ce que je faisais si bien dans mon église depuis longtemps. C'est quand même important de le dire, hein. Donc pour ceux qui sont sensibles, écoutez très bien. J'étais en train de faire ce que je fais, j'ai l'habitude de faire à l'église. Et à ce moment-là, parce qu'il y avait tous les chantres à la fin qui m'entouraient comme ça. Et je vois une jeune demoiselle qui arrive. Je me dis, oh, mais c'est pas la fille. Mais elle est venue normale, hein, comme si elle faisait partie des chantres. Monsieur Normal. Dégout, Elle donc il y arrive. a une lumière parmi les chances. Une lumière arrivait, venue éblouie, même, je ne voyais même plus même mes frères. Donc, ce qui veut dire que il y avait trop de. Donc, elle arrive comme ça devant et elle salue un peu tout le monde. Genre, attends, elle parle, salue tout le monde, etc. etc. Donc, moi, je suis, ah, ça va, ça. Donc, bon, c'était la deuxième fois qu'on se parlait un peu. Donc là, elle me dit, ah, je pense qu'on parle de la musique et tout. Elle me dit, elle me dit qu'elle chante. Voilà, elle me dit qu'elle chante. Donc, je passe certains détails. Elle me dit, elle chante. Je dis, ah, mais ça tombe bien. Moi, je joue. Donc, si moi, toi, tu chantes. Donc, est-ce que tu peux me faire quelque chose? Elle me dit, OK, vas-y. Au début, un peu, elle me dit, OK, vas-y, tout ça. OK. Donc, quand je lui demande, qu'est-ce que tu veux chanter? Elle me dit, c'était quoi la chanson, chérie? Il faut interpréter, hein? On veut revivre le moment. Il faut interpréter. On t'écoute, Vraiment, ma soeur. C'était quoi vraiment. le chant? Et combien, je crois que c'était combien Dieu est grand. Ah, tout chanter, hein? Chante comment tu avais chanté là quand tu étais la lumière devant le piano. Bon, j'écoute. La même Non, elle n'a manière. pas chanté de la même manière. Ça, c'est un détail aussi qu'on va donner. Mais là, chante, chante comme tu chantes. Ok. Non, on ne comprend pas, Non, on ne comprend pas. Non, 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 attends, attends, attends. attends, 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 attends. Attends, attends, attends. Ladies and gentlemen, c'est les Kumpessa, les Degbo, Double Date, Season Wow. 3, Episode 4. Il faut expliquer. Donc, elle n'a pas chanté de la même manière. Ça veut dire quoi? Donc, moi, ce qui se passe, c'est que moi, je commence à jouer. Elle me donne une gamme, je commence à jouer. Mais pendant que je suis en train de jouer, bon, elle m'a dit qu'elle chante. Donc, moi, je m'attends à The Voice. Donc, quand elle commence à chanter, elle a un truc. Elle a un beau timbre. Mais je ne sais pas si c'était la pression ou bien. T'as dit ça que c'était la Non. pression? Elle a La commencé. pression! Et Dieu est C'est pas grand. vrai? Je dis, Bon, ma sœur comme Daisy, c'était quoi? Il ça. faut expliquer. Non, en fait, elle avait, je pense, elle s'est laissée un peu déstabiliser, donc elle n'était plus trop dans le. Mais par contre, je sentais qu'elle avait quelque chose. Donc à la fin, je lui ai dit, madame Jean, je lui ai dit, ah, tu chantes bien. Tu vois, je ne suis pas voulu être méchant, mais je dis, ah, ça va. Tu vois, genre, c'est bien. Et elle était contente, tout ça. Mais le lendemain, parce qu'après le lendemain, bon, je vais trop vite, non? Un peu. Ok. Mais ce qui est sûr, bon, là, tu chantes combien, comment tu l'as chanté? Elle veut plus chanter. Non, après, C'est bon, on a bien compris, on peut Oh passer my God. l'extrait. Non, ça c'est fort, ça c'est fort. Je me suis dit, il n'y a aucun problème. Elle est déjà belle. Elle s'exprime très bien. C'est une lumière. Si elle chante, pas grave. Tu vois, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'était de prime abord. Mais après, quand j'ai entendu la voix, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était juste une question de pression, etc. Donc, C'est fort ça. Moi, je voudrais que tu, que Wow. tu. Je voudrais juste que tu. Accent, je voudrais juste que tu mettes un accent là-dessus. Souvent, les hommes, quand ils commencent à parler à une jeune femme, dès qu'elle fait un truc qui l'excite un peu, ils abandonnent la course. Ou bien ils Non. se disent, ah, ben ça doit sûrement pas être elle. Qu'est-ce que tu Ah. pourrais dire à un homme aujourd'hui, juste par rapport à ce que tu viens d'expliquer là précisément? Parce que bien entendu, aujourd'hui, si tu avais abandonné, est-ce qu'on aurait la chanson pour Jésus là et les autres chansons que vous allez certainement nous faire dans le futur. Alors, les hommes, s'ils auraient abandonné, mais on n'aurait pas. Vous n'avez pas vu comment elle a dansé? Moi, j'ai même transpiré là. Ah, j'allais te dire, remets le chant et prends le J'allais plus te. doux neuf. Ah, je vais te mettre le chant là encore. Si on met le chant là, on part en concert.
À n'importe quel moment, tu veux qu'on remet le beat, on met le beat. Mais explique-nous un peu comment c'est important d'être un homme sage à ces moments-là. Quand est-ce qu'on prête attention aux détails et quand est-ce qu'on peut dire que ah, ce détail-là, c'est bon, c'est pas vraiment un si gros problème. Comment toi, tu as vécu la chose? J'aime beaucoup ce point-là. Pourquoi? Parce que, et là, je m'adresse à tout le monde de façon générale. Vous savez, quand par exemple, le Seigneur veut mettre quelqu'un à côté de vous, peut-être ça peut être un mari, une femme, même juste un ami destiné ou une personne, peu importe laquelle, vous devez voir au-delà de ce que vos yeux voient. Voir au-delà au-delà de l'apparence, au-delà de ce que peut-être le physique veut vous montrer. Parce que effectivement, si moi je m'arrêtais à ça, peut-être que ça allait me freiner. C'est vrai que dans un premier temps, je n'étais pas parti pour c'est ma femme ou quoi que ce soit. Mais peut-être que ça allait me freiner. Et je me suis rendu compte d'une chose, tu vois, c'est vrai que la Bible déclare que la femme est l'aide de l'homme. Okay? La femme aide l'homme. Mais dans le foyer, mais c'est bizarre, on dit qu'en même temps qu'on est une seule chair. Donc je pense que l'aide peut être dans les deux sens. Moi, je peux aussi bien aider ma femme que ma femme peut aussi bien m'aider dans le même sens. Yes. Moi, dans cette grâce-là, on va dire peut-être dans cette petite imperfection que j'ai vue, comment moi je l'ai ressenti, sur le moment et même plus tard, je me suis dit, moi je joue au piano, elle chante, même si moi j'ai l'impression que par moment, au début, ce n'était pas très juste, j'ai la capacité de lui apporter ce qu'elle n'a pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je ne cherchais peut-être pas dans mon inconscient quelque chose de parfait. Et de fini. Et même Dieu ne te donnera pas quelque chose de fini. Peut-être quelque chose qui te correspond. Mais il y a une chose, c'est pas paradoxal, mais c'est ça. Dieu va prendre ce qui appartient à Adam pour compléter Ève. Donc, c'est-à-dire que même dans la formation, dans la création de la femme, il y a une partie de l'homme dont elle a besoin. Bien sûr. Et même que la femme aussi une aide pour l'homme. Donc, ce que moi je veux dire par rapport à ça, c'est que ne soyons pas fixés sur ce que nos yeux voient. Voyons au-delà de ça. Voyons au-delà de ça. C'est comme, je prends l'exemple de... Bon, ce n'est pas une prédication. Mais je prends l'exemple, par exemple, de... Voilà, une personne comme Gédéon, le plus petit de la plus petite famille de Manassé, etc. Dieu le regarde, il ne voit pas un peureux. Il voit un vaillant. Alors, c'est vraiment... Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Waouh! Si je peux me permettre de terminer sur ça. Waouh! C'est très, très fort... Serviteur Pierre, parce que vraiment, pendant que tu parles, ça me fait penser aussi à beaucoup de femmes qui rencontrent des hommes qui sont en train de se développer, de se construire, de chercher c'est quoi leur appel, c'est quoi leur vision, où est-ce qu'ils veulent aller dans la vie, et ainsi de suite. Et j'ai l'impression qu'on est comme dans une ère où c'est bien tous les enseignements qu'on donne par rapport à la préparation au mariage et tout, mais par moment, j'ai l'impression que ça donne une espèce de pression dans le sens où si l'homme qui est devant moi, il n'a pas tous les 10 points qu'on m'a énumérés dans mon programme là de préparation, il doit connaître son appel, il doit connaître sa vision, il doit avoir un compte en banque rempli, un travail stable et ainsi de suite, blablabla. Bla, bla. Ça veut dire que je ne peux même pas considérer que quelque chose peut avoir lieu avec cet homme. Et moi, j'aimerais vraiment sensibiliser une personne à vraiment faire preuve de discernement. Pas pour dire maintenant, on va chercher quelqu'un qui a rien de tout ça, puis qui fait même pas d'effort pour développer ces choses-là dans sa vie. Mais il faut par moment aussi faire attention que ces enseignements-là ne deviennent pas comme... c'est comme si c'est devenu une espèce de doctrine. Ouais, voilà, donc on peut aller ni à gauche ni à droite. Et puis, si jamais l'homme n'a pas X, Y, Z tel qu'on me l'a enseigné, ça veut dire que je dois oublier ça. Non, n'oubliez pas que en tout, nous tous, en fait, nous grandissons, nous continuons de nous développer, nous continuons d'apprendre des choses, nous continuons vraiment de croître. Et par moments, c'est important d'être patient et de voir ce que le Seigneur veut que tu vois dans la personne, même si ce n'est pas là présentement. Comme le serviteur Pierre nous l'a vraiment dit avec Gédéon, Dieu ne voyait pas un peureux, mais il voyait vraiment un vaillant héros. Donc, toi aussi, tu dois avoir les yeux de l'esprit ouverts, pas juste les yeux physiques, mais les yeux de l'esprit également, qui te permet de discerner qui est la lumière pour toi, là où tu te trouves. Amen. C'est formidable. La suite.
Oui, mais le truc en fait, c'est quoi? C'est ça qui est un peu sympathique dans cette histoire, c'est que lui, à ce moment-là, en fait, sa tête, elle n'est pas là-bas du tout. À la suite de cette veillée, donc comme il a dit, on a chanté et tout, nanana, mais moi, je voulais un peu échanger avec lui, parce que c'est vrai que on s'était croisés deux, trois fois, et il m'avait dit qu'il avait appris le piano tout seul. Et ça, c'est quelque chose qui m'impressionne. Wow. Donc, je me disais... Moi qui ai toujours aimé le piano et tout, je me disais, ah, Maintenant, elle va aimer le pianiste. Ah. vais prendre des cours de piano et tout. Ah, les cours de piano. Et du coup, à la fin, donc j'essayais de lui parler et tout, mais en fait, il était tout le temps sollicité. Il y avait toujours, parce que ça aussi, c'était un point, c'est un petit détail qu'on va Ah. à la suite, mais il était sollicité à gauche, à droite et tout ça, donc je ne pouvais pas lui parler. Et je lui ai dit, bon, c'est pas grave. Genre, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, je vais t'ajouter, je crois. Non, tu. J'ai dit quoi? J'ai dit, oui, Non, je t'ai tu dit que peux. Ouais, j'allais tu... ouais. Elle t'ajouter m'a dit sur, qu'on allait se parler, on allait je se vais te parler parler sur sur Facebook. Facebook. Comme ça allait être plus simple. Mais on n'a pas échangé les Facebook. Non. Mais comme je vous ai dit, je l'avais stalké en avance. Donc, Savais où trouver. je savais où le trouver. Donc, du coup, j'ai ajouté. Je l'ai ajouté, je crois, le soir même, ou bien, enfin, le matin même, ou le lendemain. Et de là, en fait, il m'accepte. Et la journée, on parle. Donc, la journée, on parle, tout va bien, tac-tac. Et ensuite, il me dit, ah, genre, qu'il va se déconnecter et tout, parce que là, il devait aller chez une amie. C'est ça. C'est ça. Il devait aller chez une amie et tout. C'est ça. C'est ça. Love Un majeur, un tournant important de cette histoire. Donc, soyez très attentifs. Bien, on Soyez très écoute. On écoute bien. Du coup, donc, je lui dis, OK, il n'y a pas de souci. Voilà, bon, il fait son truc. Et quand il revient, donc, il m'écrit. On parle vite fait, tac-tac. Et moi, je lui dis, c'était bien chez ta copine. Et de là, le mot que j'ai employé, donc, consciemment ou non, l'a fait bugger. Parce que du coup, Ah. qu'est-ce qu'il se dit et, en lui-même? Il se dit, mais... Comment elle sait que j'ai une copine? Donc, du coup... Question piège. Lui, sa réponse à cette question, c'est genre, ouais, comment tu sais que j'ai une copine ou quoi? Et je dis, mais quelle copine? Non, tu m'as dit que tu devais aller chez une amie, Est-ce que je peux non? Moi intervenir? aussi. Parce que là, je sens déjà tous les bros, tous les. Mais le gars, il n'est pas sérieux. J'explique. J'étais dans la phase où elle arrive à l'église, où on apprend à se connaître, etc. On se parle vite fait. J'étais dans une phase où je sortais du monde et j'étais en train de me consacrer à Dieu. Donc, c'est-à-dire que c'était la période où j'étais en train de. Vous savez, il y a une période où tu connais beaucoup de séparation, tu te détaches un peu de beaucoup de personnes, etc. Où tu essaies de vraiment te consacrer, te focaliser sur Dieu. Et la seule chose que j'avais du mal à laisser, c'était ma relation, donc une relation dans laquelle j'étais depuis 5 ans, à cette période-là. Non, 6 ans. Dans 50, 50. 5 ans. Donc, mais la personne, on va dire ma copine de l'époque, elle n'était plus sur Toulouse. Donc, elle était dans une autre ville. Et à ce moment-là, où on était en train de parler avec Daisy, elle est venue sur Toulouse. Donc, normalement, habituellement, quand on était dans notre péché, donc on faisait n'importe quoi, elle venait chez moi. Mais là, en fait, elle était partie chez sa coupe, chez son ami, etc. Et moi, je suis allé là-bas juste pour la voir. Il n'y a pas eu de truc bizarre. Là, on était, voilà, juste pour la voir, etc. Donc, moi, je lui dis, c'est un peu trop tôt. Je ne vais pas lui dire, lui expliquer toute ma vie. Ça fait, je suis dans une relation de 5 ans, on se connaît à peine. Donc, elle me demande, moi, je lui dis simplement, je vais chez une amie. Tu vois, pour faire très court, pas rentrer dans non, ça fait, OK. Mais comment je ressors de là et que le message que je reçois me dit c'était bien chez ta copine, dans ma tête, je me dis, mais c'est quoi ce don de vision? Comment on peut voir au-delà? Donc en fait, je me suis dit, mais est-ce que je lui ai déjà dit, C'est ça. sans le Là, tu savoir, revois toutes les conversations. Là, je suis mélangé dans ma tête, je ne comprends plus rien. Donc je me dis, mais est-ce que j'ai dit, est-ce que j'ai. Donc, mais là, en fait, en toute honnêteté, donc quand je lui ai demandé, mais. Qui t'a dit que j'ai une copine? Parce que c'est ça que je t'ai dit. Elle me dit, non, mais en fait, quand je te disais ami, mais c'était genre un mot, ta copine, ton ami, je dis, Seigneur Jésus-Christ. On peut attraper quelqu'un comme ça facilement. Donc, et c'est là que je me suis dit, elle a dit, ah, mais donc, tu es une copine. Ah ben Donc, voilà. là, maintenant, On on rentre. rentre dans un couloir où on n'était pas rentré depuis le début. Non, Voilà. non, bro, il faut Attends, comprendre. attends. Ça, c'est. Attends. C'est là où
la femme, je dis, c'est là où la femme devient mystique. Oh, ah, tu la voyais comme un ange au début, mais tout à coup, soudain, donc, on s'est... On est révélé, c'est quoi? Révélé. On n'a pas le temps. Donc, c'est comme ça que on rentre dans une discussion. Donc là, elle me dit, ah, mais donc, du coup, tu es une copine. Donc, c'est là maintenant que j'essaie de lui expliquer du mieux que je peux, sans forcément rentrer dans trop de détails. C'est-à-dire que nanani, nanana, tout ça, elle me dit, ok, mais je sens que ça l'a un petit peu refroidi. Et là, ce que moi, j'ai énormément apprécié chez elle, c'est qu'elle m'a dit très clairement, pourtant, on se connaissait à peine, hein, elle m'a dit très clairement que ça l'a gêné un petit peu de continuer, entre guillemets, à, on va dire, peut-être à parler avec moi comme ça. Oui. Sachant que j'étais avec quelqu'un. Elle, elle ne va pas me cacher qu'elle m'aime bien. Mm-hmm. Donc, elle me l'a dit là, comme ça. Mm-hmm. Et tu sais ce que je me suis... Je viens de me rappeler que tu m'as répondu. J'ai dit quoi? On peut aimer deux personnes. Oui, il a dit, mais on peut non pas aimer, il a dit, on peut observer deux personnes. Oh là 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 là. Parce que genre, en gros, il me disait, moi, je suis en observation avec elle et tout, gnagna. En gros, que c'est pas vraiment ma copine, on s'observe, blabla et tout. Tous les jeunes qui sont ici, n'écoutez pas ça. Hein. Oh, c'est ouais. On écoute pour ne pas reproduire, c'est le témoignage, voilà. Non? Voilà. Voilà. Pas ça. Et voilà, il a donc, dit, c'est ce qu'elle me dit. Ouais, il dit, et mais moi, ça m'a, franchement, moi, quand il m'a dit, on peut observer deux personnes, en vrai, ça m'a choqué. Genre, je me suis dit, oh. Observer deux. Mais on a genre, deux yeux. Dans ma tête, il me dit, on a deux yeux, on peut voir. On peut observer deux personnes. C'est bizarre. Donc là. Attends. Juste pour clarifier. Donc là, ça faisait combien de temps que vous vous parliez? Ouais. Depuis l'histoire du piano jusqu'à cette journée. Ah, du piano juste. Oh, mais du piano, ça fait un jour. Ça fait un jour. Parce qu'on s'est parlé à la veillée et puis on est rentré le matin, non? Hein? Donc on s'est. Ah. C'est dans la journée, c'est la journée qui a suivi. Oh, le lendemain. Le lendemain. Le lendemain. C'est le lendemain, en fait, qu'une personne avec qui j'ai commencé à bien parler, on va dire, il y a à peine quelques heures. Wow. Un peu. Ouais. Et là, elle vient shifter tout, là. Ça allait trop vite. En fait, moi, personnellement, en fait, ça, c'est moi. Genre, je ne vais pas faire comme si c'était une règle absolue ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal, en fait, à faire semblant. Genre, si j'apprécie vraiment quelqu'un ou à l'époque, si j'aimais vraiment pas quelqu'un, je préfère le dire, en fait. Je n'allais pas m'engager dans une soi-disant amitié, faire semblant d'être ton ami. Et puis derrière, demain, je suis dans la friend zone et tout. Et genre, je suis là toute seule avec mon chagrin d'amour. Genre, non. Je me suis dit, je préfère qu'il le sache, en fait. Et genre, qu'il sache, en fait, que la relation qu'on est en train de développer, certes, elle est amicale dans un premier temps, mais que moi, j'espère plus. Et qu'il le sache déjà dès le début, en fait. Daisy, un instant. Ouais. This is really good. Aujourd'hui, je vais t'appeler servante Daisy, hein, parce que serviteur Pierre et juste dire Daisy, pour moi, c'est débalancé. Alors, serviteur Pierre et servante Daisy. C'est, wow. C'est comme ça que les choses fonctionnent. It's marketing, right? Servante Daisy. Ah oui, oui, si. C'est moi qui a commencé avec ça aujourd'hui, oui. Quand elle sera célèbre et servante Daisy. Elle va changer Daisy. Sa bio, servante Daisy. Ah, oui. Ah, j'étais le premier à le dire. Bon, peut-être son mari lui avait déjà dit, je ne sais pas. Mais moi, je voudrais que tu mettes l'accent sur le fait que tu as attrapé ou bien tu as su que le gars parlait avec une autre personne. Mm. Mais j'ai l'impression que ton attitude était contraire de beaucoup de personnes que nous connaissons. Il y en a beaucoup, elles allaient commencer à crier. Il y en a beaucoup parce que les sentiments rentrent assez rapidement. Je veux dire, tu ne contrôles pas toujours comment est-ce que tu ressens, même si ça faisait peut-être quelques fois que vous vous êtes côtoyé, mais quand même, je pense que tu arrives à sentir que vraiment, le gars, il est cool. Mm. Et comme il est cool, vraiment, c'est bien. Mais maintenant, tu réalises que, OK, le gars que je trouve cool, là, le pianiste, on a joué au piano ensemble, chanté, machin. Ouais. Là, il y a quelqu'un dans son monde comme ça. Oui. Je voudrais que tu aides une femme et ou bien que tu expliques à une femme sur l'attitude que tu as eue. Mm. Parce que c'est une attitude qu'on ne voit pas toujours. Ouais. Peut-être juste pour compléter sa question, pour clarifier, habituellement, quand les femmes sont face à ce genre de situation, c'est pas toutes qui vont décider de reculer. Mm. C'est pas toutes qui vont se dire que, et surtout après que l'homme lui dise, mais on peut observer deux personnes, hein, on a deux yeux, donc on peut observer. Il y en a plusieurs qui vont faire comme, c'est vrai, hein? Bon, OK. Et puis, elle reste dans ce genre de situation. Oh, il y en a d'autres qui vont dire, deux yeux, deux yeux, mec. Deux yeux.
Donc, du coup, qu'est-ce qui, toi, personnellement, t'a poussé, en fait, à ne pas rester dans ce cadre d'observation, disons ça comme ça? Mais en fait, la question, elle est très importante, en fait, par rapport aussi à l'homme que j'avais en face, parce que ça dépend de l'homme qu'on a en face. Moi, il a été bienveillant. Et c'est vrai que peut-être que j'aurais pas aussi bien réagi. Déjà, le premier point, en fait, c'est que lui, il a été déjà au-delà de, on peut observer deux personnes et tout. Moi, j'étais pas bien et je lui ai dit, franchement, ça me gêne et tout, voilà, bizarre. Et de là, en fait, c'est ce qu'on n'a pas dit à la suite, mais il m'a dit, écoute, fais comme si tu m'avais rien dit, parce que, genre, ben, en gros, je t'apprécie bien, on parle bien, c'est-à-dire le feeling, honnêtement, le feeling, il a été instantané, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcé du tout, et il s'est dit, ça serait dommage, en fait, de peut-être gâcher une potentielle amitié ou bien fraternité Même moi, une à cause fraternité à de cause de ça. sentiments dont on ne sait pas où ils vont nous mener, en fait. Genre, toi, tes sentiments, on ne sait pas si ça va aboutir, on ne sait pas si ça va se transformer, etc. Donc, en gros, déjà, il m'a apaisé par rapport à ça. Et le deuxième point, c'est que moi, personnellement, comme je vous ai dit, j'étais dans une phase, en fait, où je recherchais vraiment des personnes qui aiment le Seigneur. Et j'avais fait cette prière aussi à Dieu, parce que, comme du côté de ma maman, et j'ai tandis qu'avec ma maman et tout, je suis fille unique, j'ai toujours eu tendance à beaucoup m'attacher à mes amis. Et c'est ça qui souvent me faisait rétrograder, en fait. J'avais tout le temps des amis qui sortaient et tout, qui faisaient la fête, qui avaient des copains, etc. Et donc, même si moi, j'avais la plus meilleure volonté du monde, à force d'être entourée avec eux, ben, je me rendais bien compte que ma foi, que mon avancée avec Dieu en pâtissait. Et je me suis dit, écoute, Seigneur, moi, je veux vraiment faire les choses avec toi, mais par contre, donne-moi des amis dans le Seigneur. Donne-moi des gens, genre, avec qui je vais vraiment délirer, parce que j'avais des fois les amitiés en Christ. Tu sais, c'était un peu, oui, c'est vrai, on parle de Dieu et tout, mais il n'y avait pas de délire, il n'y avait pas de feeling, il n'y avait pas de... Come C'est ça. J'avais du mal, en fait. Et donc, franchement, au-delà de l'attirance que j'avais, qui était claire, hein, je ne vais pas m'en cacher, pour lui, au-delà de ça, moi, c'est vraiment son côté serviteur de Dieu, engagé, jeune et tout, qui aime vraiment le Seigneur comme ça. Et je me suis dit, mais dans tous les cas, cette relation va me faire avancer avec Dieu. Dans tous les cas, si je passe outre ces sentiments-là, et c'est là encore une fois où la parole de Dieu est importante, où on dit de ne pas réveiller l'amour avant qu'il le veuille. Donc C'est moi, ça. je me dis, bon, ok, il me rassure, moi-même j'ai la parole de Dieu, j'ai fait une prière à Dieu où je veux un ami. Bon, ok, c'est pas grave, on laisse ça à côté, tout ce qui est sentiment. Donc en fait, moi, ce que je peux donner comme conseil, c'est que oui, les femmes, on est des êtres un peu Émotionnel. plus émotionnel ou émotif que Oui. les hommes, c'est clair. Mais je pense qu'il faut des fois savoir mettre ses émotions un peu de côté. C'est pas les ignorer parce qu'elles sont là. Et si Dieu nous a créés avec des émotions, c'est que elles ont une importance. Il faut pas les ignorer. Mais quand on voit que ces émotions commencent à vouloir nous dicter notre conduite, c'est là où il faut mettre un frein. C'est là où il faut se dire, ah non, moi je marche par l'esprit, je marche pas par les émotions, je marche pas par la colère par exemple, ou bien je marche pas non plus. Par contre, moi, je me suis dit, genre, je me retirais, c'est-à-dire que j'étais pas en mode, je vais le conquérir. Hein, j'étais pas moi pour moi, il est en couple, je respecte et je vais pas m'immiscer dans sa relation. En tout cas, ça, Voilà. voilà, c'est clair pour moi. Peu importe ce que je ressens, il a sa relation, je respecte et moi je reste à ma place. Mais je chérissais tellement cette amitié naissante que je me suis dit, écoute, je vais pas tout gâcher parce que il a une copine et parce que je l'aime bien, quoi. Voilà. Wow. En tout cas, ça c'était. C'est très fort. C'est très, très fort. Tu as fini par comprendre que ouais, le gars a une copine. Tu as fait comprendre au gars que non, il n'y aura pas d'histoire d'être là toutes les deux au même rang, en train d'être observé et tout. Mais tu t'es dit, c'est quand même ton frère dans le Seigneur avec qui tu te rapproches du Seigneur. Alors, tu vas être sage, avoir de la maîtrise sur tes sentiments et tes émotions et te focaliser sur ce que tu peux tirer de cette amitié simplement. Et là, je veux vraiment encourager une femme qui m'écoute en disant que ça a été le témoignage, c'est le témoignage en fait de Daisy. C'est ce qu'elle a pu réellement faire. Maintenant, il ne faut pas écouter ça et toi, tu sais que tu n'as pas la capacité de te maîtriser comme la servante Daisy l'a fait. OK? Il ne faut pas écouter ça et te dire que non. Je suis face à un homme qui sort déjà avec une fille. Il me supplie également de sortir avec lui. Je lui fais comprendre que je ne suis pas très à l'aise avec ça naturellement en tant que femme.
mais le gars semble ne pas trop prêter attention à mes émotions. En fait, il est très égoïste et il se dit que non, reste quand même à mes côtés, reste quand même collé à moi, reste quand même avec moi. N'écoute pas ce témoignage en te disant que ah, Daisy est restée là, alors moi aussi je vais rester là-bas. Non. Ça, c'est le témoignage de Daisy. Les témoignages, ça reste des témoignages. Ce n'est pas forcément voilà, une règle absolue que tu dois suivre. D'accord ? Donc, soyons vraiment sages en écoutant cela. Et gloire à Dieu vraiment pour la force de caractère que tu as pu avoir, Daisy, parce qu'on voit les fruits aujourd'hui. Ouais. C'est super. Strong. Yes. Pas du tout. Ça n'a pas été facile parce qu'au début, on va dire, on se parle un jour. Donc, les sentiments aussi, c'est pas, ils ne sont pas exacerbés. Mais quand on commence à se parler tous les jours et que, genre, je dois supporter le fait, par exemple, qu'il m'écrive et il me dit « Ah oui, ben, je suis avec elle » ou « Ah ben ouais, elle est passée, elle a fait à manger, gna 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 » et tout. Franchement, c'était chaud. Parce qu'en fait, plus ça allait, plus je me rendais compte que moi, je m'attachais et que lui, de son côté, il développait sa relation avec, avec la fille. Donc, honnêtement, c'est ça. Moi non plus, je ne le conseille pas du tout parce que j'ai souffert. Je ne vais pas dire... Je ne sais pas, le lendemain de chaque relation et tout, je ne vais pas encourager moi non plus les sœurs et tout en leur disant « Ouais, accroche-toi, demain il va t'épouser. » Non, non, non. Toi, tu vas juste rester avec un chagrin d'amour et tu seras là avec que tes yeux pour pleurer. Franchement, et j'en ai versé des larmes. Je ne vais pas mentir. J'ai versé des larmes, j'ai souffert. J'ai dû crier à Dieu plusieurs fois. Et en plus, lui, il était dans une optique un peu particulière parce qu'il m'appréciait. Il n'avait pas de sentiments, il m'appréciait bien, mais il voulait tellement qu'on s'apprécie, sa copine et lui. Genre, il voulait qu'on soit amis-amis. Donc, des fois, il nous mettait dans des situations où, après le culte, on est ensemble, tout ça. Vous voyez, on est ensemble et puis on va faire les courses ensemble, tout ça, on va manger ensemble et tout. Donc, moi, du coup, Ah, parce que la fille, là, elle venait à l'église aussi. En fait, le truc, c'est quoi? Vas-y. Wow. C'est bien, ça va aider, je pense. Ça va aider beaucoup. Merci vraiment pour votre transparence. Merci de nous avoir dit que ça n'a pas été facile, que tu en as souffert. Parce qu'effectivement, je ne vois pas comment une femme peut être à l'aise dans ce genre de scénario, sachant que tu as des sentiments pour l'homme et l'homme te parle de sa copine. Ouf. Ça va aider des hommes à comprendre aussi que, tu vois, des fois, ça, c'est des, pas des fantaisies, mais des fois, c'est que l'homme veut tellement vivre dans un monde où est-ce que tout est correct comme yo, la personne avec qui je parle peut parler à ma nouvelle amie, and everything is okay. Même si ma nouvelle amie est amoureuse de moi, c'est pas grave. Et après, il sait peut-être pas si elle est vraiment amoureuse, peut-être que c'est des affaires que ça va aussi passer. Donc, we don't really know, right? C'est important parce que des fois, nous aussi, les hommes, on est dans des idées là, mais quand on prend du recul, on se dit, mais attends, mais si moi on me mettait dans cette situation, mais le choix est clair, moi, I'm not even entertaining that. Yeah. I'm out. C'est ça. I'm gone. C'est important, ça va beaucoup aider, je pense, beaucoup de personnes. Yes. La jeune fille, en fait, elle ne vivait pas sur Toulouse. Mais elle était, moi, en fait, pour le dire, moi, quand j'ai commencé à me. Parce qu'on était ensemble déjà avant que je me convertisse vraiment. Yes. Okay. Et pour moi, c'était qu'elle vienne à l'église et qu'elle donne sa vie à Jésus. Donc, c'est comme ça qu'elle vient à l'église. Donc, à la période où il y a Daisy, elle vient à l'église. Et elle, à cette période-là, comme Daisy disait, j'étais beaucoup entouré. Donc, même il y avait certaines jeunes filles de l'église qui guettaient un peu. Donc, moi, ma copine de l'époque, elle n'était pas très à l'aise avec ça. Mais moi, je ne voulais pas que ce soit un frein à sa conversion. Parce que pour moi, c'était par moi qu'elle allait se convertir. Et je voulais faire le maximum pour qu'elle puisse se convertir. Donc, déjà, je mettais les barrières en ce qui concerne comment on agissait entre nous. Et je la ramenais à l'église. Et donc, quand je la ramenais à l'église, à la fin des cultes, tout ça, donc quand on se retrouvait entre jeunes, ben, il y avait Daisy qui faisait partie des jeunes. Donc, Daisy venait et tout. Et moi, en fait, dans l'idée, j'étais en train de me dire quoi? J'aimerais bien qu'elle sente que même dans le groupe des jeunes, qu'il peut y avoir des... Elle peut avoir des pas forcément des sœurs, mais elle peut bien s'entendre avec des filles, avec des garçons, etc. Parce qu'en fait, dans sa tête à elle, c'est que mais tous les jeunes, entre guillemets, tous les jeunes là-bas, c'est des hypocrites. En fait, elle avait une idée préconçue non, déjà. Non, mais c'est vrai. Mais après, c'est vrai qu'il y avait quand même... Il y avait des sœurs, justement, ce qu'on est en train de dire là. Genre, moi, j'ai été honnête, j'ai dit, ah, frère, franchement, tu me plais bien. Mais il y avait des sœurs. Oh là là, elle l'aimait. Ça se voit dans les yeux comme ça qu'elle aime le serviteur Pierre. Elle dit, non, non, on est...
On est juste amis, tout ça. Non, non, il n'y a rien. Mais par contre, elle te fait des crises de jalousie. Et, tu vois, il y avait un problème, quoi. Et puis en plus, moi, je suis arrivée en mode, voilà, un peu, entre guillemets, proche de lui. Donc, ça veut dire que même moi, du coup, je me retrouvais à me retrouver avec des crises de jalousie alors que je n'étais même pas en couple avec. Donc, du coup, moi, je n'ose même pas imaginer comment sa copine de l'époque, elle réagissait. C'était Wow. C'était assez bizarre. Et du coup, après, bon, on avance un peu dans le temps. On va dire avec ma copine d'époque, on ne pouvait plus, tu vois, parce que question de principe. Et puis, je sentais que, voilà, c'était plus, c'était pas là que le Seigneur me voulait. Donc, on s'est séparés. Et moi, j'ai continué dans ma voie de servir le Seigneur. Et à ce moment-là, en Oh, fait, tu es allé non, vite. mais je suis allé vite, mais question de. Mais, Non, pardon, oh il allait vite. Il s'est passé. Non, 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 On non. fait les détails, on Vas-y, n'est pas vas-y, vas-y, pressé. serment Je des vas-y, 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 vas-y. l'ai harcelé, franchement, des fois, je le harcelais avec sa copine parce qu'en fait, j'avais tellement mal. Et je me disais, mais en fait, pourquoi on se parle autant? Genre, je comprenais pas. Et lui, il me dit, limite même pour dire qu'on est amis, il voulait pas. Il voulait même pas dire qu'on était amis. Parce que, bon, justement, comme on est en train de dire, il y a certaines de ses soi-disant amies qui avaient des comportements trop bizarres. Donc, il ne voulait pas que je commence à avoir ce genre de comportement-là. Mais moi, je lui disais, mais attends, tu me confies des trucs, on se parle tous les jours, moi-même, je te confie des trucs, mais c'est qu'on est amis. Pourquoi tu forces, en fait? Et de là, dans cette amitié-là, comme j'ai dit, j'ai souffert. Et je me disais, mais si tu aimes vraiment la fille-là en question, si tu l'aimes vraiment, épouse-la. Ça fait 5 ans que vous êtes ensemble, ça fait 6 ans que vous êtes ensemble, pourquoi tu ne l'épouses pas? Et je harcelais souvent, et je lui demandais, je lui disais, mais pourquoi tu ne l'épouses pas, Nanani? Après, non, mais waouh, il ne sait pas et tout. Donc franchement, moi, je vais dire aussi que les garçons, arrêtez de faire perdre du temps aux sœurs. Ah. Si vous ne voulez pas les épouser, si vous n'êtes pas sûr de vous, libérez-les. Vraiment. Libérez. Parce que, en fait, elle, dans son truc-là, dans cette attente, bon, ça, j'avance un peu, mais elle a beaucoup souffert. C'est que derrière lui, quand il a. Parce que nous, ça, elle a fait 5 ans. Nous, ça a pas mis. Ça a mis combien de temps? Ça a mis un an le temps qu'on se fiance, si on va un peu vite. Ça a mis un an. Donc, du coup, quand lui, il se décide comme ça, elle n'a pas compris. Elle s'est dit, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Donc, en gros, quand Wow. tu n'es pas sûr de vous, ça ne sert à rien de bloquer l'enfant des gens. Ça ne sert à rien de vous être amis, mais pour vous dire tout ça là. Bon, bref. Donc, dans tout ça, moi, je Mais le. attends, attends, ma chère, c'est vraiment fort ce que tu dis, mais j'ai vraiment envie d'entendre serviteur Pierre conseiller un homme qui écoute et qui est exactement dans la situation dans laquelle toi tu étais. Qu'est-ce que Ah. tu peux dire à cet homme aujourd'hui? Mon gars, écoute-moi très bien. Comme elle est en train de le dire tout à l'heure. Vous savez, des fois, nous, les hommes, on pense avoir la maîtrise des choses. Parce qu'on est homme. On pense savoir tout gérer. Et on veut faire les choses par moments à notre rythme. C'est vrai qu'on a une responsabilité dans tout ce qu'on fait. Mais c'est une erreur et qu'on commet très souvent de se dire que c'est nous, on contrôle le game. Que c'est nous, on décide. C'est nous, on veut faire comme on veut, etc., etc. Moi, ce qui m'a donné mais pourquoi j'ai mis autant de temps déjà? Parce que j'avais une période où j'étais dans le monde. Et quand je suis arrivé à Christ, quand j'ai vraiment compris le sens des relations selon la Bible et selon selon, on va dire selon les chrétiens, entre guillemets, je me suis dit, il faut que je fasse un choix. Je suis arrivé à un stade où je me suis dit, il faut que je fasse un choix. Et je ne peux plus continuer, comme elle disait, à jouer avec la vie des gens ou avec la vie de la sœur ou peu importe. Donc moi, ce que je veux dire à quelqu'un, à un gars, mon gars, avant de t'engager, avant d'aller plus loin, et si d'abord, même si tu es déjà engagé dans la relation que tu es, dans laquelle tu es, avant de venir à Christ, va devant le Seigneur et questionne-le. Moi, ce n'est pas ce que j'ai fait de suite. J'ai pris du temps à le faire. Mais quand je l'ai fait, Dieu m'a répondu. Parce que Dieu répond, même dans les relations. Vous savez, on est très souvent en train de demander. Ok, est-ce qu'on nous entend toujours? C'est bon? Oui, Ça va. ça va. Par moment, on demande, on est très souvent en train de demander à Dieu, c'est un constat que j'ai fait. Demander à Dieu, est-ce que cette femme, est-ce que cette sœur est la femme, est ma femme, ou est la personne que tu as choisie pour moi? Mais très souvent, quand on est déjà dans une relation, on ne pose pas la question à Dieu de savoir, mais et si c'est, je ne sais pas comment le dire, mais est-ce que c'est véritablement celle-là que tu as prévue pour moi? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a le sens, dans le sens où des fois tu te dis, Seigneur, montre-moi ma femme, etc., etc. Et quand il y a une personne qui est à côté de toi, tu ne remets pas en cause parce que tu te dis, comme tu l'as déjà, c'est sûr que c'est elle. Ce n'est pas forcément le cas. C'est ça.
toujours questionné Dieu. Et moi, dès lors que j'ai questionné Dieu, c'était très rapide. Ça dépend. Le Seigneur fait comme il veut avec chacun. Mais moi, quand je suis allé devant le Seigneur et que j'ai vraiment posé le problème, j'ai dit, Seigneur, regarde, je me retrouve dans une situation où je veux aller plus loin avec toi. C'était quoi la prière exactement? Ma prière? Ah, mais ça c'est de l'ordre de l'intimité. Tu as dit. Ah non, ok. Bon, donc c'est partie de la prière. Ok. J'ai dit, Seigneur, regarde, moi, voici le signe que je te demande. Donc ça c'est le Dieu de mon alliance. Voici ce que moi je te demande. Ce que je te demande, c'est si la sœur avec qui je suis, donc c'est-à-dire avec qui j'ai, entre guillemets, j'étais à cette période-là, si c'est vraiment elle, j'aimerais que les sentiments pour elle grandissent. Si ce n'est pas elle, que ces sentiments-là diminuent. Et que tu, entre guillemets, que tu orientes mes sentiments vers la bonne personne. Mais jusque-là, je n'ai aucun sentiment pour Daisy, à part des sentiments fraternels. Voilà. Ah, t'entends bien. Quand je vais prier par rapport à ça, ça s'est fait, je n'ai pas envie de dire automatiquement, mais j'ai commencé à ressentir que, les sentiments, en fait, par moment, il y a des moments où il faut demander des choses très claires à Dieu. Ouais, concrètes. C'est ça. Concrètes. Faut arrêter de faire des semblants. Non, quand tu te connais, moi, je suis quelqu'un, je m'attache pas en ce qui concerne l'amour, hein, très rapidement, tu vois. J'aime beaucoup les gens. Mais quand mon cœur est dedans, par moment, j'arrive à décider, j'arrive à me positionner. Donc, ce qui fait que quand j'ai demandé ça à Dieu, je vous assure, le Seigneur a... Je l'aimais en tant que personne. Mais pour dire en tant que femme, ça, c'est comme si ça diminuait, ça chutait au fur et à mesure. Je ne voyais plus cette, entre guillemets, potentielle épouse que quand j'étais avant, puisque ça fait 5 ans, donc c'est normal, c'est ta femme. Elle connaissait ma maman. Elle connaissait. Il y avait donc c'était tout était déjà calé entre guillemets pour qu'on puisse marier. Et le Seigneur, quand je vais faire cette prière, Dieu va me dire clin d'œil, petit, non, c'est pas là-bas qu'il faut que tu ailles. Et donc c'est quelque chose que je veux dire à quelqu'un. Et moi, sans le savoir, amen. À ce moment-là, genre, je sais pas si c'était au même moment, mais en tout cas, moi, sans le savoir, j'ai fait une prière qui était un peu similaire à la sienne, mais dans le sens inverse en fait, dans le sens où moi j'étais déjà piquée en fait, je l'aimais déjà, enfin ouais. Piqué, piqué, piqué. Et ce que j'aimerais juste souligner, c'est d'être sincère devant Dieu. Parce que, justement, là, je dis j'étais piqué, mais là précis où j'ai fait cette prière, j'ai dit à Dieu, en fait, je l'aime. Parce que je ne me l'étais même pas encore avoué. Là, ça faisait à peu près 6 mois qu'on se parlait tout le temps. Et genre, je l'aimais vraiment. Et j'arrivais pas à le dire. Mais dans cette prière, j'avais tellement mal. J'en avais marre. Oh, j'en avais marre. J'ai dit, Seigneur, je l'aime vraiment. Donc, si c'est lui, fais que lui, il m'aime. Parce que j'en ai marre, en fait, d'aimer seulement. Fais que lui, il m'aime, c'est ta parole. Marie, aimez vos femmes. Que lui m'aime. Par contre, si c'est pas lui, que moi, je l'aime plus. Ça veut dire que je vais... Et par contre, au-delà de ça, que moi, je ne l'aime plus, mais surtout... Je me suis engagée devant Dieu, j'ai dit, moi, je n'alimenterai plus cet amour-là. Je ne vais plus l'alimenter. Si il m'envoie un texte, on se parlait tout le temps, etc. Bon, on se parlait toujours tout le temps. Mais en gros, avant, par exemple, s'il m'envoyait un petit message ou quoi, j'allais dire, ah, oh, mais s'il m'envoie un message, c'est peut-être que ça veut dire que. Je me suis dit, j'enlève tout ça de ma tête. Tout ça, j'enlève. On est frères. Je fais pas de. Voilà, je laisse tout ça à côté. Mais par contre, vraiment, que tout s'en aille. Parce que ça me fait trop mal. J'ai fait cette prière fortement, j'ai ressenti une paix dans mon cœur. Wow. Et à partir de là, en fait, bizarrement, on était encore plus proches, mais j'étais tranquille. J'étais tranquille à ce moment-là, je me suis dit, écoute, on est frères, il n'y a pas de souci. Et du coup, moi, j'ai pensé que ma prière commençait à marcher jusqu'à ce que ça soit encore répétitif. Et à la rentrée, je l'ai confronté, en fait. À la rentrée, je l'ai confronté. Je crois qu'on n'en avait jamais reparlé vraiment de mes sentiments ou quoi que ce soit. Mais je lui ai dit clairement que ça commençait à me faire mal. Et que vraiment, j'avais beaucoup de mal avec cette relation qu'on était en train d'entretenir. Wow. Ça menait et tout. Ça faisait, franchement, ça faisait quoi, 9 mois, je crois, qu'on était collés H24 et tout. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tu me dis que, voilà... Ah oui, punaise, on a oublié. Non, t'inquiète pas. Il y a un détail. Non, attends, on va arriver. On n'est pas pressé. Double date. On va arriver à ça, mais juste avant...
Je veux encore vous remercier parce que ce que vous dites, c'est tellement édifiant, tellement puissant. Vraiment, hein. Merci de nous dévoiler même les prières que vous avez faites auprès du Seigneur parce que je pense que vous n'êtes pas les seuls. Même nous, on a eu à faire cette prière-là et dans les commentaires, je voyais quelqu'un qui disait, enfin plusieurs personnes dire « Ah, nous aussi, moi aussi, moi aussi. » Et vous savez les amis, Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Ça veut dire que Dieu, il ne se plaît pas quand tu es dans une position où tu ne sais pas trop où aller. À un moment donné, il veut amener de la lumière. Il veut éclaircir réellement les décisions que tu dois prendre. Et surtout, quand on vient de donner sa vie au Seigneur, je crois qu'un réflexe que nous devons développer, c'est d'amener toutes les choses par rapport à notre vie auprès du Seigneur, à la lumière de la parole, pour s'assurer réellement qu'on est sur ce chemin que le Seigneur a tracé pour nous. Et comme le serviteur Pierre, moi aussi, le moment où j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais dans une relation toxique. Mais comme ça faisait longtemps que j'étais dedans, pour moi, je me suis dit, c'est vrai que j'ai donné ma vie au Seigneur, mais ça veut dire que maintenant, je vais me marier avec lui. D'ailleurs, je vais lui parler aussi de Jésus, puis on va bâtir et tout. Mais à ma grande surprise, il n'était pas une personne très consacrée au Seigneur et ça ne l'intéressait pas tant que ça, cette consécration-là. Et c'est ça qui m'a immédiatement, je bénis Dieu parce que ça a quand même été rapide. Rapidement, j'ai demandé au Seigneur, est-ce que cet homme-là que je fréquentais avant de te connaître, est-ce que c'est l'homme de ma vie? Et moi, dans mon cas, juste pour vous faire rire, le Seigneur, enfin, guess, c'est le Saint-Esprit qui m'a inspirée comme ça parce que j'étais vraiment toute nouvelle dans la foi à l'époque. Et puis, j'ai pris la Bible. J'ai pris ma Bible et je me suis dit, je vais l'ouvrir au hasard et le passage sur lequel je vais tomber, ça va être ce que le Seigneur me dit par rapport à la relation. Maintenant, j'ouvre le passage, je vois quand Dieu parle de Judas, la prostituée, tout ça, je suis comme, les histoires de tromperie, les histoires d'infidélité. Là, je suis comme, c'est quoi cette histoire de la Bible déjà? Et puis, pourquoi est-ce que je dois tomber là-dessus par rapport à cet homme? Mes amis, j'ai fermé la Bible, j'ai rouvert un autre passage, mais qui parle encore de l'infidélité que nous avons auprès du Seigneur. Mon Dieu. Et j'ai tout de suite fermé la Bible, je me suis dit, cette stratégie-là ne fonctionne pas. Dieu ne va pas me parler comme ça. Je me suis endormie. Le lendemain, je me réveille, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a piqué. Le Saint-Esprit m'a dit, va chez cet homme. Le gars ne me répond pas. Oh, tu en fais peur. Je dis, sorry. J'arrive chez le gars. Et c'est là que je l'attrape avec une autre fille. Juste pour vous dire comment Dieu parle. Juste qu'on prête attention. Il faut qu'on se dispose à vouloir écouter ce que le Saint-Esprit a à nous dire par rapport à tous les détails de notre vie. Comme j'étais en train de dire, il y a un moment très important. Excusez-nous, c'est... Non, il n'y a pas de souci. Ce sont les réalités de l'amour. Les réalités de l'amour. Exactement. Donc, il y a un moment de notre histoire qui est quand même assez drôle, mais marquante aussi. C'est que, vous vous souvenez, au départ, elle a dit qu'elle voulait prendre des cours. Elle aimait le piano, etc. Donc, moi, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, écoute, moi, je peux te donner des cours de piano. Donc, je vois déjà les gars commencer à venir. Non, c'était sans arrière-pensée. Des cours de piano vraiment comme un bon professeur. Voilà, tranquille. Donc, je lui demande, est-ce que tu as un piano chez toi? Elle me dit non. Elle me demande moi. Je lui dis, ouais, j'ai un piano chez moi. À cette période-là, en temps normal, j'ai peut-être mon frère jumeau. Mais à cette période-là, il était parti parce qu'il fait du foot. Il était parti à Montpellier. Donc, moi, j'étais tout seul chez moi. Et puis, il faut dire aussi que moi, ça faisait quoi? Ça faisait depuis 16 ans ou 15-16 ans que j'habitais plus avec mes parents, on habitait quasiment tout seul. Donc, quand mon frère est parti, j'étais tout seul chez moi à la maison. Et deuxième jour, elle n'a pas de piano. Donc, je lui dis, ça ne te dérange pas, tu viens faire le cours chez moi comme ça. Tu sais, elle dit, non, il n'y a pas de problème, tout ça. Bon, c'était un peu dans la journée. On va dire, non, en l'après-midi, tout ça. Je dis, OK. Donc, elle est venue. Ce n'était pas le premier cours, chérie. Donc, on a fait le premier cours, c'est bien passé. Tout ça, elle est rentrée chez elle. Et puis, elle apprend vite. Donc, moi, ça m'encourageait aussi. Bon, il n'y avait pas de truc normal. Maintenant, un jour, elle vient pour les cours. Et après les cours, on se met à parler. Donc, on était au salon, comme ça, on se met à parler. Et on se rend compte, c'est là qu'on se rend compte qu'on avait plein d'amis en commun. Donc, elle me parle d'un tête. Je dis, mais tu le connais? Je suis resté, il y avait le match de la police. Oui, je sais. Mais en fait, on commençait à parler de tout et n'importe quoi. Et en fait, je lui demande de rester. C'est moi qui lui demande de rester. Parce qu'il y avait
il y avait le match, il y avait un match de la Côte d'Ivoire. Donc, moi, je suis ivoirien. Donc, et puis, j'aime énormément. Oh. Toi, tu es ivoirien. Là, je suis ivoirien. Ah, on pensait que tu étais congolais. Non. C'est Désir qui est congolais. Ah, Désir congolaise, hein. Désir. Non, congolais. Non, moi, je sais. Oh, je fais mon. I'm the host. Double date. Your testimony matters. Ok, alors le serviteur Pierre est ivoirien et Désir est congolaise. Yes. Donc, Côte d'Ivoire. Et, je veux juste clarifier. Il y a des gens qui pensent que c'était moi, l'ex, qu'on a attrapé dans la chambre avec. Vous voyez, des fois, quand on raconte des affaires vite, là, après, ça mène à la confusion. Merci beaucoup pour les précisions dans les commentaires. Vraiment. Non, je racontais l'histoire de mon ex, s'il vous plaît. Donc, avant. Ouais. Avant. Avant, Joey. Et c'est même pas. Même après avoir vu ça, c'est pas là que je l'ai quitté. Parce que j'étais liée avec lui. J'avais des liens d'âme avec lui. Il a fallu que je passe au travers de tout un processus pour que ces liens-là se coupent et que je trouve la force de totalement mettre fin à cette relation qui était réellement malsaine, toxique et dont j'étais prisonnière. Et quand le Seigneur m'a délivrée et libérée, j'étais une femme très brisée et c'est là que j'ai rencontré Joey et il a aimé la femme brisée que j'étais et on a eu du scandale au miracle. Wow. Merci. Voilà. Wow. Je ne suis pour rien, je ne suis pour rien. Non, il y est pour rien. D'ailleurs, Dieu l'a utilisé pour ma restauration aussi. Alléluia. Donc, voilà. Gloire à Jésus. Donc la sœur est bien pour les cours de piano et il y avait le match de la Côte d'Ivoire. Donc, moi, je reste. Donc, je lui demande de rester, on regarde. Et en fait, pendant le match, moi, je suis très à fond. Donc, c'était drôle. Elle n'avait jamais vu ce côté-là. Donc, très à fond, je me lève comme ça, pour la Bidjanais, je suis à fond. Je tremble de toutes parts, tu vois. Et c'était très drôle. Et en fait, on regarde le match du Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire et après, on commence à parler. Donc, on parle. L'heure avance, l'heure passe. Mais moi, en fait, je ne fais pas attention à l'heure. Ah. Je ne fais pas attention à l'heure. Pourquoi? Parce que, bon, j'avais des amis bon, qui venaient des fois à la maison, restaient tard. Donc, je me dis, bon, ce n'est pas un problème. Alors qu'à ce moment-là, Désir était encore chez ses parents. Donc, Désir était chez ses parents. Donc, l'heure avance et pour ceux qui sont à Toulouse, il y a, à partir d'une certaine heure, il n'y a plus de métro. Okay? Donc, il n'y a plus de métro. Bon, à ce moment-là, il n'y avait pas de Uber. Je crois que c'était les taxis, mais c'était hyper cher. Les gens de Toulouse, venez confirmer, s'il vous plaît. Les gens de Toulouse, venez confirmer. Non, je crois vers minuit, je ne sais pas combien, la dernière rame était déjà passée. Donc, nous, quand on va se rendre compte, en fait, le temps est passé de fou. Donc, on se dit, mais attends, on n'a pas vu le temps passer parce que c'était trop bien, etc. Et toi, tes parents ne sont pas là. Moi, mes parents ne sont pas là. Oui, précise pour les gens se disent, mais tes parents sont où? Explique moi, un peu. Moi, mes parents sont en Côte d'Ivoire. Mes parents, ils résident en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je suis venu après mon bac. Après mon bac, je fais le bac français en Côte d'Ivoire et je suis venu après mon bac pour la suite de mes études, un peu pour le foot aussi. Donc, ça faisait des années que moi, je vivais tout seul. Et puis, bon, j'allais chez mes amis, je rentre un peu quand je veux, etc. etc. Mais ce n'était pas le cas de Désir. Désir, elle était encore chez ses parents. Donc, ce qui fait que, à un moment donné, on regarde l'heure, on se dit, mais attends, mais là, c'est chaud. Et ses parents commencent à l'appeler. Donc là, alors que moi, ses parents, je les connais. Je les connais comment? Parce qu'ils viennent à l'église, c'est deux pasteurs. Donc moi, c'est bonjour, pasteur, bonjour. Il y a une relation vraiment beaucoup de respect pour eux. Maintenant, il s'avère que leur fille, et là, je vous parle de ça, c'était, on retourne encore en arrière. Là, on est à 9 mois, mais on retourne encore en arrière. C'est vraiment dans les débuts, hein. Dans les débuts de notre entre guillemets, relation amicale. Ouais. Et donc, elle appelle ses parents, elle va sur le balcon, elle parle à ses parents. Mais vous connaissez ce genre de relation, ce genre de communication où il y a. C'est que des. Ok. Juste, pardon, je réponds. Si, si, je voyais l'heure. Hein. Mais... Elle voyait l'heure, mais c'était trop chic, c'était doux. Donc, bon. Tu vois l'heure. Non, elle voyait l'heure. Elle voyait l'heure. C'est la Côte d'Ivoire. Mais tu n'as plus envie de parler. Tu es là. Et puis, bon, le gars aussi. Pas vu l'heure. Le gars n'est pas simple. Donc, tout allait bien. Et moi aussi, honnêtement, je n'avais pas envie qu'elle parle dessus. Donc, après, c'est là qu'on réalise que c'est bizarre. Donc, elle appelle ses parents. Quand elle va sur le balcon, tu sens que il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, quand elle revient, elle me dit, les parents ne sont pas contents, etc., etc. Et devinez quoi? Au plus le temps va passer, ses parents vont lui dire, tu ne bouges pas, on vient te chercher chez lui. Moi, dans ma tête, je me dis, mais non. Double date, your testimony matters.
Est-ce qu'on peut faire une pause? Est-ce qu'on peut mettre la pause juste là? Les parents qui te connaissent, ils ont dit, ne bouge pas, on arrive là. Les parents pasteurs qui te voient au piano. Congolais. Attends, juste avant la pause, il est quelle heure là? Il est 21h49. Non! Dans l'histoire! Il était quelle heure? Ouh, dans l'histoire, il est déjà il est 3h. Hein. Là, peut-être, il est 3h là. Ouais. 3h du matin? Donc, les parents, ils arrivent. Parce qu'en fait, on a eu du mal à se décider. Est-ce que tu vas rentrer en taxi? Tu vas pas rentrer en taxi? Et moi, entre-temps. Non, mais c'est comme ça. Je fais à manger, je vais dans la cuisine, tout ça, parce que j'ai un petit creux. Je fais à manger, tout ça. Et naturellement, je fais à manger pour elle aussi. Donc, en fait, on est posé, on est tranquille. Moi, j'ai pas besoin de. Mais là, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, est-ce qu'elle va rentrer? Elle ne va pas rentrer, etc. Ses parents, ils rappellent. Tu es où, nanani, nanana? Bon, bouge pas, on vient te chercher. Oh, il est 3h du matin. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur Jésus? Les parents, les pasteurs que je vois à l'église, que je respecte, ils vont venir chercher leur fille chez moi à 3h du matin. Et ce parents c'est congolais. Ils arrivent congolais. Ils arrivent, peut-être que je ne sais pas s'ils sont là dans le live. Attends, pause. Oui, okay. Pause. On va laisser les gens dans ce suspense. On va prendre un petit. Donnez-nous 2 minutes. On va juste faire une petite pause. Ça va vous donner le temps aussi de vous rafraîchir, boire un peu d'eau, parce que nous aussi, on doit boire avec la dimension où le live est rendu. Oh my God. Okay, la Côte d'Ivoire et le Congo. Non, moi, j'aime ça. Non, il était déjà 3h du matin au Congo, mais en Côte d'Ivoire, il était encore 21h. Voilà. C'était le match. C'était le match. Ok. On va vous laisser sortir du live juste 2 minutes. Rafraîchissez-vous. Le public, restez avec nous parce que dans 2 minutes, le couple d'Egbo va revenir. Mais avant, oh my God. Wow. Oh my God. Les parents sont en train d'arriver là. Ouf. Dites-nous quelque chose. Mettez des draps. Quelqu'un a dit non, mais la water. Water. Wapi water. Mettez-moi de l'eau. Mettez-moi des drapeaux de la Côte d'Ivoire avec le Congo, s'il vous plaît. Waouh. Ah. L'enfant d'autrui. Mmh. Quelqu'un dit continuer. Attends d'abord, dit. Oh. Double day. You test the money matters. On était comme à 850 personnes, 875 même. Ouf. Non, donc, moi, j'aurais chaud déjà. Non, moi, j'aurais pris un taxi. Donc, j'avais... Non. Non, on te dit, reste là, on arrive. Je préfère qu'on aille me taper à la maison. Pas... Moi, j'aurais pris un taxi. Yo, est-ce que ça nous est déjà arrivé, ce genre de... Non, pas vraiment. Bon, la situation, oui, mais les parents ne sont jamais venus chercher. C'est ça. On nous a attendus à la maison. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à ce 4e épisode de la 3e saison de notre très populaire talk show Double Date. Vous êtes en présence du couple Kumpesa. Mon nom est Nipa. Je suis avec mon cher époux que j'aime tant. Tellement content de ne plus être dans cette situation et d'être enfin mariée et tranquille dans notre foyer. Réveille-moi à 3h du matin même. Tu vas voir qu'est-ce qui va t'arriver. Oh mon Dieu. Mm-hmm. On dit ça parce qu'il fut une époque où nous étions dans ce genre de situation. Et on en parle dans... Ouais, on en parle dans notre livre. Si vous voulez découvrir réellement les challenges que nous avons eus pendant notre période de fréquentation, en passant par les fiançailles juste avant le mariage, vous devez le découvrir. Donc, nous vous invitons à découvrir tout ce que nous offrons au travers d'ailleurs de cette plateforme qui s'appelle Couronnée d'amour. Donc, c'est notre entreprise chrétienne que nous avons bâtie ensemble il y a de cela 7 ans déjà, où nous faisons des conférences, du mentorat, du coaching pour permettre aux célibataires d'être bien préparés pour le mariage et aux couples de vivre un mariage réellement solide, harmonieux et qui a de l'influence. Uh-huh. Et pour découvrir réellement notre plateforme, nous vous invitons à visiter notre site internet au www.couronnedamour.ca. Et pour ceux et celles qui sont curieux de découvrir notre histoire, vraiment, afin juste d'être édifiés par rapport à ça, vous pouvez aller au www.duscandaleaumiracle.com.
www.lesbiennesdu.com. Et juste avant de terminer ces annonces, comme vous savez, ici, sur la plateforme de Double Date, vous pouvez réellement nous écrire afin que nous vous envoyons les informations pour pouvoir avoir de la publicité ici en live auprès des plus de 700 personnes qui sont connectées. Yes. Et des milliers qui vont suivre en rediffusion. Yes. Alors, je vais présenter rapidement, très, très important. Donnez-moi un instant, je vais vous mettre un petit visuel. Et voilà. Alors, vous voyez ici, la Wedding Business organise une très, très grande conférence sur Paris le 26 mars 2022. Et laissez-nous vous annoncer que nous serons présents parmi les distingués invités. Et nous serons là pourquoi? Parce que cette entreprise a eu la glorieuse idée, l'ingénieuse idée de pouvoir réellement réunir les prestataires de mariage ainsi que tous ceux et celles qui désirent se marier très prochainement pour une conférence qui va les permettre d'avoir le meilleur des partenariats, en tout cas le meilleur des services. Et donc, si ça vous intéresse, il y aura une soirée dansante, un cocktail, ce sera une grosse soirée dans un lieu très luxueux. Nous vous invitons à contacter la page Instagram Alliance Impact. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je suis sûre que oui, parce qu'ils sont passés, le couple en question est passé au Double Date lors de la saison 2. Donc, comme j'ai dit, c'est vraiment, ok, je vois les drapeaux de la France avec « on vous attend, on vous attend ».« We are coming ». On a super hâte. Et comme je disais, vraiment, cette soirée sera animée par la très populaire Elodie Vilmus et aussi par l'homme qui fait partie de la compagnie d'Alliance Impact, qui est Monsieur K, ok, du couple K-Pend. Donc, comme j'ai dit, vous pouvez contacter la page Instagram Alliance Impact. Est-ce que quelqu'un peut m'aider en mettant ça dans les commentaires? La page Instagram d'Alliance Impact pour avoir réellement toute l'information sur comment s'inscrire à cet événement inédit qui aura lieu le 26 mars 2022 sur Paris. En tout cas, j'ai extrêmement hâte. Alors, je regarde si je peux vous mettre un autre visuel en attendant que Joey revienne ici rapidement pour qu'on puisse continuer le Double Date parce que je vois comment vous avez hâte à la suite. Voilà. Alors, donnez-moi un instant. Voilà. Donc, comme je vous disais, nous serons avec notre chère Elodie Vilmus. Et elle sera là réellement pour animer l'événement avec Monsieur K, qui est le mari de Madame K, je dois dire, donc le couple K-Pend. Alors, si vraiment vous êtes de Paris, ne ratez pas cette conférence. Merci beaucoup. Je vois Verlaine dans les commentaires qui met le lien de Alliance Impact. Contactez-les. You guys cannot miss this event. Ce sera vraiment quelque chose de grandiose qui va nous bénir. En tout cas, je dis bénir, ce n'est pas forcément un événement chrétien, mais je crois que définitivement, nous allons apprendre beaucoup de belles choses et ultimement, nous passerons une soirée de qualité. Yes. Hâte de vous retrouver sur Paris si vous y êtes. Yes. Magnifique. Comment? Je pense que c'est bon. Oh, yeah, we can go back, we can go back, we can go back. Bring him back, bring him back. Alors, on va inviter le couple à revenir sur scène, le couple d'Egbo qui nous a laissé dans le suspense. Alors, on attend qu'il nous renvoie une demande et ensuite, on va continuer. Oui. Comme vous l'avez vu, réellement. Envoyez une demande. Yes. Ils nous ont laissé vraiment dans le suspense. On écoute un autre son du serviteur Pierre. Écoutez seulement, serviteur Pierre. We just blessed. On est béni. Stop playing games, man. This is yes. This is serious. Alors j'attends qu'il nous envoie une demande. En attendant, on écoute mon beat préféré de ce couple même.
merveilleux. Waouh. Tu parles des liens, sans vraiment savoir où je devais aller. Conduit dans le péché, dans l'iniquité. C'était une fois facile pour le diable. Mais mon âme crie bien. Bien. Sans moi, je ne suis pas bien. Tu as rendu toute ma vie. Joli, joli. Dis-le de nous, dis-le de nous, dis-le de nous. Ah, je vais te suivre, Abel. Alors allez, allez. Alors trouvez-les sur iTunes, sur toutes les plateformes de téléchargement. Écrivez simplement Serviteur Pierre et vous allez trouver ces sons merveilleux. Crucifié, Golgotha, pour toi et moi, aujourd'hui. Les enfants, ils font ça. Tombé sur moi, localisé. Merci. Bébé, oh bébé, moi je vis pour Jésus. Where they at, okay, okay. Oh, I see. Too much, oh, I love you too much, yeah, baby. Too much, oh, I love you too much, oh, too much, oh, I love you too much, yeah, baby. Too much, oh, 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 yeah, oh. Alors ça c'est un son du couple serviteur Pierre et servante Daisy pour Jésus, celle que j'ai dit qui était à 705 000 views sur YouTube. Avec amazing, raison. Amazing. Wow. Just, yes. The vibe is just, the vibe is just, I mean, what, I don't even know what to say, man. I don't even know. J'ai envie de mettre un 30 secondes de quelque chose encore. On est là au double day. Sinon, ça va être le concert, matters. Comme tu as dit là. Yeah, c'est ça. Est-ce que tu avais vu le concert en France? Lequel? Avec Simian? Avec Simian. Bien sûr que j'ai vu ça. Il avait tenu et tenu cette journée-là. On ne peut plus dissocier les jumeaux, en tout cas. En tout cas, c'était compliqué. Non, mais définitivement, couple d'Egbo, merci déjà pour votre présence ici au Double Day. Merci pour votre histoire, votre témoignage qui bénit déjà un grand nombre de personnes. Merci pour votre sincérité, pour votre transparence, pour votre authenticité et même pour les paroles de sagesse que vous nous permettez d'écouter alors que vous nous racontez votre histoire. Vous nous avez laissé dans le suspens. Ça chauffait. Est-ce qu'on peut juste remettre les drapeaux de la Côte d'Ivoire et du Congo, s'il vous plaît? Ouais, parce qu'il y a un match terrible là qui se passe. It might be prophetic for someone. I don't know. Il y a un match terrible qui se passe actuellement. On est dans le suspense. On veut savoir comment ça va se décanter. Quelque part à Toulouse. Voilà. Wow. Quelque part à Toulouse. Quelque part à Toulouse. Là où les métros sont fermés. Voilà. Se sont découverts dans une église. Soi-disant, on n'avait plus vu l'heure. Non, c'est qui? C'est la Côte d'Ivoire ou c'est le Congo qui a vu? C'est qui qui a plus vu l'heure? C'était le Congo ou le Congo? Non, c'est la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, le Congo. On regarde pas l'heure là-bas. Non, parce que nous, au Congo, on avait vu, nous. On s'est assumé, on s'est dit oui. On a vu qu'il était... Ah oui. Deux jeunes chrétiens qui
aiment le Seigneur, yes, mais qui se retrouvent vraiment dans une situation très particulière, yo, là où les sentiments sont impliqués, et là où finalement l'homme, il est déjà engagé dans une relation amoureuse, la femme, elle, elle n'est pas très, très, très à son goût. Et elle est là dans cette amitié avec cet homme qui est soi-disant déjà pris, ne sachant pas trop quoi faire, mais elle se dit que, ah, je vais quand même rester là parce que cet homme est un homme de Dieu. Et dans cette relation, en tout cas, je suis nourrie spirituellement. Mais en parallèle, c'est compliqué parce qu'elle aime cet homme. Puis cet homme est déjà dans une relation. Donc, elle en souffre en silence jusqu'à ce que, en tout cas, je ne vais pas rentrer dans la suite de l'histoire, on va les laisser raconter, mais comprenez que la position dans laquelle ils étaient est très, très, très particulière. Et là, la jeune femme se retrouve chez l'homme pour pouvoir suivre un match. Non, d'abord prendre des cours de piano, ensuite, il décide de suivre un match, et l'homme a un petit creux. Il dit qu'il va aller faire à manger pour la belle demoiselle. Et alors qu'ils sont en train de manger et de rire et de profiter de la présence de l'un et de l'autre, ils ne voient pas le temps passer. Et on se retrouve à être près de 3 heures du matin. Et la jeune demoiselle reçoit un appel très critique. C'est l'appel de nul autre que de ses parents. Et est-ce que je peux préciser que ses parents sont d'origine congolaise, s'il vous plaît. Ce qui rend les choses encore plus compliquées, parce que si vous êtes congolais comme nous, vous savez que se retrouver dans la maison d'un serviteur de Dieu, s'il vous plaît, ok, à 16 heures, c'est totalement inacceptable et je pèse mes mots. Et peut-être qu'il n'était même pas encore serviteur de Dieu encore à l'époque. Il était très serviteur dans le sens qu'il servait dans le ministère. Et ce, tous les dimanches, il était fidèle à son poste de pianiste. Et voilà, c'est la belle jeune fille qui est, je précise, enfant de parents, ce sont de pasteurs plutôt, de parents pasteurs. Elle est à 3 heures du matin en dehors du cocon familial. Et alors, les parents décident de régler la situation en prenant leur voiture pour se rendre directement où se trouve leur précieuse et chère fille. Pour régler la situation, où faire? Je ne sais pas, parce que c'est là que le couple d'Egbo nous ont laissé. Que s'est-il passé par là? Wow, on peut résumer la vie de quelqu'un comme ça. Ah, incroyable. C'est comme ça que je raconte les histoires à mes enfants. J'en ai 3 en bas âge, donc c'est incroyable, incroyable. Tu veux prendre le relais? Non, vas-y. Ok. Donc, ben, elle me dit, les parents, ils ont dit, ils viennent me chercher. Faut pas que je bouge, ils arrivent. Maintenant, bon, vous savez, les parents, le temps d'envoyer l'adresse. Le temps de trouver sa mère qui conduisait à cette époque, sa mère est conduite sur le périph' à 30. Donc déjà, ça met du temps. Donc elle est comme ça. Petit. Le temps qu'ils arrivent chez moi, sachant que c'était pas à côté, il était quelle heure, chérie? Le temps qu'ils arrivent. Là, il est presque 4 heures. Il est presque 4 heures du matin. Waouh. Donc en fait, ça va de mal en pire. Et bon, moi, jusque-là, je me dis, bon, ils viennent chercher leur fille, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, elle va rentrer à la maison. On va peut-être appeler ou peut-être le lendemain. J'espère que ça ne va pas créer d'autres histoires là-bas, etc., etc. Alors, donc on appelle Daisy, on lui dit, ben c'est bon, du coup, on est en bas, tu peux descendre. Mm. Par contre, tu ne descends pas seul. Oh, pardon, juste on demande à quel âge on avait. Moi, j'avais 21 ans. Hein. Ouais, je crois que c'est 21 ans, je crois. J'avais 21 ans. Et pareil, moi aussi. Parce qu'en fait, il y a quelques mois entre nous, un mois et demi. Okay. Et donc, on avait 21 ans. On dit à Daisy, tu descends. Par contre, tu ne descends pas seul. Donc, elle me dit, moi, je me dis, Seigneur Jésus, quelle situation. Parce que moi, je croyais que j'allais échapper. Jamais. Donc, j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème dans ce cas-là. Mais je vais assumer dans tous les cas. Je vais descendre, tout ça. Donc, je connais, je fais le mec. Il y a pas trop. Quand il m'a dit ça, je dis, OK, il n'y a pas de problème. Mais je n'étais pas très serein au fond. Donc, il me dit, 4 heures du matin, les pasteurs sont en bas de chez toi. On connaît ton père spirituel. En temps normal, tu as un bon témoignage. On t'apprécie bien. Donc, bon, bizarre.
Donc, je me dis, OK, je descends. Quand on descend, tous les deux, elle est devant moi, moi, je suis derrière. Et donc, quand on descend, la première chose qu'on dit à Daisy, ça veut dire, en fait, elle n'a pas un mot en vie. On dit, toi, va dans la voiture directement. Donc, je sentais qu'elle voulait essayer. On dit, hey, chut, là-bas. Donc, moi, j'ai compris que c'était déjà très tendu. Maintenant, c'est la mère était là. Non, le père était déjà descendu et la mère aussi. Et moi, j'arrive. Ouh, donc, je dis, je salue. Tu l'as osé. Non, je ne sais pas si je dois dire bonjour, bonsoir. Je ne sais plus. Donc, je dis bon, je ne sais plus ce que j'ai dit. Donc, je salue. Tu commences à parler en lingala. Je t'ai dit. Donc, mais je ne comprenais pas bien. Donc, j'étais là pour ça. Je salue. Et, salut. J'ai aucune réponse. On me répond pas déjà. Donc déjà, on me dit pas ça va, on me dit rien. Et pendant 30 secondes, on me regarde. J'étais mal à l'aise. Et là c'est son père qui me parle. Attends, t'as pas fait une chanson pour... T'as pas fait une chanson pour... Mal à l'aise. Oh, t'avais fait une chanson mal à l'aise. Oh mon Dieu. Non, je ralentis parce que je veux vraiment... Donc, les gens sont tellement dedans. Amis, donc c'est... Je ne sais pas si vous arrivez à visualiser la scène parce que là où moi, je suis, j'ai envie de disparaître. Ça, c'est... Déjà, le salut m'a dead. Mais je ne savais pas. Je ne sais pas quoi faire. Donc là, la mère... Sa maman, elle ne me parle pas. Elle ne me dit rien. Donc, moi, la conversation, jusque-là, elle ne me dit rien. La conversation, c'est avec le père. La première question qu'il me pose, il me dit, est-ce que tu trouves normal qu'on vienne chercher notre enfant chez toi à 4 heures du matin? Aïe. Donc, moi, la première des choses que je fais, c'est que je m'excuse. Je n'étais pas là pour expliquer que... J'ai dit honnêtement, pasteur, je ne sais même pas comment je les appelle. Je suis désolé. Et c'est en gros, c'est ma responsabilité. J'ai pas veillé à ça, etc., etc. Donc, je prends sur moi. Je m'excuse. On me dit, ah, est-ce que tu avais l'habitude de faire? Je dis, honnêtement, j'ai l'habitude que mes amis viennent chez moi et qu'ils repartent à l'heure qu'ils veulent. Parce qu'eux aussi, ils ont leur appartement. Mais on fait, c'est pas qu'on fait des bêtises. Mais ils viennent, on est à la maison. Des fois, on est assis, on regarde des films, on fait des trucs. Mais ils repartent chez eux quand ils veulent. Donc, wow. C'est peut-être qu'à cause de ça... J'ai pas été lucide. Donc, c'est pas une excuse. Hein. C'est la lumière, mais c'est la lumière. C'est à cause de la lumière. C'est la lumière. Mais je demande pardon. Donc, le père, je suis là, je parle, tout ça. Il me regarde. Maintenant, la mère ouvre la bouche. Hey! Attends. Je sais pas, est-ce que vous voulez qu'on continue le double date ou c'est too much, on arrête là parce que j'ai pas envie. Vous dire si quelqu'un a des problèmes de pression. Ouais, de c'est tension. Ça. Je veux pas de crise respiratoire, je veux pas de tout ça. Si vous voulez qu'on arrête, on arrête. Mais si vous voulez qu'on continue, donnez-moi des drapeaux de la Côte d'Ivoire avec des drapeaux du Congo. Seulement, donnez-moi des drapeaux. Donnez-moi des drapeaux. Si vous me donnez des drapeaux, je sais qu'on continue. On continue. On va attendre, on va regarder ici derrière. On va essayer de voir ici derrière. Dès qu'on voit drapeaux, dès qu'on voit des drapeaux de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un dit j'ai peur. Hein. Quelqu'un dit le live peut s'arrêter là. Le live peut s'arrêter là. Donc il y en a. J'ai peur de toi. Les longues extensions et bandits. Continuez, pardon. Hein. Si. Oh, non, wow. Moi, si j'ai des drapeaux, je continue. Moi, les drapeaux sont là. Moi, je veux les voir dans l'écran ici. Ils sont là. Non, mais tu ne vas pas les voir ici parce que ça écrit juste la lettre. Ah, ça écrit la lettre. Ok. Mais les drapeaux sont... Ah, ok, parfait. Non, il y a pas mal de drapeaux. Oui. Alors, hein. Moi, je pensais que j'avais fini avec le père et que ça allait se terminer là. Mais en fait, là, j'avais pas fini avec la mère. Aïe. Donc, la mère, elle me regarde. Et elle me pose une question. Je ne sais pas si c'est une question piège. Je ne sais pas si c'était pour me déstabiliser ou quoi, mais elle me dit, elle me regarde dans les yeux. Sachant que ça fait, je connais sa fille il n'y a pas très longtemps. Elle me dit, ma fille, tu l'aimes? Mmh. Ouh. Oh, moi, je pensais qu'elle pouvait... Alors que toi, tu as une situation, là. Alors que moi, je suis dans une situation et je connais sa fille, je la connais à peine.
Mais en tant que mère, je sais ce qu'elle veut entendre. Non, la maman, elle est trop forte. Moi-même, je prends des notes. Non, parce qu'il y a question et question. Là, maintenant... Il y a question et question. Elle me moi, dit, ma fille... Je pouvais dire autre chose. Non, tu vas droit au but. Directement. Pas passer par 4000 chemins. Ma fille, tu l'aimes. Maintenant, elle me regarde. Et moi... Là, il est 4h37 ou 38? Peut-être il est 39. 39, hein, hein, 39. Mmh. Non, ça, ça sonne 39. Ça sonne, ça, ça sonne 39. Ça, c'est pas sûr. Encore 40, parce que si c'était 40... J'aime ta maman, hein. Tu lui transmets mes salutations. Oh, maman, we love you too much, oh. Too much, oh. We love you too much, yeah, 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 yeah. Too much, oh. Oh là 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 là. Et donc, moi, je lui dis... Parce que sa fille, je l'apprécie, mais je ne l'aime pas genre en mode, je veux faire quelque chose de concret qu'elle a à cette période-là. Oui, et je lui dis, je dis à la femme, je dis à maman, je lui dis, pas forcément, mais en fait, ça ne veut rien dire. Attends, attends, serviteur Pierre, ça, c'est quel niveau de... Je mets de l'eau, hein. Je mets de l'eau, je mets de l'eau, mais je veux le boire comme si je buvais quelque chose de très très fort. Moi-même, moi-même. Ah Seigneur Jésus. Bon, maintenant que j'ai bu ce truc là, hein, on va dire que l'effet là. Maintenant, je répète ce que tu as dit. Répète ce que tu as dit à maman. J'ai dit pas forcément. Non. Comme moi. Non. T'en veux? Rajoute seulement. T'en veux? Bois seulement. Bois encore, bois encore, bois encore. Pas forcément à 4 heures du matin. Je suis vraiment, je sais pas. Mais en même temps. Et sa fille est là-bas à 4 heures du matin. À 4 heures du matin. Mais en fait, en gros, dans sa tête, je suis sûr, elle s'est dit, mais pourquoi tu la gardes aussi si tu l'aimes pas? Parce que moi, quand je dis pas forcément, la discussion s'arrête là. On me dit au revoir, ils rentrent chez eux. Donc moi, je me dis, mais en fait, est-ce que j'ai mal fait de dire ça? Est-ce que j'ai tu bien te fait... poses encore la question. Je me pose des questions. Parce que moi, je repars chez moi, moi, je suis tout seul. Je cogite. Et elle, j'imagine même pas ce qu'on lui dit dans la voiture, etc. Et peut-être tu veux prendre le relais. Ouais. Franchement, moi, à ce moment-là, on ne parle même pas de ce qui s'est passé entre eux. Moi, on ne m'a rien dit. On me parle juste de moi, mon comportement, en fait. Ouais. Sachant que, bon, peut-être pour certaines personnes, ça peut paraître un peu bizarre, genre à 21 ans... Et tout, tes parents, ils sont derrière ton dos comme ça, genre, tu rentres tard, elle a une période, elle a une période dingue. Ouais, c'est vrai. Avant dans le monde. Comme je dis, j'ai... Attends, est-ce qu'il y a des gens dans le live, là, qui trouvent ça bizarre? Mais il y a des gens qui demandaient mon âge. Non, je... C'est jeune. Ouais. Yeah. Ouais, yeah, yeah. Après, t'es majeur, tu vois. Ouais, ouais. Techniquement, ouais. Techniquement, t'es majeur, mais bon. Je suis sous leur toit. Elle est... Ouais, elle était sous leur toit. Je suis sous leur toit, donc... Bon, c'est peut-être mon cœur de maman, hein, parce que moi, ben, c'est un an, trust me, you ain't gonna be outside of the house at 4 in the morning, you can. Tu peux vraiment me croire par rapport à ça. Oui, je pense que nous sommes tous des parents ici dans le live, je veux dire. Nah, il n'y a personne qui va laisser sa fille de 21 ans vraiment. À 4 heures du matin. Mais non, en tout cas, c'est chaud. Donc, on quelqu'un avec les parents congolais, il n'y a pas d'âge. Merci. Il n'y a pas d'âge. Non, on va plus parler de ça, hein. De mon comportement, du fait que voilà, il fallait que je fasse attention, que c'était pas sage. En plus, le lendemain, j'avais cours et tout. Donc, en vrai, non, c'était vraiment du n'importe quoi. Donc, ouais, mais le problème, en fait, pourquoi on est revenu sur ça à ce moment-là, c'est parce que moi, toute la période, en fait, où moi j'étais amie avec lui ou quoi que ce soit, ma mère, elle avait ça dans la tête. Pas forcément. Pas forcément. Donc, en fait, dès que je lui disais oui, je vais voir Pierre. Oh, je suis là-bas avec Pierre et tout. Elle, dans sa tête, ça ne résonne pas forcément. Elle dit, mais qu'est-ce que ma fille, elle fait là-bas, en fait? Qu'est-ce qu'elle est en train de perdre son temps? Et en plus, bon, comme on vous disait, il y avait un peu des filles qui tournaient autour. Donc, il y avait même des mamans qui parlaient à ma mère pour lui dire, oui, ta fille, je ne sais pas quoi. Genre, elle va avoir le cœur brisé et tout, nanani. Donc, en gros, comme si, surtout, bon, faut le dire, hein, les Congolais, ils sont un peu fiers. Hein. Donc, tu vois, bien sûr, la fierté de la maman et tout, elle se dit, sa fille ne va pas courir derrière un homme. Donc, en plus du côté chrétien, où voilà, on veut que ce soit l'homme et tout, qui fasse la déclaration, etc. Bien etc. sûr. Et ça, tu rajoutes encore la coutume, tu rajoutes encore les origines congolaises. Ça fait quoi, en fait. Et du coup,
C'est plus tard, c'est bien plus tard que moi, ma mère, elle m'a dit, oui, mais est-ce que tu sais, ouais, tu passes ton temps avec lui, nanani, mais est-ce que toi, tu sais ce qu'il nous, il nous avait dit le jour où on est allé te chercher là-bas? Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas, vous ne m'avez pas dit. Et c'est là, le balance le truc du pas forcément. Donc, pas forcément. C'est vrai que ça m'a fait un petit truc. Quelqu'un a écrit pas forcément. Pas forcément. C'est terrible ici. Oh, mon téléphone, c'est... Ouais. Ça m'a fait un petit truc et tout, mais... En même temps, genre, moi je me disais, ce qu'il a dit à ce moment-là, c'est pas ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui en fait. Donc moi je me dis, même si c'est pas genre en mode l'amour comme on pourrait l'espérer, je sais qu'il tient à moi. Parce que ce qu'elle savait pas, ma maman, c'est que lorsque lui il va me dire, oui, accompagne-moi au foot, oui, j'ai match à tel endroit, viens, oui, je dois aller faire telle course, viens, nanani, ma maman elle le sait pas. Donc elle voit que sa fille qui est derrière un garçon en fait. Et de là, moi, genre, franchement, j'ai même pas vraiment tenu compte de ça. Mais il faut dire que ça a été, franchement, ça a été compliqué en fait. Ça a été c'était la bataille, vraiment la bataille et tout avec les parents et tout. Et du coup, on accélère. On arrive en nouvel an 2018. Donc moi. Comme je vous disais, j'ai eu la confrontation avec lui. Ah oui, parce que c'est vrai que juste avant, j'avais eu la confrontation avec lui pour lui dire que, voilà, j'en avais marre et tout, ça me convenait pas, cette situation. Et il faut avouer que ce que ma maman me répétait depuis des mois, ça commençait un peu à résonner dans mon esprit, quoi. Je lui ai dit, moi, je vais pas te courir après, hein, par contre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on est? Oui, pas forcément et tout, nanani, c'est comment? Et c'est là que lui va me répondre. Il me dit, en gros, je suis sortie d'une relation très longue et j'ai pas envie de me tromper. Dans le sens où la prochaine personne que je vais présenter à mes parents ou quoi, je veux que ce soit la bonne en fait. J'ai pas envie de représenter encore des gens et tout. Non, non, non. Là, si on y va pour de vrai. Donc du coup, je préfère pas te promettre des choses ou m'engager dans quelque chose, je sais pas, je peux pas te dire quelque chose, mais sois patiente. Et juste le sois patiente là, ça m'a apaisée en fait. Où je me suis dit, bon, ok, sois patiente, on verra. En gros, on verra, c'est bon, je laisse tomber, on verra. Donc c'est au nouvel an 2018 que cette fameuse patience là a payé. Sachant que moi, quand je lui dis sois patiente, je suis pas en train de lui dire, mais attends, bientôt on va se marier. Moi, je lui dis ça. Je lui dis ça parce que je me dis, vaut mieux que... Faudrait pas qu'elle se mette déjà à l'idée qu'on va finir ensemble. Parce que des fois, on avait des discussions pour rien. Hein. Juste le fait, comme elle disait au départ, juste le fait qu'on soit amis, je voulais pas l'admettre, tu vois. Je voulais pas créer... Parce que j'ai déjà vécu des relations où c'est... Il y a eu des non-dits, plein de... Ouais, au final, en fait, ça te retombe dessus. Donc, avec elle, en fait, je ne voulais même pas qu'il y ait de tout ça, tu vois. Donc, c'était un peu une façon à moi de la protéger et de me protéger moi aussi. Attention, chérie. OK. C'est parce qu'on est à plus de 1000 personnes. On est à plus de 1000 personnes. Voilà. Le téléphone a pris un coup. Le téléphone a pris un coup. Le téléphone a eu un choc. Aïe, 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 aïe. We are 1000 double dates. Let's go. Yeah. Gloire à Dieu. Et du coup, par la suite, donc moi, je lui dis, sois patiente. Et donc là, je fais la transition sur le nouvel an 2018. Ouais. Où moi, en fait, donc on se prépare parce que jusque-là, bon, elle intègre l'église, la jeunesse et aussi le groupe de la chorale. Sachant que moi, je suis responsable de la chorale. À ce moment-là. Oui, à ce moment-là. Ouais, à ce moment-là, ouais. Donc, on passe le nouvel an, enfin, le réveillon. Non, tu n'étais pas encore. Hein. Pas encore. Mais j'étais vice-responsable. Et peut-être que même le responsable, il est là dans le live. Aïe, le responsable, il est chaud. Et le responsable, d'ailleurs, c'est lui. C'est le responsable à l'époque, c'est lui qui m'a appelé quand on devait les déposer dans la voiture. Quand il m'a demandé de venir dans la voiture, qu'on allait les déposer. Donc, c'est le même responsable. Donc, okay. Lui, il était vraiment un élément important pour, dans l'histoire. Voilà. À chaque fois, on parle, on est obligé de parler de l'équipe de Louange. Shout-out, big shout-out. Shout-out. Et donc, moi, c'est à ce moment-là que tu vas chez d'autres personnes, non? Mm-hmm. Ou c'est... Ouais. Donc, quand on a fini le culte, le réveillon, moi, je suis rentré chez moi. Je ne sais plus avec qui, avec mon frère, peut-être, je ne sais plus. Et elle était partie chez des soeurs de l'église. Mais on se parlait tout le temps. Tu vois, je lui demandais, ah, tu faisais quoi? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Est-ce que c'est bien là-bas?
En fait, c'est comme si je m'inquiétais un peu pour elle. Enfin, je ne m'inquiétais pas, mais je voulais savoir ce qu'elle faisait. Bon, je m'inquiétais un petit peu. Je voulais savoir ce qu'elle faisait. Tout bizarre, ça me tenait à cœur de savoir que c'était bien, etc., etc. Et moi, je lui dis quoi? Je lui dis, ben écoute, on n'a pas pu passer la soirée ensemble, donc le premier matin, le premier soir, viens à la maison, tu vois. Mais par contre, je lui dis, quand tu viens à la maison, habille-toi bien, mets-toi en mode et viens à la maison, tu vois. Donc, elle, c'est la première fois que je lui demande ça. Donc, wow. Bon, elle s'est dit, pourquoi elle me demande ça, elle se pose des questions. Mais à cette période-là, je précise quand même que mon frère jumeau, il était déjà revenu. Donc, il y avait mon frère jumeau qui était là à la maison. On n'était pas que tous les deux. Et aussi, donc, est-ce qu'avec l'autre fille là-bas, c'était fini? Parce que ah non, c'était fini. Ah, c'était, depuis, ouais, c'était fini, ouais. Okay. C'était fini, c'était fini avec elle. Et moi, c'était fini avec elle, mais je ne lui avais pas dit à Daisy. Parce que je ne voulais pas que c'est une... Pour dire, maintenant, elle sait qu'on est, que j'ai personne, que ça accélère, qu'on aille dans un truc. Donc, je ne lui ai pas dit. C'est plus tard que je lui ai dit. Et que ça faisait déjà des mois que je faisais avec la personne. Et donc, je lui ai dit, ah, mets-toi bien, tout ça. Donc, moi aussi, j'ai sorti, comme mon frère, mon grand frère Joe, on sait comment le faire. Une belle petite chemise, un beau petit parfum. J'ai ramené des petits trucs, une belle petite déco à la maison. Hein. Ici. Et puis, j'ai dit, attends, il y a des gens dans les commentaires qui demandent si, est-ce que les cours de piano avaient continué? Oh non, vous savez, au bout d'un moment, j'ai commencé à réaliser que c'était un prétexte. C'était une astuce pour se rapprocher du pianiste. Une fois qu'on a eu le pianiste, le piano même, elle a oublié le piano. Donc voilà, on ne faisait plus les cours de piano, mais on était tout le temps ensemble quasiment. Donc là, elle arrive, et franchement, quand elle arrive ce jour-là, c'était incroyable. Elle était trop belle, elle était bien mise, tout ça. Donc je me suis dit, ah, c'est super, on va passer une belle soirée. Et en fait, de là... Moi, mes sentiments, je commençais à ressentir des choses, mais je ne voulais pas me positionner. Mais quand tu as dit, vous allez avoir une belle soirée, mais est-ce que tu as mis l'alarme dans ton téléphone pour que au moins ça sonne à 10h30? Au moins à 10h30, pour que ça sonne. Non, on n'est pas resté trop tard. On est resté peut-être... Elle est rentrée tôt chez elle, mais elle est venue. Ah, okay. J'avais la voiture. Elle avait la voiture, donc elle venait et partait. Donc, elle est venue quand même tôt, elle est repartie, il était même peut-être même pas parce minuit, que le pas heures. Forcément là. Non, le pas forcément, on ne pouvait pas refaire ça deux fois, c'est pas possible. Ça décrit dans les commentaires là. Pas forcément. Exactement. Ça. Est-ce que tu as mis l'alarme? Pas forcément. Sorry. Donc là, en fait, elle vient à la maison et on discute de tout et de rien. Et on fait un petit... Parce que notre relation, elle est allée vite. Et ce soir-là, moi, je l'appelle pour qu'on fasse aussi comme un petit bilan de notre relation amicale. Ça faisait à peine un peu plus d'un an, mais il y avait tellement de choses qui s'étaient passées. Puis bon, on n'épargne pas certains détails. Hein. Des gens ont dit ça à gauche, telle personne a dit ça à droite. Il y a eu plein de trucs. Et même avec les parents, c'était un peu bizarre. Donc, c'était un peu un bilan. Donc, par rapport aux parents, pour quand même respecter un peu ce qu'ils ont dit, voilà ce qu'on doit faire, évitons certaines choses. Tout ça. Donc, on remettait un peu le cadre, dans notre relation. Yes. Elle était d'accord avec ça. Moi, j'étais d'accord avec ça. Donc, en fait, tout était bien. Donc, c'était juste un kiff. Mais sauf que, moi, quelques temps après, la prière que j'avais fait monter au Père. La prière qui était montée, ça veut dire que je la connais depuis là, pratiquement peut-être un peu plus d'une année. On se voit quasiment tout le temps. Donc, moi, je la vois comme une histoire de l'Église. Mais j'ai expérimenté, quand la Bible dit que Adam était endormi, et une fois qu'il a vu Ève, il a dit cette fois-ci, voici cette fois-ci la chair de ma chair, l'os de mes os. C'est ça, hein? Hein? C'est comme si j'étais aveuglé pendant un moment. Wow. Ou peut-être que le Seigneur avait mis un voile volontairement, peut-être faire un travail au travers de moi pour me façonner, etc. Wow. Mais la personne que je voyais tout le temps, c'est comme si je voyais une autre personne. C'est impressionnant. Je ne peux pas le décrire, je ne peux pas l'expliquer. Wow. Et cette personne que je voyais, j'avais pas un autre choix que de faire d'elle ma femme. J'en avais pas. Wow. C'est comme si je voyais en fait en elle tout ce dont j'avais besoin. Et ce que j'attendais même depuis longtemps. Pourtant, ça faisait longtemps que je la voyais. Ça faisait quasiment un an qu'on était ensemble tous les jours. Mais il y a comme quelque chose qui s'est passé dans mon esprit
et je la voyais différemment. Donc moi, j'ai commencé à prier pour ça parce que je ne voulais pas activer quelque chose qui n'était pas… Donc je suis reparti dans la présence. Vous savez, quand le Seigneur te montre quelque chose et puis tu as envie d'être sûr, Seigneur, confirme, confirme, etc. Et donc, au fur et à mesure, moi, je prie par rapport à ça. Et à un moment donné, je lui dis, il faut qu'on se voit. Mais là, ce n'est pas chez moi. Je t'ai envie dans un coin, on est parti dans un… C'était quoi? Dans un lounge un peu, hein? Un truc comme ça, un beau coin chic. Par contre, quand je lui demande de venir, là, elle commence à sentir que là, il y a un truc. Parce que là, là on est en mode date. Tu vois, là, on est plus en mode, oui. Parce qu'elle m'a vu dans toutes les formes. Hein. Je quittais du foot, j'étais crade. Des fois, elle venait à mes matchs. Elle a tout vu. Tu vois. Mais là, en fait, à part le premier où j'étais quand même bien, mais là, en fait, on sentait qu'il y avait quelque chose. Donc, face à face. Et puis, je commence à lui dire, mais en fait, bon… Je ne vais pas donner les docs ici. Ceux qui veulent les docs, ah, mais on est privé. On est là pour toi. On a les Instagram ouverts, les oreilles. Non, si vraiment tu veux qu'ils disent les choses sérieuses, mets encore les drapeaux de la Côte d'Ivoire. Mettez les drapeaux de la Côte d'Ivoire, sinon je me tais. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est bon. Et non, this is good. Double date, season 3, episode 4. Les Kumpesa, les Degbo, this is amazing. Wow. Et donc, c'est ça, les yeux dans les yeux. Et je lui dis comme ça, je lui dis, ça fait longtemps qu'on est ensemble, ça fait longtemps qu'on se côtoie. J'ai appris à connaître la personne que tu es, j'ai commencé à apprécier la personne que tu es. Mais il faut que je te dise très clairement, je ne te vois plus comme je te voyais avant. Wow. Je ne suis pas allé très vite. Je lui ai dit, je te vois différemment. Et quand je lui dis ça, ça sent dans son regard que… vous avez vu le regard, hein? Non. Ça sent dans ce regard que tu sens qu'elle commence à comprendre quelque chose. Mais moi, je ne mets pas déjà les mots dessus. Je lui dis comme ça que sache que je ne te vois plus juste comme une simple soeur. Attends, mais déjà, hein, ça sent dans son regard, mais toi, tu étais beaucoup plus timide que d'habitude. Ouais, c'est vrai. Donc en fait, déjà, même moi, là, je sentais qu'elle allait se passer un truc parce que déjà, son attitude, son langage corporel n'était pas habituel. Il est avenant, nanani. Et là, genre, on est en face à face, mais comme s'il y a une gêne. Et du coup, comme je sens sa gêne, je suis mal à l'aise. Et c'est pour ça que quand il me dit ça, oui, mon regard était, mais c'est à cause de ton attitude. Non, mais elle attendait que ça. Et du coup, ce qui se passe, ça… Donc moi, je lui dis ça. Et je pense qu'elle comprend ce que je veux lui dire. Mais je lui dis en gros, tu sais quelle est ma position maintenant. Prie par rapport à ça. Parce que moi c'est comme si j'ai reçu la conviction de la part du Seigneur. Donc. Mais quand je lui dis ça, c'est un peu pour qu'on mette ça tous les deux dans la prière. Mais très rapidement, moi, c'était dans ma tête, c'était déjà calé. Je reviens, un détail, je reviens au premier jour où elle m'a rajouté sur Facebook. Quand elle m'a rajouté sur Facebook, quand j'ai vu sa photo de profil, j'étais avec mon frère jumeau. J'ai dit comme ça, cette phrase est sortie de ma bouche, sans savoir, sans penser à tout ce qui allait se passer par la suite. Quand j'ai vu sa photo de profil, j'ai dit à mon frère, tu vois cette fille, c'est sûr et certain, je l'épouse. Mais moi, quand je lui dis ça, je lui dis comme une parole en l'air. Mais je n'étais pas conscient que cette parole, sans le savoir, venait même de Dieu. Donc, j'ai dit quelque chose, mais je ne savais pas que c'était comme une déclaration que Dieu avait attestée. Et après, on a vécu tout ce qu'on a vécu. Donc, moi, quand les sentiments commencent à changer, jusque-là, je ne me rappelle même pas de cette phrase. Et c'est, j'accélère, mais c'est le jour de mon mariage que mon frère me rappelle ça. Il me dit, tu te souviens ce que je m'avais dit. Et là, en fait, je me suis rendu compte que tout le chemin par lequel on est passé était orchestré par Dieu. Et par la suite, donc moi, quand je vois comment ça évolue, etc., on prie par rapport à ça, Yuna. Attends un petit peu. Je prie par rapport à ça. J'ai pas mis 3 mois ou 4 mois. Honnêtement, quand j'ai eu la conviction de mon cœur, je me suis dit, il faut qu'on fasse ces choses bien. J'ai appelé, parce que moi aussi, un détail que je n'ai pas donné. Si, ça a mis un peu de temps quand même. Enfin, du temps. Ça n'a pas mis beaucoup de temps. Pas beaucoup, mais tu as mis quand même au moins… Avant d'appeler les parents? Oui. Ok, genre quoi? 4 mois? 5 mois. Ok, donc 5 mois. Bon, c'est elle à compter. Ça va, il n'y a pas de problème. Comme elle attendait ça.
Donc, et après ça, j'ai la conviction que j'ai trouvé la personne qui me correspond. En fait, Dieu avait déjà planifié ça déjà. On est passé par toutes ces choses. Et le Seigneur m'a permis de, moi, en tant qu'homme, d'avoir les yeux ouverts. Mmh. Et quand c'est la première fois que je prends mon téléphone pour appeler mes parents, de moi-même, pour leur dire que j'ai rencontré quelqu'un et je veux faire d'elle ma femme. Quand moi, je les appelle, ils sont surpris parce que je ne l'ai jamais fait. Ils connaissaient Daisy de loin parce qu'ils la voyaient des fois. Ma mère, elle venait de temps en temps et elle ne la connaissait pas vraiment. Mmh. Mais quand moi, je l'appelle, c'est quand je suis en train de parler à mes parents, c'est comme si je suis en train de prêcher. Une conviction incroyable. Et moi, j'ai toujours su que je n'allais pas me marier vite parce que c'est comme si c'est avant le temps. Mais j'allais peut-être me marier. Je suis le dernier, mais je savais que j'allais me marier un peu plus tôt que les autres. Parce qu'il fallait que j'aie ma moitié pour me construire. Bien que j'avais déjà commencé à construire certaines choses. Mais c'est comme si je n'étais pas complet. Il y avait des choses, donc j'avançais, je tournais en rond, les choses étaient un peu bizarres. Malgré tout ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Mais je savais qu'il fallait que je puisse avoir mon aide pour aller plus loin. Et à ce moment-là, on avait quoi, peut-être 22 ans? Non, attends. On avait quel âge? On est en 23 ans. 2018, ouais, 23. 23 ans à peu près. Et donc, j'appelle mes parents. Ah non, 22, ouais. 22 ans. Donc, j'appelle mes parents. Tac, 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 tac. Je leur dis. Et eux aussi, ce sont des pasteurs. Donc, priez par rapport à ça. Maintenant, moi, de mon côté, il n'y a aucun problème. Mais il faut que la jeune demoiselle retourne vers ses parents pour leur dire que le jeune qui avait dit pas forcément Aïe, veut m'épouser. C'est ça. Man. Ah ouais. Je te laisse continuer. Oui. Déjà, vraiment, c'était bizarre. C'était bizarre. Donc, on discute avec les parents et tout. Et franchement, bizarrement, j'avais peur un peu de leur dire. Je sais pas pourquoi. Bon, ça avait tellement été chelou que j'avais un peu peur. Mais moi, je leur ai dit, hein, comme il m'a dit, voilà. Bon. Vous savez qu'on est très proche avec lui, tatatitatata, et ben voilà, là, il m'a dit qu'il m'aimait et tout, et c'est sérieux et tout. Mais ma mère, tu sais, elle n'a pas vraiment de réaction, elle. Franchement. Elle t'a parlé après? Elle t'a parlé? Elle m'a pas... Non, c'est pas parlé. C'est le jour qu'on est venu à la maison. C'est le jour des fiançailles, peut-être, où elle était... Qu'elle me l'a redit. Ouais, qu'elle a été beaucoup plus expressive, où elle s'est vraiment libérée, où elle a dit « Ah oui !» Elle a un peu affiché, hein. Pas forcément... Mais nanani nanana. Mais sinon, à moi, en vrai, elle m'a pas trop parlé, en vrai. Hein. Elle m'a... Je sais pas. Parce qu'en fait, elle était juste soulagée que qu'il soit pas tombé dans quelque chose qui allait me broyer. Parce que, mine de rien, c'est pour ça, en fait, que la Bible dit de pas réveiller l'amour avant qu'elle le veuille. Parce que ça te brise, ça te casse quelque chose au fond de toi. Casser une relation... C'est pas sans mal. Et puis, tu as pu le dire aussi, que la brève partie de ton témoignage, ça laisse des gens brisés. Et ouais. Après, derrière, il faut se reconstruire. Et voilà, c'est pas anodin, en fait, de casser les relations. Donc, en gros, moi, si je peux conseiller aussi les personnes qui nous regardent, ne vous précipitez pas à vous mettre en couple et tout, c'est à cause de cette pression de la société, quoi. Nous, honnêtement, on n'a pas eu en couple. On ne s'est pas mis en couple, genre, pour dire, on se fréquente, on s'observe. La seule chose qu'on s'est dit à un moment donné où lui m'a avoué qu'il me voyait différemment, c'est « bon, on s'aime, voyons, pour le moment, ça reste caché parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, mais on s'aime, on se respecte. Donc, ça veut dire que s'il y a des choses qui, moi, me gênent, on arrête. Si de mon côté, pareil, en fait, vice-versa. Mais en dehors de ça, je n'ai pas dit « ouais, c'est mon mec » ou « voilà, enfin… » Non, genre, j'avais pas ce cadre-là. Et vraiment, moi, je pense que le seul problème que ma mère avait, c'était de me protéger. Et, c'est ça. Donc, ce qui est normal. Ce qui est normal. Donc, si lui, même maintenant, elle a dit, OK, genre, cool, tant mieux. Elle a gagné. Mais bon, elle aime beaucoup. Elle a toujours aimé. Ouais. Elle aime beaucoup. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Et voilà, c'est bon. Et après, si en fait, pourquoi même les fiançailles ont mis pourquoi on a mis 5 mois avant de se fiancer, c'est le détail. Parce que moi, mes parents, ils étaient en Côte d'Ivoire. Donc, fallait qu'ils viennent, fallait qu'ils s'organisent, tout ça, fallait qu'on organise tout ça. Et par la grâce de Dieu, les fiançailles se sont bien passées. Non, je pense que je peux la sortir. Donc, les fiançailles se sont bien passées par la grâce de Dieu. Mais on est rentré dans cette période de fiançailles-là avec.
avec une certaine discipline. On voulait faire les choses bien. On voulait faire les choses selon la parole de Dieu. Et moi, je me souviens, même mon épouse en parle souvent, dans cette période de fiançailles, dans les débuts, du moins, il n'y a pas un jour qui passait sans que je demande ce qu'elle avait médité, sans qu'on partage la parole. On avait des temps de prière par rapport à notre mariage. C'était même pendant l'amitié aussi. On priait par rapport à notre mariage. On évitait de se voir tard. On faisait les choses, on essayait du moins de faire les choses correctement. Mais il y a un détail, qui peut-être pas un détail. On n'a pas maintenu le cap. On n'a pas. Je me souviens que quand j'ai annoncé à mon père, à mon pasteur, à mon père spirituel, yes, que j'allais me fiancer avec Daisy, que je voulais l'épouser, il nous écoutait. La première question qu'il m'a posée, il m'a dit: est-ce que vous avez déjà couché ensemble? Ça m'a choqué. Pourquoi ça m'a choqué? Parce que j'étais loin d'imaginer ça. Dans ma tête, j'étais trop le serviteur, trop sérieux. Le serviteur sanctification. Parce qu'entre-temps, même au sein de l'église, j'ai commencé à gravir des échelons, je commençais à prêcher, je commençais à prendre le goût même le goût du service, de la parole de Dieu. Je commençais à voir des dons spirituels se manifester. L'onction était là. Donc, il y avait comme une petite réputation. Et moi, j'étais un peu fier de ça. Donc, quand mon pasteur me demande: mais est-ce que vous avez déjà couché ensemble? Je me dis: mais pasteur, si tu connais bien ton fils, dans mon esprit, hein, dans mon cœur, je dis, si tu connais bien ton fils, cette question, tu ne me la poseras pas. Parce que tu devrais savoir que je suis... Tu peux me reprocher beaucoup de choses, mais pas ça. Parce que je pensais que ça pouvait arriver aux autres et jamais à moi. Parce que je comptais sur ma sanctification, je comptais sur la connaissance de la parole, je comptais sur le moi. Et donc, moi, je disais à mon... En fait, dans ma tête, je me disais: mais comment même Daisy va passer devant la porte de ma chambre pour dire qu'elle va rentrer dans ma chambre et puis pour dire qu'on va se toucher? Parce que jusque-là, on se faisait peut-être des bisous comme ça. Mais on était, en fait, c'était vraiment quelque chose de très pieux, très correct. Yeah. Donc là, on passe quelques mois. Nos fiançailles ont duré un an. Donc, je ne sais pas combien de mois au début. Comment c'est, jusqu'à quelle période c'était clean? Je ne sais plus. Hein. En tout cas, les premiers mois, c'était clean. C'était bien. On était... À un moment donné, on a commencé à se relâcher. Wow. Quand tu es très proche et que tu commences à... Parce que là, on sait, tous les deux, on se regarde dans les yeux, on sait qu'on s'aime. C'est pas, il y a une personne qui doute, l'autre est... Non, tous les deux, on sait qu'on s'aime. Donc, quand tu es une personne, vous aimez, vous savez que vous aimez, si vous ne mettez pas de barrière, malgré votre statut d'archibishop, malgré votre connaissance de la parole, malgré votre prudence, votre sanctification, si vous ne faites pas attention, vous allez faire ce que vous ne voulez pas faire. Et nous, c'est ce qui s'est passé. On commençait à s'autoriser à rester un peu plus tard le soir. On commençait à avoir certaines discussions qui n'étaient pas, on va dire, peut-être pas très catholiques. On commençait à chercher un petit peu. Et un jour, comme ça, je me souviens, je ne sais pas si c'est moi qui t'invite, je pense, on va au cinéma. Donc, on va au cinéma, tout ça, chic, hein. Et cette journée-là, même thème, on était content d'être ensemble. On a passé toute la journée au cinéma. On a regardé tout. En fait, en vrai, on n'a même pas regardé. On a regardé le premier film, mais moi, je voulais juste sa présence, tu vois. Je voulais juste qu'elle soit à côté de moi, qu'on passe un bon moment. Regarder le premier film, etc. Et tu connais, pendant le film, ça commence parce que tu sais que c'est ta femme, tu vois. Enfin, tu sais que c'est ta femme. Si, si. Vous vous aimez bien, donc. Donc, tu connais, tu la prends dans les bras. Tu lui dis: bon, ça va. Et pendant le film, tout ça, on parle, donc on tue les petits jeux de regard, etc. Et là, en fait, qu'est-ce qu'il y a? Pardon, ça me fait penser à une vidéo. Ah. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on commence à s'autoriser les petits bisous, mais sur la joue, tu vois. Donc, un petit bisou sur la joue. Et puis, bon, on est content parce que moi, j'avais... Bon, on va parler français. C'est une belle femme. Donc, j'avais jamais senti, tu sais, ses lèvres, tu vois, sur ma joue. Donc, la première sensation... Donc j'ai dit, donc j'étais content. Donc, et c'est comme ça, en fait, au fur et à mesure qu'on commence à, au cinéma, hein, on commence à se faire des bisous. Et puis bon, les bisous commencent à se rapprocher un petit peu. Donc là, on sent qu'il faut commencer à faire attention.
Et le film s'arrête. Je dis non, je paye. On regarde un autre film. Je suis prêt à payer. Je mise de mon argent et de mon temps. Donc, mais en fait, on a regardé, je ne sais pas combien de films, mais je n'ai aucun souvenir des films qu'on a vus. Bon, moi, je m'en souviens. Mais moi, je ne peux pas vous dire ce que j'ai regardé, c'est impossible. Le deuxième, c'était une comédie musicale. D'ailleurs, on a beaucoup rigolé. Gloire au Seigneur. Mais je n'ai plus de. Je ne sais plus. Parce que ma tête était ailleurs. Donc, au fur et à mesure, on commence à se faire des petits bisous. Et là, donc, tu connais, on commence à faire des petits bisous dans le coin. Et en fait, tu commences à sentir qu'il n'y a plus de. Et au cinéma ce jour-là, il n'y a plus de frein. Au cinéma ce jour-là, on va se faire un smack, juste un smack, un pointu. Mais je vous assure que quand on est reparti à la maison, on était mal. Je m'en souviens même quand elle est rentrée à la maison, on se parlait, on s'est dit, on a l'impression d'avoir franchi une ligne. Pourquoi? Parce que au préalable, on s'était dit mutuellement, la première fois qu'on va s'embrasser, c'est devant le maire, devant le pasteur à l'église. Wow. Et on s'était promis ça, parce que moi, je la respectais énormément. Je me disais, non, je ne veux, veux pas la toucher. Non, je suis patient. J'ai trop fait dans le monde. J'ai fait des bêtises. Donc là, en fait, je veux savoir honorer cette femme-là. Mais parce que je n'ai pas su mettre les barrières. Quand je suis rentré à cause du pointu, j'étais mal. Il ne faut pas me voir. Parce qu'à ce moment-là, c'était le serviteur de Dieu. Donc, je suis rentré en prière. Je dis, Seigneur, je demande pardon, etc. Et elle aussi. Donc, on a prié par rapport à ça. La prière, c'est bien. Je veux que quelqu'un retienne ça. Comment? La prière, c'est bien. Le jeûne, c'est bien. Mais la discipline, va vous permettre de pouvoir franchir un cap ou de pouvoir retourner en arrière. On avait vu notre combat. On avait commencé à le mener. Mais physiquement et plus dans la discipline chic pointue. Monsieur Debo, tu restes concentré. Tu connais les pointus de ça. Et donc, on n'avait pas mis ces barrières. Donc, on continuait à se voir tard le soir. On continuait, etc., etc. C'est ça le point. Donc, ce qui se passe, c'est que même notre zèle... Si tu ne mets pas de barrières claires, en fait, ta prière, là, elle est vaine parce qu'il y a ce genre de péché que tu ne le combats pas. On dit fuyez. Tu fuis. Fuir. C'est pas un péché. Tu vas pas au frontal avec ce péché-là. En fait. Parce que on a Jésus. On a le nom qui est plus fort. On a l'Esprit de Dieu. Mais pourquoi devant ce type de, on va dire, d'esprit, on ne nous demande pas de combattre? Parce que peu importe ton statut, il y a des moments où la meilleure façon de combattre, c'est de fuir. Et ça, on l'avait pas compris. On s'est dit, non, je peux gérer, non, c'est le moi, etc. C'est l'orgueil. Honnêtement, c'est l'orgueil. C'était un orgueil déguisé, mais c'était de l'orgueil. Et donc, par la suite, on avance dans ça, mais ça va, au fur et à mesure, ça s'empire. Et on se détache un peu, on n'a plus le temps de prière. On n'a plus le temps de prière. En fait, on est tellement dans la louvance. En fait, donc ça veut dire que le Seigneur et tout, c'est bon, on sait qu'on aime Dieu. Donc du coup, en fait, on passe notre temps à se raconter des belles histoires et tout. On passe du temps, on va au resto, on va au ciné. On alimente la chair, on alimente exactement. Les émotions. Exactement, et on nourrit pas l'esprit. Et on nourrissait à on nourrit plus l'esprit. En fait. Donc au fur et à mesure, en fait, il perd de sa force. Mais celui que tu nourris le plus, c'est celui qui te domine. Voilà. Si tu nourris le plus ta chair te dominera, quoi qu'il arrive. Et en fait, on commençait à moins prier, etc. Donc, au fur et à mesure, c'est plus juste des pointus. On va s'embrasser comme des personnes s'embrassent. Et on va commencer à se toucher, on va commencer à se faire des trucs qui sont assez bizarres. Mais jusque-là, on se dit, oh, on est, en fait, c'est comme si on est rentré dans quelque chose, on n'arrive plus à s'arrêter. C'est ça. Ah, c'est ça le point. On n'arrive plus à se contrôler. La chair, elle se comporte vraiment comme, excusez-moi, je vais dire quelque chose de fort, mais comme les toxicos. Ça veut dire que dès que ça commence, il commence à avoir une espèce de dépendance. Elle a une aptitude, voilà. Elle va toujours réclamer, en fait. La chair, elle ne connaît pas l'affaire de Jésus, tout ça, là, ça ne lui dit rien du tout. Elle sait juste que, quand il me caresse ici, quand il me touche là, ça me fait plaisir. Donc, je veux que ça recommence, en fait. Yeah. C'est dans ça que... que là, on a laissé en fait la chair vraiment prendre le pas. Et notre relation va devenir, c'est triste à dire, mais notre relation va un peu devenir toxique, même pour nous-mêmes. Voilà. Une relation préalable. C'est fort. C'était le choix de Dieu.
Amen. Parce qu'on n'a pas su mettre les barrières qu'il fallait. On a commencé à se détruire mutuellement. Preach. Mutuellement. Daisy, avant, dans le monde, elle avait beaucoup de problèmes avec la drogue. L'alcool. Mmh. Bon, je ne parle même pas d'impudicité, de fornication. Mais quand on se racontait nos témoignages, moi aussi, j'avais le même problème. Et donc, en plus on avance, plus c'est comme si l'ancien côté de Daisy d'avant commençait à se réveiller, et le mien aussi. C'est ça. Donc, on commençait à s'autoriser à boire. On va prendre une bouteille pour mieux lever. On va prendre deux bouteilles. Pour vous dire, on avait même honte. À côté de chez moi, il y avait un carrefour. On avait même honte à un moment donné d'aller au carrefour. Parce qu'à chaque fois qu'on rentrait, on prenait 5-6 bouteilles. On était deux. Wow. Fort, et ça. Parfois, jusqu'à ce que la journée finisse, les bouteilles sont finies, on revient encore. Wow. En fait, l'alcool avait repris. Pourtant, moi, je ne buvais plus. Elle aussi. Mais à cause de ce qu'on a commencé à se créer une sorte de relation assez, assez bizarre, les vieux démons ont commencé à revenir. Et cette My fois God plus, cette fois plus. Et donc, ce qui fait sept que... Sept fois plus, c'est ça. Un soir, je me souviens qu'on était tellement alcoolisés que j'ai eu envie de fumer. Je vais le dire parce que je sais qu'il y a des jeunes qui sont là, qui vivent la même chose. Oui, oui, come on. Alors, j'ai eu envie de fumer. Et moi, je dis à ma femme, à ma fiancée à cette époque, j'ai envie de fumer. Mais elle n'a plus la force nécessaire pour me dire non. Wow. Elle a plus. Attends. Oh my God. Hey, les amis, le live vient de shifter là. Là, on va dans des choses que, ou bien ça te détruit, ou bien, je ne sais plus. Tu viens de dire, elle n'a plus la force. Tellement, vous étiez dans une atmosphère, tellement vous étiez dans un bain. Exactement. Oh! C'est-à-dire, elle sait que ce n'est pas bien. Oh, j'aime ça. Déjà, on a franchi une ligne déjà. C'est déjà très dangereux pour nous. Et tout ce qu'on est en train de vivre, personne ne sait qu'on vit ça. On est deux à savoir ce qu'on vit. Parce qu'on n'en parle à personne. Et jusque-là, on n'a pas... Et je pense que c'était une erreur. On aurait dû l'avouer pour qu'on puisse nous aider même dans la prière. On est resté dans notre bulle et on voulait sortir de là nous-mêmes. Oh my God. Et donc, elle n'a plus la force de me dire non, il ne faut pas qu'on y aille. Elle me dit ok. Parce qu'elle aussi, l'alcool, plein de choses, elle aussi, elle a envie de fumer. Donc, quand je parle de fumer, je parle de drogue. Donc, on va ensemble. Moi, je me retrouve avec la chantre de l'église. Et quand je suis en train de dire ça, je ne suis pas sorti de l'église. J'étais à l'église. Je continuais à jouer au piano à l'église. J'avais déjà commencé à prêcher. Je m'occupais de la jeunesse. Et je me retrouve avec un membre de l'église en train d'aller toper chez des dealers. Je ne sais pas, peut-être 3 ou 4 heures. En fait, ce que je veux dire là, c'est quoi? C'est pas parce qu'on est à l'église que le serpent n'est pas là. Dis-le bien. Que le lion n'est pas là en train de rôder et de chercher qui il va dévorer. Il faut rappeler que le péché originel, il s'est passé dans un couple. Le péché originel, il se passe en fait dans une relation de confiance entre un homme et sa femme. Donc, ça veut dire qu'en fait, si Dieu n'est plus à sa place et que toi, c'est ce que ta femme, et d'ailleurs, c'est même pas, t'es même pas marié, donc c'est pas le vrai problème. C'est ce que ta fiancée te dit qui résonne plus dans tes oreilles que ce que Dieu dit. Et c'est pour ça, moi, je veux parler à des jeunes filles. Des fois, l'amour et tout, et tu te dis, mais je dois aller avec cet homme parce que sinon, il ne va pas m'aimer. Je dois faire ça. Mais ça veut dire que sa voix, la voix de l'homme-là, résonne plus fort que la voix de l'esprit. Yeah. On sait qu'à un moment donné, l'esprit n'est plus à sa place, l'esprit n'est plus nourri. Et il faut le dire, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mm-mm. Ça s'est fait progressivement. Et la Bible, elle est très claire. Que celui qui se croit debout ne prenne garde de tomber. On ne l'a pas vu venir. On a cru qu'on était arrivé. Oui, on prie, on a une vie de sanctification. Non. Quand tu es... Moi, je dis, encore, l'amitié, c'est encore plus simple. Ouais. Parce qu'au moins, je sais qu'on ne va pas se toucher ou quoi que ce soit. Mais dès lors que tu es dans les sentiments sont engagés. Voilà, de fiançailles là, en l'occurrence, ou bien que tu es en train de cheminer ou quoi que ce soit, et que tes sentiments sont déjà là, que l'attirance est là, tu dois faire encore plus attention. Tu dois être encore plus rigide, en fait. Redoubler d'efforts. Que tu le veuilles ou non, à un moment donné, hein, tu vas trébucher. Oh, ça, je ne le fais pas. Et oh, la main a glissé. Oh, et puis tu continues et tu te retrouves, en fait, dans ce que nous, peut-être pas autant,
parce que nous, on avait aussi des antécédents, et ça, tu l'as bien dit dans ton témoignage, Princesse Nipa, en fait, selon ce que toi, tu as vécu, aussi, c'est là que le diable t'attend. Ah, voilà. Un ancien impudique, très facilement, il va retourner, le diable va le réclamer dans l'impudicité. C'est voilà. Ça. Un ancien menteur, le diable va lui dire, non, ça, c'est bon, tu ne le dis pas. Ouais. Oh, ça, voilà. Et il va retomber dans le mensonge. Ça vient comme ça, crescendo. Donc, il ne faut pas croire qu'on est trop simple. Moi, je peux le toucher, je peux faire ça et tout. Non, non, non. Il vaut mieux garder ça en mode, ah, c'est le temple du Seigneur. Pour le moment, ça ne m'appartient pas. Je n'ai pas le droit. Mais nous, on n'était plus là. On était parti, en fait. À tel point que, vous, bon, pour ceux qui l'ont vécu, pour ceux... Quand tu commences à faire rentrer la drogue, tu commences à faire rentrer l'alcool, tu commences à faire rentrer... Ben là, je ne parle même pas d'impudicité. Et là, on va commencer à forniquer. Oui. Limite, on se permettait même d'aller... Je le dis parce qu'il faut que quelqu'un l'entende. Oui, d'aller à l'hôtel la nuit. Personne ne sait. Parce que moi, j'habitais chez moi. Et des fois, elle avait sa voiture. Donc, moi, on faisait des coups foireux. Elle sort de chez elle. Moi, je la récupère la nuit. Ses parents pensent qu'elle est à la maison. Elle n'est pas à la maison. Ah, on allait à l'hôtel... 23 ans, en train de faire le mur, comme une petite adolescente de 16 ans. C'est pour vous dire à quel point en fait, le diable m'a rattrapé dans les vieilles choses. Dans les vieilles choses. Ouh. Et le Seigneur le diable t'a rattrapé dans la chose qui est censée être la voie de ta bénédiction. C'est incroyable. Parce qu'on parle du mari. Oh, come on, je sens que les choses vont éclater ici. J'arrive un peu à me contenir. Donc, tu sais que tu dois épouser cet homme. Les parents ont déjà accepté. Vraiment. Mais quand même dans ce chemin qui doit amener vers une bénédiction, juste à temps que la mort vous sépare, quand même dans ce chemin, le lion, le diable veut venir souiller. Ça veut dire que ne soyez pas trop, ah non, mais ça, moi j'ai le plus beau mec de la ville. Oh, moi j'ai la plus belle femme de notre ville. Là où tu es, le diable veut quand même injecter son venin. Oh my God. Exactement. Il ne faut pas être trop fier, trop... c'est notre témoignage aussi. On en parle en long et en large dans le livre. Yeah. Correctement, parce que... C'est vraiment notre histoire. C'est pour ça que j'apprécie le fait que vous soyez capable d'en parler également, parce que je pense qu'il y a énormément de personnes... qui vont aussi être interpellés par la façon dont ça s'est passé avec vous. Et les amis, comprenez que si nous, on a pu s'exposer comme ça au travers de notre livre, si le couple d'Egbo s'expose comme ils le font là au travers du Double Date, c'est pas parce qu'on est fiers de ce qui s'est passé et c'est pas parce qu'on n'aurait pas voulu le cacher. Non, à quelque part, il faut qu'on amène ça à la lumière pour aider, mais aussi pour faire honte au diable. C'est ça. Le diable est humilié à la minute là à laquelle vous écoutez ce live. Il y a 1050 personnes qui sont en train d'écouter ce live et qui sont bénies réellement par ce témoignage. Donc là où le diable, il regrette même ses bouteilles d'alcool. Il regrette tout ce qui a pu se passer pour que ce couple là soit détruit. Oh mon Dieu. C'est grave. Non. Même là, présentement, hein, il y a des gens, hein, vous êtes, je le vois même en esprit, il y a des gens là, vous savez même plus comment vous tenir, tellement que vous dites, mais c'est mon histoire, parce que je l'entends dans mon esprit, c'est mon histoire, oh mon Dieu, c'est mon histoire, mais oui, aujourd'hui, en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se briser, là, on est en train de continuer. Et je vois certains d'entre vous, vous êtes dans des relations, vous vous apprêtiez à franchir cette ligne. Et ce témoignage est en fait un avertissement de la part du Seigneur. Comme quoi, faites attention. Le verset qui a été cité vous concerne. Si vous vous croyez fort, prenez garde. Ce témoignage-là qu'on raconte, je vous ai dit, nous étions nous aussi les deux pieds dans l'église. Les deux pieds en train de servir. Mais le diable ne nous a pas loupé. Dieu, gloire à Dieu pour l'histoire du couple d'Egbo qui, par la grâce de Dieu, finit bien parce qu'ils sont là. Gloire à Dieu pour le scandale qui a fini en miracle. Mais ce n'est pas tous les scandales qui finissent en miracle. Ça ne finit pas comme ça pour tout le monde. C'est ça. Là, on vous donne des témoignages aussi pour vous avertir. Donc, ne vous dites pas que, ah, mais de toute manière, regarde, ils sont mariés, ils sont bien heureux, ils ont même fait des chansons ensemble. Ce n'est pas comme ça pour tout le monde. Non.
Non. C'est pas la même chose pour tout le monde. Le Seigneur avertit une personne. Oh mon Dieu. Donc, ils sont complètement détruits après ce genre de situation. Wow. Non, quelqu'un qui a dit je faisais mes bêtises en écoutant même des chants chrétiens. Ah. Ah ouais. Quand on dit mais même nous. Je vais mettre la louange, ça va nous aider. Tu fais ce genre d'environnement. Mettre la louange, moi-même, j'ai fait 18 ans dans l'équipe de louange. Wow. Mais à l'époque, quand on était dans nos choses, donc j'ai donné ma vie au Seigneur en 2003. 2003, j'ai intégré le groupe de louange. 10 ans plus tard, 2011, 2012, on était dans nos histoires. Donc, 8 ans, 9 ans, presque 10 ans déjà de ministère. Aujourd'hui, c'est en France. Mais on était dedans. Tu chantes là le dimanche. La veille, tu sais ce que tu as fait. Mais le samedi soir, là où tu es censé être vraiment en pleine consécration parce que tu sais ce que tu dois livrer pour le peuple de Dieu le dimanche, le samedi soir. Ah, même. Seigneur Jésus. Ah, et ça, c'est des choses que des fois, les gens ne vont pas vous le dire. Des fois, on est là, on admire des gens. Mais des fois, seulement si tu pouvais savoir l'histoire de... Allez-y, couple de comptes. On était livrés à nous-mêmes. Voilà. Comme je disais, on n'arrivait plus à... Et le Seigneur nous a préservés parce que même pendant qu'on était alcoolisés quasiment tous les soirs, et on était tout le temps dans la voiture parce qu'on ne pouvait pas rester chez moi. Ah oui. Je me souviens qu'on a même fait un accident de voiture. En fait, si on est là, c'est vraiment parce que le Seigneur avait sa main sur nous. Sinon, on ne serait plus là. Le Seigneur nous a évité énormément de choses. Et je me souviens un soir, ça va être drôle, mais c'est même quand même triste. Je me souviens un soir qu'on voulait aller à l'hôtel. Et ne vous amusez pas, Dieu est très fort. On voulait aller à l'hôtel et moi je descends, c'est elle qui conduisait, je descends de la voiture. Mais c'est la récréation. Ouais, là, c'est la dernière. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je descends de la voiture et je suis, bon, je suis pas très net, je vois pas très bien. Mais quand j'arrive au comptoir de l'hôtel, Non, parce que j'avais trop bu et puis j'avais fumé, donc j'étais dans... Enfin, j'étais pas très lucide. Ouais. Mais quand j'arrive au comptoir de l'hôtel, la dame que je vois, vous savez c'est qui? Fini. Une dame de mon église. Hey! Jusque-là, peut-être qu'il y a mon frère jumeau, peut-être qu'il sait même pas. Ah ouais. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont là qui savent pas. Une femme de mon église, peut-être je la vois, je sors. Parce que Dieu, on peut tout faire, mais Dieu voit tout. Et Dieu fera en sorte que ce qu'on fait en cachette soit exposé tôt ou tard. Mais si le Seigneur, à un moment donné, n'expose pas, mais tu sais qu'on va continuer? C'est clair. Mais on va mourir? C'est clair. Oh. Mm-hmm. Et c'est ça. Moi, quand je sors de là, je parce que je la vois. Notre Seigneur, il expose encore. Il expose encore. Ça va te faire du bien de l'écrire. Il expose encore. Hein, et après, non, vraiment, je suis conscient que Dieu il expose. Pas. Non. Il y a un passage, homme de Dieu, aussi par rapport à ça que moi j'aimerais partager avec chacun d'entre nous. Oui. Se trouve dans Luc 12, à partir du verset 2, qui nous dit il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Qui ne doivent être connus. C'est pourquoi, verset 3, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Aïe, c'est ça. Il faut qu'on comprenne bien que, enfant de Dieu ou chrétien, serviteur de Dieu, peu importe, toi qui as décidé de suivre Jésus, tu es devenu un enfant de lumière. Yeah. Et tout ce que tu veux cacher, Il expose parce que lui, il est la lumière. Ça veut dire qu'en fait, dès lors que toi, tu veux rester dans les ténèbres, il faut bien comprendre que ça, c'est les tactiques du diable, en fait. Le diable, il aime les choses qui sont cachées. Le diable, il aime les secrets. Le diable, il aime quand c'est dans les ténèbres, dans les coins. Et en plus, il fait ça, mais il est très méchant parce qu'il va te pousser à rester dans les ténèbres et tout. Et quand Dieu va finir par mettre la lumière, c'est quand tout est gâté. Donc, du coup, tout ce que tu as fait dans le secret, en fait, là, maintenant, c'est révélé devant tout le monde. Et du coup, tu dois assumer. Tu dois assumer. C'est pour ça que je dis, pour certains, ça finit pas bien. Parce qu'arriver à ce stade,
C'est la exactement. Honte. Et ah, le oui. diable va te mettre dans la culpabilité qui va t'empêcher même de revenir au Seigneur. Oh, c'est ça. C'est ça le problème. Ça. C'est et, ça. Et bien évidemment que tout ce qu'on est en train de faire en cachette, Dieu est en train, au fur et à mesure, de l'exposer. Il nous a laissé beaucoup, il nous a laissé beaucoup, nous... beaucoup de temps même. Ouais. Et on était, c'est pour ça que c'est important de le dire, on était sur le... C'est pas deux personnes qui ne voulaient pas se marier. On était sur le chemin du mariage. On préparait notre mariage. Donc, on avait commencé à les listes et les prestataires, tout ça. On était dans le processus. Mais voilà que le diable dans ça, trop pressé, le diable dans ça, va vouloir mélanger tout. Non, un instant. Il y a quelqu'un qui est en train de se dire... Ah. Excuse-moi, hein, vraiment, excuse-moi. Il y a quelqu'un qui est en train de se dire dans son esprit, je l'entends clairement, il se dit, mais... Ah, mais on est quand même fiancés. C'est ça. On va se marier dans quelques mois. Est-ce que vraiment le Seigneur va me foudroyer si on est en train de faire tout ce qu'on est en train de faire? Écoutez très bien, on sert un Dieu de principe. Quand il dit c'est la sainteté, c'est pas la sainteté. Et à un mois du mariage, oh ben là maintenant finalement parce que le Seigneur doit comprendre que le corps brûle. Donc, il va faire une exception pour nous. Non. Ah. Non, pas du tout. Et donc, ce qu'on craignait... Non, faites attention, les amis. Ce qu'on craignait va finir par arriver. Je me souviens, c'était à peut-être une ou deux tentatives. On avait peur que Désir tombe enceinte avant le mariage. Parce que ça faisait partie aussi de ce qu'on voulait. Et donc... Par moment où elle ne voit pas trop ces trucs, tout ça, on a peur, tout ça, et puis elle me dit, ah non, c'est bon, une fois, deux fois. Ça ne nous a pas empêché de continuer dans nos bêtises. Sachant que moi, à cette période, ma mère savait, parce que moi, j'étais celui qui instituait des temps de prière à la maison. Mais ma mère commençait à sentir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, elle a quitté Abidjan pour venir. Je n'arrive plus à faire, je suis arrivé à un stade où je n'arrive plus à fermer mes yeux pour prier. C'est impossible. Je n'arrive plus. Ça veut dire tous mes sens spirituels, bien que je continue à aller à l'église, tous mes sens spirituels sont fermés. Je suis insensible à la présence de Dieu. Tout ce que je veux, c'est ma fiancée. Tout ce que je veux, c'est mon alcool. Tout ce que je veux, c'est mon pétard. Je ne veux pas que quelqu'un m'embrouille dans quoi que ce soit. Et à chaque fois qu'on priait, ma mère était les plus. On était au salon, même mon frère, je m'étais les me regarder, mais on sentait que j'avais perdu quelque chose. Il y a quelque chose qui était en moi que j'avais perdu. Et à ce moment-là, donc ce qu'on craignait va arriver. Un jour, donc je sortais du travail et Désir m'appelle tout ça. Elle me dit, ah, je sens qu'on dirait que je suis enceinte. Donc je dis, ben écoute, on va faire la prise de sang, on va voir. Et effectivement, elle est enceinte. Quand on apprend qu'elle est enceinte, coup de massue. C'est-à-dire que là, en fait, on se rend compte que Le Seigneur nous a laissé trop de temps. C'est ça. Il était compatissant. Trop patient pendant un certain temps. À un moment donné, il a dit, ça suffit. Gloire à Dieu parce que les enfants sont des bénédictions. Mais nous, notre souhait, ce n'était pas de faire l'enfant avant le mariage. Mais on n'a rien fait pour ou contre. Et donc, par la suite, c'est que maintenant, Désir enceinte, comment l'annoncer à l'église? Comment l'annoncer aux parents de Désir qui étaient venus chez moi il y a quelques années? Comment l'annoncer à mes propres parents? Que faire? Et c'est dans cette situation-là, en fait, on avait... Et sachant qu'on parlait de ça à personne, mais je tiens quand même à le dire. Mon père spirituel m'a appelé un jour, j'étais dans la voiture. Il me demande comment ça va avec Désir. Je lui dis, ça va très, très bien. Il me dit, voici un songe que j'ai fait. Il me dit, dans le songe, je te voyais avec Désir. Et en gros, c'est comme si je voyais dans une chambre et vous étiez en train de faire des choses qui ne sont pas bien. Et il ne me pose pas la question directement de me dire, est-ce que vous avez couché ensemble? Il ne me demande pas ça directement, clairement. Mais il le sous-entend comme s'il le savait déjà. Mais moi, il l'avait déjà posé avant. Une question qu'il avait posée avant, mais il revient dessus. Pour dire quoi? Regardez, peu importe ce que vous faites, Dieu révèle toujours. Ne pensez pas que parce que vos pères ne disent rien, ou que vos encadrants ou vos pasteurs ne disent rien, qu'ils ne savent pas. Ils savent. Dieu leur révèle les choses. Et moi, quand on arrive là, moi, je vais appeler mon pasteur. Je dois appeler mon pasteur. Je suis responsable dans mon église. Mais premièrement, je parle de ça à mes parents. Donc, quand j'appelle mes parents, parce que ma mère, elle savait, elle s'attendait plus ou moins. Parce qu'elle voyait que des fois, je rentrais pas à la maison. Je sortais le matin, je rentrais le lendemain à midi. Et des fois même, je me souviens même à côté, dans la résidence de Désir, tellement on était sous. Des fois, on était dans la voiture, on dormait dans la voiture.
à côté de la maison de ses parents. Donc ses parents pouvaient sortir à 5h, 4h même. Des fois même, on restait jusqu'à 10h, on dormait dans la voiture. Donc ils nous pouvaient sortir comme ça, nous voir coucher dans la voiture, alcoolisé, ivre, défoncé, tout ce que vous voulez. Normal, normal. Normal. Et donc, j'appelais mes parents, je leur ai dit. Mais il fallait que Désiel en parle à ses parents. C'est ça. Et donc, dans je ne sais pas si tu veux le dire. De quoi? Comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait même? Pardon. J'étais même pas là, en fait, moi. J'étais pas à ce niveau-là. On l'a pas dit ensemble? Non. Toi, tu l'as dit de ton côté à tes parents. Et je pense que... je crois que tu avais posé une question. Donc, tu me l'as expliqué comme ça. Genre, sa mère lui a dit un truc comme ça, mais en gros, ne me dis pas que tu es enceinte. Wow. Elle a dit si ou elle a dit oui, un truc comme ça, de ce que tu m'avais expliqué. Mmh. Dans une conversation que vous avez eue. Et là, en fait, c'était un choc. Parce que vous savez, comme elle a dit au départ, il y a aussi on est tous les deux des enfants de pasteurs. Tous les deux. Ça. On avait un témoignage, plus ou moins un bon témoignage, même dans la vie dans laquelle on est. Et beaucoup de personnes avaient les yeux sur nous. Oh. Énormément de personnes. Des personnes qui me connaissaient avant, moi tout seul, entre guillemets, dans mon ministère, etc. Des personnes qui étaient là, qui ont su, maintenant qu'on est ensemble, les yeux, c'était x10. Mais donc, on attendait, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendaient la chute. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. Ouais. Parce que vous ne pensez pas que toutes les personnes qui sont autour de vous, vous veulent du bien. Il y en a qui attendaient que ça. Bah, et malheureusement, on n'a pas su mettre le cadre qu'il faut. Donc, elle va appeler, et moi, je vais appeler mon pasteur. Et on va faire une réunion à la maison. Il y avait mes parents. Mais quand dit tout le monde, donc tout le monde était au courant? Mes parents étaient au courant. Ouais. Ses parents étaient au courant. Maintenant, il fallait l'annoncer. C'était eux que les deux. À l'église, c'est ça. Il fallait l'annoncer d'abord au pasteur. OK. Donc, on a organisé un truc. On a fait venir le pasteur. Et moi, c'est ma responsabilité. Donc, encore une fois, j'ai pris la parole. Je ne suis pas entré dans beaucoup de détails. Mais déjà parce que je sais comment mon pasteur a beaucoup misé sur moi. Tu vois, la confiance que tu peux donner à un jeune leader, quelqu'un que tu essaies de pousser même dans le ministère. Et je sais que ça, c'est une question qui me disait, en gros, fais attention à ton témoignage, il veille sur ça, etc. etc. Moi, je lui disais, oh oui, papa, oui, père, ne t'inquiète pas. Mais il fallait que je lui dise là, père, en fait, j'ai pas respecté ce que tu m'as demandé. Et je suis tombé. Et au-delà de ça, Désir enceinte. Aïe. Mais là, je veux dire quelque chose, c'est avec beaucoup d'émotions que je le dis. Wow. Je ne m'attendais pas à cette réaction de la part de mes parents, des parents spirituels. Je m'attendais, dans un premier temps, à la chicotte et peut-être ensuite à l'amour. Mais j'ai reçu l'amour d'abord. Et même la chicotte, je ne sais même pas si j'ai reçu. Bon, on a eu à mettre des trucs au sein de l'église, etc. Mais il m'a fait clairement comprendre qu'il était quand même déçu. Il n'était pas content, on va dire, de ce qui s'est passé. Mais qu'il était notre père. Et que malgré ce qui s'est passé, il reste notre père. Il nous a dit, soyez-en sûr, beaucoup de personnes vont critiquer. Beaucoup de personnes vont parler. Soyez préparés à ça. Mais moi, je serai toujours avec vous. Et ça, c'est cette phrase aussi que nos parents biologiques nous ont dit. Donc maintenant, on était prêts avec nos parents. On était prêts à affronter tout le monde. Parce qu'entre-temps, on avait demandé pardon à Dieu. Important de le dire. Oui. On s'était repenti devant le Seigneur. On avait pleuré devant Dieu. On avait décidé d'arrêter de remettre les... Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que sans Dieu, on ne pouvait rien faire. Impossible. Mmh. Et même notre bonne relation qui était saine au départ pouvait se détruire totalement. Et il fallait qu'on revienne à la base. Et c'est à ce moment de transition pendant que la plupart des chants, il y a des chants qui ne sont pas encore sortis. Mais la plupart des chants que le Seigneur m'a donné, c'était dans cette période. Mmh. Et c'est des chants que quand je chante aujourd'hui, je ressens l'amour de Dieu. C'est-à-dire que tu m'as pris quand même de quelque part, tu vois. Tu m'as pas... Tu sais, il y a des personnes qui naissent dans le ministère et tout va bien. Moi, je ne fais pas partie de cela. Je fais partie des personnes comme Paul, qui étaient peut-être rejetées au départ, tu vois. Qui on ne comptait pas sur eux. Qui avait même peut-être trahi Jésus, s'était levé même contre, peu importe, contre l'église ou quoi que ce soit, mais des personnes qui ont un parcours. Et aujourd'hui, quand je parle de mon histoire, je sais de quoi je parle. Si je dois parler à des drogués, je sais quoi leur dire. Si je dois parler à des impudiques, je sais ce que je vais leur dire. Si je dois parler à des alcooliques, à des personnes qui sont dans la fornication, dans la masturbation, je sais quoi leur dire. Et je me suis rendu compte que Dieu m'a fait passer par là pour que je puisse avoir de quoi dire
à ses fils. Et cela fait partie de notre histoire. Et par la suite, donc on va plus loin. Dieu va permettre qu'on était déjà dans le mariage, dans le processus du mariage. Donc, on a quand même avancé la date avec d'un commun accord avec les parents, tout ça. Oui. Et par la suite, on a eu, à, donc par la grâce de Dieu, tout s'est très bien passé. On a eu, Dieu se glorifier de façon incroyable dans notre mariage. Je vais juste faire un petit point. C'est ça. Parce que le mariage, quand même, c'est vrai que... Waouh. Ce que moi, je veux dire, au fait, c'est quoi? Dans Proverbe 28, au verset 13, on nous dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. » C'est mais ça. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Yeah. Et vraiment, j'aimerais vous dire qu'on a vu la miséricorde au fait de Dieu lorsqu'on a décidé d'avouer et de délaisser. Yes, parce qu'en fait, il y a deux choses. Des fois, on s'obstine à dire « Ah, pardon Seigneur, mais tu ne délaisses pas le péché. » Ou tu n'avoues pas. Ou alors, même, en fait, avouer, des fois, je veux dire, avouer, c'est pas forcément faire une cure d'âme ou quoi, ou j'en sais rien. Tu peux le faire. Mais des fois, on s'arrête là, en fait. Parce qu'on dit, ah voilà, il faut demander pardon. C'est donc, vrai. Je demande pardon. Des fois, on s'arrête là, mais demain, tu continues. Tu refais la même chose. Tu vas pas obtenir miséricorde dans ça, en fait. Et nous, en fait, au-delà de. Parce qu'à un moment donné, il a bien fallu qu'on arrête de se toucher, n'est-ce pas? Il a bien fallu qu'on arrête, en fait, d'être dans tout ça. Et vraiment, on a vu la main de Dieu. Il ne faut pas penser que le Dieu qu'on sert, il n'est que la main qui frappe, en fait. Oh. Il n'est pas que ça. Et il nous a vraiment aidés parce que, comme on vous dit, nous, en plus, à ce moment-là, on était encore étudiants. Donc, ça veut dire que tout était chamboulé. Nous, on avait pour projet de faire des économies et tout pour pouvoir payer le mariage. Mais tout allait dans la boisson. Et tout. Mm. Mais du coup, en fait, on avait rien pour se marier. On était en train de compter sur la main de Dieu, en fait, simplement. Mm. On était en train de compter sur la main de Dieu. Mm. Ça va? Voilà, ça va. Elle est fatiguée. Ouais. Mm. Excusez-nous. Non. Il y a même pas à s'excuser. C'est tout à fait normal et tout. C'est allez-y. Ouais. Et du coup, à partir de là, on a vu le soutien. Le Seigneur, il envoyait des gens par-ci par-là, nous soutenir, nous aider, que ce soit financièrement, que ce soit dans la main d'œuvre. Les gens, ils étaient vraiment touchés, en fait. Et on sentait que pourtant il y avait déjà des rumeurs. Hein. Ça commençait déjà à Toulouse et tout. Oui, elle est enceinte, tout ça. Ça commençait. Il y a des gens qui commençaient, voilà. À se moquer, etc. À se moquer, ouais. Dans tout ça, en fait, moi, ce que je veux dire à quelqu'un, c'est garde la tête haute. Ton péché ne te définit pas. Oh. Le mal que tu as fait, ça ne te définit pas. Mmh. Et il ne faut pas que tu acceptes, en fait, la culpabilité de l'ennemi t'enfoncer plus bas que terre. Non. C'est ça. Nous, on s'est dit, dans tous les cas, on va se marier. On avance. Et lorsqu'on s'est marié, on a parce qu'on voulait pas le faire avant, parce que pour nous protéger aussi. Mais lorsqu'on s'est marié, en fait, on avait pris la décision de l'avouer à l'église. D'avouer à l'église. Il fallait le dire à l'église. Oui, mais l'enfant était là, non, au mariage? Non, elle était Daisy était enceinte en fait pendant le mariage. Elle était enceinte. Oh, elle s'est mariée enceinte. Ouais, okay, elle s'est mariée enceinte. Ok. Donc après ça. On s'est dit qu'il faut, il va falloir le dire à l'église, l'avouer à l'église. Wow. C'était quelque chose d'assez chaud. Personne ne nous a forcé. Voilà. On ne nous a pas dit quoi que ce soit, mais c'était une conviction qu'on avait. Mm-hmm. Et donc, je me souviens, c'était un dimanche, on arrive, c'est mon père même biologique qui était venu ce jour-là et qui a même prêché la parole. Et à la fin, il a dit que les nouveaux mariés ont quelque chose à dire. Donc, moi, j'ai pris la parole encore une fois. Ouh. Et donc, j'ai avoué devant l'église. Ça, c'est là où il faut être un vrai homme. J'ai demandé pardon à tous les départements que j'encadre. Wow. Demandé pardon à toute l'église. Demandé pardon du dernier arrivé jusqu'à la tête. Parce que la parole que je prêchais, je ne l'ai pas vécue. Il faut le dire. J'ai prêché un message, mais je n'ai pas moi-même mis en pratique le message que je prêchais. Et pour ça, je vous demande pardon. Je demande pardon parce que on n'a pas été des exemples pour ces jeunes-là qu'on encadre. Mm. Je demande pardon parce qu'on a, on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Or, le couple Kumpesa, l'amour de l'Église,
qu'on a ressenti ce jour-là. Waouh! Ça nous a fait, ça nous a, j'ai envie de dire, ça nous a fait même oublier même tout ce qu'on a vécu avant. Waouh! On a vu toute une assemblée se lever et venir nous embrasser, même les personnes qu'on avait déçues. Ouh! Et il y avait, pas de, il y a pas plus grand prix. Je veux dire, j'ai même une somme d'argent, même le fait de me donner 60 000 euros là maintenant, ne peut pas me donner de ressentir ce que j'ai ressenti ce jour-là. Parce que wow. Je m'attendais à quoi? Je m'attendais à ce que, bien évidemment, on n'allait pas nous lancer des pierres. Mais je ne m'attendais pas à ce que toute une assemblée, voire la plupart... Même avant qu'ils finissent de parler déjà. Avant quand on a dit que Daisy est enceinte, il y a des gens qui se commencent à applaudir. Il y a des gens qui disaient félicitations et qui disaient non, bon, ben, soyez. Nous, on vient pour s'excuser déjà. Genre, oh, c'était pas fait dans les rêves. C'était pas fait dans les rêves. Wow. Je suis tellement heureux, en fait, pour dire que c'est ça, en fait, le vrai point. Ça veut dire que quand Dieu dit, au travers de l'histoire de Joseph, que ce mal, Dieu l'a changé en bien. C'est ce qu'il fait vraiment, en fait. Le Seigneur, il fait ça. Mais si tu t'attaches à lui, si tu avoues et que tu délaisses, le Seigneur, il change ça. Parce qu'on a été sincères devant Dieu. On a été sincères devant nos parents. On a été sincères devant nos parents spirituels. On s'est dit, on doit être sincères devant nos frères et sœurs de l'Église. Et moi, c'est quelque chose que je veux dire. Parce que souvent, on a tendance à taper sur l'Église. On a tendance à taper tout le temps sur les serviteurs de Dieu. Moi, je vais vous dire, honnêtement, l'amour qu'on peut trouver dans une assemblée, on ne la trouve pas ailleurs. Et oui, il y a des hommes, en fait. Oui, il y a des personnes qui vont être malheureux. Ce n'est pas tout le monde qui s'est levé. On a vu des regards en coin. Il y en a qui avaient des regards en coin. Oui. Mais moi, ce que je vous dis, c'est quoi? Il faut s'attarder sur les personnes qui vont vraiment vous témoigner de l'amour. Et l'amour qui vous sincère, c'est l'amour qui vient de Dieu, en fait. C'est l'amour qui pardonne tout. C'est l'amour qui supporte tout. C'est l'amour qui oui, voilà. Qui ne soupçonne pas le mal. Ça veut dire que cet amour-là, en fait, on l'a ressenti ce jour-là. Sincèrement, ça nous a fait du bien. Donc, toi qui veux fuir l'Église à cause de mauvaises expériences, ce sont des personnes, ce sont des gens qui ont fait quelque chose. Mais c'est pas parce que il y a des... Moi, j'entends trop souvent des témoignages comme ça. Des femmes qui tombent enceintes et après, oh oui, l'Église m'a fait ci, l'Église m'a... C'est pas l'Église qui t'a fait ça. Il y a des personnes dans l'Église qui ont agi comme ça. Mais je t'assure qu'à l'intérieur, il y a des personnes qui t'aiment vraiment et qui vont te soutenir. Nous-mêmes, parce qu'on n'était pas les premiers, il y a d'autres personnes, on a vu aussi, qui sont tombées enceintes. Mais on va pas leur taper dessus. Elles sont déjà assez mal. Elles sont déjà assez dans la culpabilité pour qu'on puisse les enfoncer. Moi, exactement. Qu'on arrête, parce que souvent sur les réseaux, moi, sincèrement, c'est des choses qui me chagrinent, en fait, à un point où, genre, on a tendance à toujours vouloir diaboliser l'Église. Oui, c'est eux qui jugent, c'est eux qui font ça, c'est eux qui chassent. Personne ne nous a chassés. On nous a chassés de l'Église. On ne m'a pas... Moi, j'ai vécu une grossesse et même, j'étais plus libre de le dire parce qu'en fait, je pouvais m'habiller en fait, tranquillement. À chaque fois, je devais réfléchir. Oh, il faut que je cache parce que le ventre commence à se voir et tout. J'étais pas bien, j'étais mal à l'aise. Et le fait de le dire, je peux laisser ma grossesse en fait s'exprimer. Parce que c'est vrai que sur les photos, ça ne te voit pas trop, mais je sais pas... Un mois après le ventre, il était dit, on pouvait plus cacher. On pouvait plus cacher parce que c'était un truc. Mais vraiment pour dire que ne vous confinez pas dans ce genre de système de pensée. Des fois, ça, c'est technique du diable pour diviser l'Église. L'amour de Dieu est vraiment encore aujourd'hui. Va dans une assemblée, attache-toi à des bonnes personnes, prie le Seigneur et tu verras, il va t'orienter. Tu auras des bons bergers, des bergers comme nous qui nous ont soutenus, qui nous ont portés, qui nous ont accompagnés. Et voilà, nos enfants sont là aujourd'hui par la grâce de Dieu en très bonne santé. Et on est mariés, oui. En fait, pour dire que ce n'est pas une fatalité. C'est pas la fin de l'histoire. C'est pas parce que tu es tombé que ça y est, c'est fini. Et ça, c'est un vrai changement de mentalité qui doit encore bien pénétrer nos églises. Oui, que ce n'est pas une fatalité. Et quand on dit ça, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une fatalité. Quand même, laissez-nous respirer. Je peux tomber dans le péché. Non, il faut être humble. Quand tu as été dans ça, ne commence pas. Ah non, mais pourquoi l'Église ne m'a pas témoigné d'amour ou pas? Non, ça ne doit pas être ça ton focus. Assumez-vous. Mais
tout en vous assumant, tout en reconnaissant que ce que vous avez fait était C'est ça. J'aime bien quand la servante de Dieu, Daisy, nous dit « c'est pas une fatalité ». Vous savez, des fois, on va voir le péché sexuel comme étant le plus gros péché de la planète. La Bible dit qu'il n'y a pas de péché plus grand que l'autre. Si tu as péché contre un péché, en fait, tu es coupable de tous. Donc, de la même manière que tu t'empêches de rentrer dans le mensonge, dans le vol, c'est de la même manière que tu dois t'empêcher d'être dans le péché sexuel. Donc, tout ça pour dire que ne regarde pas une autre sœur ou un autre frère parce que tu as su qu'ils étaient dans le péché sexuel comme étant plus sales que toi qui es dans un autre péché. Et la manière dont cette église s'est comportée envers le couple d'Egbo, est-ce que nous, aujourd'hui, on peut apprendre de cela et demander au Seigneur de nous remplir de ce type d'amour et de ce type de compassion? Si tu es d'accord, je veux voir dans les commentaires, je suis cette église. Et quand on met église, on parle d'église avec un grand E, l'église de Jésus-Christ, l'église de Jésus-Christ qui ne juge pas, qui n'est pas rapide pour lancer des pierres, l'église de Jésus-Christ qui aime, qui s'est manifestée de l'amour, de la compassion. Est-ce que tu peux écrire « Je suis cette église » Amen, amen, amen. Nous devons devenir cette église. Nous devons devenir cette église. Une église qui ne juge pas. Mais une église qui sait comment relever son prochain. Gloire à Dieu, eux, ils étaient mariés. Et si quelqu'un venait devant l'église pour dire que, ah, on est tombé dans le péché, mais on n'est pas mariés, comment allez-vous vous comporter envers eux? Comment vous les auriez accompagnés dans le fait que la femme est maintenant enceinte? Peut-être que là, gloire à Dieu, comme ils sont mariés, ça les a peut-être aidés dans un sens que, bon, au moins, ils sont mariés, c'est bon, c'est passé. Et s'ils ne se seraient pas mariés? Comment vous seriez comporté? Il est temps que dans la francophonie, surtout, on puisse réellement changer notre comportement de ce côté. Ne soyons pas de ceux qui sont rapides pour vouloir jeter la première pierre. Non, j'ai beaucoup aimé que la servante encourage même une personne qui est dégoûtée par l'église. Parce qu'effectivement, ces personnes qui sont prêtes à te rabaisser à cause de tes erreurs, Il ne constitue pas toute l'église. Pas du tout. Non. C'est vrai que des fois, c'est juste une poignée de personnes. Mais toi, ne fais jamais partie de ce type de personnes. Jésus. Fais partie de la solution. Yes, Lord. Fais partie de ce que Dieu va utiliser pour relever. Regardez comment aujourd'hui, il nous bénit. Si ce n'est pas avec la musique, regardez avec le ministère. Si ce n'est pas avec le ministère, regardez juste au travers de ce live. Et s'ils auraient été décimés par l'église? Non. Que quelqu'un, en tout cas, prenne cet enseignement-là pour changer son cœur de pharisien en cœur de Jésus-Christ. Alléluia. Il est temps qu'il y ait un changement. Gloire à Dieu pour nous, scandale au miracle. Gloire à Dieu pour le couple d'Egbo, ils se sont relevés. Mais il y en a plein qui sont là dehors, pour qui ça n'a pas fini comme ça. Pas pour dire que tout est la faute de l'église. Des fois, il faut aussi que la personne s'efforce en fait, de se détourner de son péché, décide de se rattacher à Dieu et s'humilie aussi. Le couple d'Egbo a fait preuve de beaucoup d'humilité pour que le Seigneur les élève. Alléluia, Jésus. Mais on ne peut pas nier que l'Église a aussi sa part à faire pour aider son prochain à se relever. En tout cas, ça fait partie de ce qu'on doit faire. C'est vraiment... Je ne sais pas si vous aviez terminé. Je pense qu'on était quand même rendu à la fin de l'histoire. Mais quel témoignage! Vraiment... Quand on nous a laissé à la pause, qui aurait cru que ça... Il n'y a pas un prophète ici dans les 900 personnes que nous sommes là. Il n'y a pas un qui savait que oh non, ça va se faire comme ça. Même moi, je suis vraiment très surpris de tout ça. Bien entendu, on se connaît un tout petit peu, on s'était parlé un peu. Mais ça, c'est incroyable. Incroyable. J'ai envie de dire ceci. Parce que quand même, je comprends qu'il se fait très, très tard. On va essayer de finir un maximum 5-10 minutes. Le live va finir. On ne va pas rentrer dans une très grande prière parce que tout au long, et je le ressens dans mon esprit, tout au long, juste quand ils ont commencé à avouer,
par quoi ils sont passés. Le Seigneur était déjà commencé en train de libérer quelque chose dans l'atmosphère. Alléluia. Donc, il y a déjà beaucoup de personnes là où vous êtes déjà détournés. Oh, ça va aller. Maza. Vous vous êtes déjà détournés de beaucoup. De beaucoup. On ne va pas commencer à rentrer dans une grande prière. Et, ah, Jésus. Non, non, non. Il y en a, vous êtes même déjà libérés. Alléluia. Là où vous êtes. Ah, Shaba. Et Kabasa. Olo Sabasha. Et Rabasha Rabaso Koba. Et les Bosoto Shikaraba. Maye les Baza Sheba. Oh, tu es un Dieu d'amour. Oh, riche en bonté. Yes. Alléluia. Riche en bonté. Yeba Sharaba. Et là, 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 je veux que de là où tu es, chez toi, que tu puisses juste élever ta voix et dire, Seigneur, merci pour ton amour sans limite. Oh, est-ce que tu peux juste reconnaître que tu sers un Dieu, que un jour tu as fait quelque chose, mais son amour seulement a fait en sorte que tu te détournes de tes péchés. Est-ce que là où on est, est-ce qu'on peut juste élever nos voix pendant une minute? Après, je vais laisser l'homme de Dieu avec son épouse juste relâcher une parole de bénédiction et surtout relâcher une parole qui va aider quelqu'un à réellement se détourner une bonne fois pour toutes de ces choses. Élevons notre voix seulement une minute. Après, on va laisser le couple libérer une parole. Yarabashé. Père, nous te disons merci parce que tu es le Dieu. Alléluia, ton amour est tellement grand. Ton amour est tellement merveilleux. Oh Seigneur Jésus, merci, Seigneur. Qu'est-ce qu'on a mérité? Qu'avons-nous mérité, Seigneur? Oh Seigneur Jésus, que le salaire du péché, c'est la mort. Tu avais donné rendez-vous à 1000 personnes qui étaient là ce soir en temps. Merci, roi de gloire. Chandeli Mando, Sapradeli. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. J'aimerais juste dire à une personne que la vérité est une puissance qui libère. La vérité est une puissance qui libère. Ne t'enferme pas dans ce péché-là. Ne t'enferme pas dans ta culpabilité. Ne t'enferme pas dans ce secret qui est en train de te détruire à petit feu. Ne t'enferme pas. Car le Seigneur a prévu des choses encore plus grandes pour toi. Il a prévu des choses plus élevées pour toi. Il attend simplement que tu viennes à lui tel que tu es. N'attends pas d'être parfait, d'être parfaite pour venir. Approche-toi simplement de lui humblement et il agira. Je vais prier pour toutes ces personnes qui sont encore dans les liens de l'impudicité, les liens de la fornication. Père, étends ta main de grâce sur leur vie. Libère-les, ô Éternel. Libère toutes ces personnes qui sont encore dans la drogue, qui sont encore, Seigneur, dans l'ivrognerie, ô roi de gloire, qui sont enfermés, ô Seigneur, par ces péchés. Libère-les, mon Dieu, mon roi, fais leur grâce. Je prie pour toutes ces personnes qui sont en train d'aller vers le mariage, que tu puisses te révéler à elles, que puisse, Seigneur, ô Éternel, aller dans le mariage avec la sainteté, toute la gloire, ô Éternel, qui te revient, Seigneur. Oui, peut-être que nous sommes passés par là pour que des personnes, ô Éternel, des petits frères, Seigneur, des petites sœurs n'aient pas à passer par ce même chemin. Donc nous t'implorons, ô roi de gloire. Merci. Et sans ta main, au nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ouh.
Jésus. Wow. Oh. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Hey. Moi, je vis pour Jésus. Oh, hey. Oh, 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 oh. Moi, je wow. vis pour Jésus. Oh, oh, oh. Moi, je vis pour Jésus. Oh, oh, je sais pas, il y a quelqu'un qui doit le dire seulement dans son coin. Oh, moi, je vis pour Jésus. Oh. Alléluia. Oh, oh, oh. Moi, je vis pour Jésus. Oh. Alléluia. Oh, oh. Moi, je vis pour Jésus. Alléluia. Oh. Oh. Moi, je vis pour Jésus. Oh. Yes, la meilleure décision. Oh, 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 yeah, pas ça. Moi, je vis pour Jésus. Oh, j'ai des larmes aux yeux parce que je vois, il y en a, ils sont en train, il y en a même, désolé, je vous dis, il y en a même, vous êtes en train de vomir parce que vous êtes littéralement en train de sortir toutes les choses qui étaient. Yabasa, Jésus, oh, Yabasa. Oh mon Dieu, on voudrait continuer, mais on doit arrêter. Mais il y a des grandes délivrances qui sont en train de se faire là. Je le crois. Oh mon Dieu, we have to stop. We have to stop. Oh, en tout cas, les couples d'Egbo, merci encore. Merci à vous. Pour la transparence que vous avez eue. Merci pour votre honnêteté, sincérité. Oh, Shabba. Je n'ai pas de mots pour exprimer à quel point nous avons été bénis. Shabba. Réellement bénis par votre histoire. Que le Seigneur vous bénisse et vous élève davantage. Surtout pour le cœur que vous avez. C'est très, très, très inspirant. Vraiment, soyez bénis. Et pour terminer, avant de vous libérer, on veut vous faire participer à notre Love Quiz qui contient trois petites questions que vous devez répondre de manière spontanée. Okay. Alors, très rapidement, numéro 1, qu'est-ce que vous aimez faire ensemble? Discuter? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on aime faire ensemble? Je sais pas, on aime bien regarder... Regarder quoi? Des trucs de... Comment ça s'appelle là? Les enquêtes exclusives et tout. Là. Ah, ouais, ça, c'est vrai qu'on aime bien. Ouais, c'est vrai. Yes! Yeah. All right. Numéro 2. Bon. Yeah. Un passage biblique ou un personnage biblique qui vous interpelle? Qui nous interpelle? Il y a un passage biblique que le Seigneur nous a donné depuis un certain temps. C'est Romains 12, 12. Romains 12, 12, c'est un passage même qu'on a ici à la maison. Qui dit, si je ne me trompe pas, soyez heureux dans l'affliction. Donc, il y a certaines versions. Heureux dans l'affliction. C'est quoi l'autre, la suite? C'est plus quoi? C'est plus. Patient dans la détresse. Retrouve-moi le passage. Et persévérant dans la prière. C'est trois étapes. Donc, je crois que c'est heureux. Heureux dans l'affliction. Patient dans la détresse et persévérant dans la prière. Donc, si je ne me trompe pas, Romains 12, 12. I love it. Tu veux le trouver? Non. Il faut. Réjouissez-vous. En espérance. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction et persévérant dans la prière. Yes. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patient dans la détresse. Wow. Okay. Alléluia. Persévérer dans la prière. Amen. I love it. Amen. Amen. Wow. Ça, c'est fort. Très fort. Dernière question. Un mot pour décrire ton charmant époux et un mot pour décrire ton épouse. Yes. Un mot seulement. Hein. Ouais. Bon, avec toutes les qualités qu'elle a, un mot, c'est un pot de colle. Hein. C'est chaud. Hein. Ok. Un ou deux. Merci. Juste parce que vous nous avez bénis. Moi, je dis... Bon, alors, si je peux dire deux mots, je dirais patient et aimant. Wow. Moi, je dirais aide et en deux mots, inspirante. Wow. Ouais. Magnifique. Et l'acte prophétique, l'acte bonus, le peuple de Dieu voudrait voir un doux baiser, un saint baiser, un beau bisou du couple de la Côte d'Ivoire et du Congo, vraiment, le couple d'Egbo, on veut voir un beau bisou. Le bisou, hein.
C'est pour les mariés. En tout cas, merci. Merci. Merci beaucoup, franchement. Merci à vous. Vous nous avez fait beaucoup de bien. Parce que même à entendre encore votre histoire, je sais, on n'en a pas parlé, mais je sais qu'elle ressentait tout ce que nous aussi, on avait vécu dans notre parcours. Moi aussi, je le ressentais. C'était, mon cœur, ça boostait. Je dis, Seigneur. J'ai dit, on vient de quelque part. On vient de loin. Et vraiment, et que le Seigneur se sert de ce genre de témoignage vraiment pour que réellement le peuple de Dieu soit réellement édifié. Et vous l'avez fait. Mesdames et messieurs, le couple des deux, vraiment, montrez-le combien vous les appréciez. C'était tout simplement incroyable. Incroyable. On était à 1125 à un moment donné. C'était incroyable. En plein live, c'était incroyable. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Merci beaucoup. Merci encore pour l'invitation. On se revoit la semaine prochaine pour l'émission numéro 5 de la troisième saison du Double Day Because your testimony matters. Yes. Merci. Yes. Amen. Bye bye. All right. All right. Et pour terminer, je fais juste un rappel parce que ma secrétaire m'a envoyé un message pendant que je faisais l'annonce sur l'activité, la grande conférence, le grand événement qui aura lieu sur Paris le 26 mars, donc le Wedding Business. Je vous fais une annonce rapidement pour vous dire qu'ils ferment leur billetterie donc, au mois de mars. Donc, je vais vous donner la date exacte. C'est le 10 mars, voilà. Ils ferment la billetterie le 10 mars. Alors, contactez la page Instagram Alliance Impact pour avoir toutes les informations. Yes. Dites-les que vous venez de couronner d'amour. Yes. Ça va plus que les faire plaisir. Yes. Et sur ce, on vous laisse. On se voit la semaine prochaine. La semaine prochaine pour la cinquième émission du Double D, la troisième saison. C'est tout simplement incroyable. On bénit le nom du Seigneur pour ceux qu'on a entendus aujourd'hui. Yes. Et ceux qui ont reçu vraiment une délivrance, gardez cela. Allez et ne péchez plus. Alléluia. C'est ça que Jésus a dit à cette femme. Il a dit, vas-y et ne pêche plus. Amen. Vous êtes libérés, vous êtes délivrés. Et allez parler à vos autorités spirituelles qui continuent à prier pour vous. Ouais. Et s'il y en a des gens ici, vous êtes là et vous n'avez peut-être pas d'église, vous pouvez venir aussi rejoindre notre église. L'église, vous écrivez sur Instagram, la Maison Royale Internationale. Et ça va nous faire plus qu'un plaisir de vous prendre accueillir. Soin de vous, de vous accueillir, prier avec vous, etc. Yes. On se voit la semaine prochaine au Double Date because your testimony matters. God bless you. God bless you all. Bye-bye. Bye-bye.